les jeux mobiles les plus addictifs de tous les temps. J'ai été de la naissance à la mort en tant que chien, mais aussi du paradis à l'enfer. Et j'ai fait des dessins pour des énigmes impossibles. Restez bien jusqu'à la fin pour voir Red Kill se transformer en un monstre animal fusionné géant. C'est parti! Tap 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 pour faire grandir ton chien. Comment ça, tap tap tap, il faut lui taper dessus comme ça? Ah ouais, ça marche super bien! Allez mon chien, grandis mon pote, tu vas y arriver! J'ai jamais vu un début de jeu aussi pénible. Allez, 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 viens là mon pote. Wow, c'est bon, on a bien travaillé. Bon, mais maintenant il va falloir te trouver une famille d'adoption. Mais regarde-moi ça, si ça tombe pas bien, il y a deux familles qui ont l'air très contents de t'accueillir quand même, hein. Ah ouais, ils sont vraiment tous à fond, quoi. Ils ont vraiment hâte de t'accueillir. Mais à la fin, il ne restera qu'une famille. Alors, est-ce qu'on choisit la Smith Family à gauche ou bien la Miller Family? En gros, je pense que la grosse différence entre les deux familles, c'est qu'on va se faire soit martyriser par un petit gamin comme ça, ou bien par une petite fille, hein. Mais les petites filles, c'est cruel quand même, surtout à cet âge-là. Donc allez, j'espère faire le bon choix, mais mon petit chien, tu iras dans la Smith Family, c'est parti. Oh, mais j'ai fait le bon choix, regarde comment ils sont contents de t'accueillir. Et ça y est, notre première sortie, on a actuellement 3 mois, ça fait plaisir, on ramasse des petits nonos qui vont nous permettre d'accéder à peut-être un peu plus de vitesse, c'est ça? Oh, oh, calmez-vous par contre, oh, 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 ils sont partis, les amis. Quoi? Plus 3 mois déjà? Waouh. Ça y est, j'ai actuellement 6 mois. 6 mois, c'est à peu près l'âge à laquelle il va commencer à parler. Ah ben non, c'est un chien. Bon, en tout cas, salut tout le monde, c'est Red Kill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un simulateur de chien dans lequel nous allons devoir suivre ce petit chien-là, de sa naissance, comme vous avez pu le voir, à son adoption jusqu'à la fin de sa vie. Une véritable vie de chien. Ah, je viens de regarder que nous avions des smileys au-dessus de nous. Apparemment, ici, on a le démon et là, plutôt l'ange. On a déjà un petit point en ange, hein. Donc, à mon avis, au fur et à mesure de sa vie, il va falloir faire les bons choix pour éviter d'être un méchant chien. Ben écoutez, les amis, on va voir ça. On a possibilité de faire caca sur ses chaussures. Ou alors on peut aller faire pipi dans le jardin, ou bien faire pipi sur lui directement. Bon, notre maître nous a pas appris à faire nos besoins correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire pipi dessus directement. On passe direct du côté obscur de la force. Wow. Il a rien vu encore. Ah, c'est mouillé, qu'est-ce que c'est? Oh, comment pas de trace. Let's go les amis, donc on passe en mode mauvais chien pour l'instant. Allez go, maintenant on va pouvoir gagner donc quelques mois. On a gagné quelques points surtout en mode méchant. Et c'est parti, trace mon pote, vite qu'on soit à 9 mois. Yo 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 go, ramasse tout, les petits nonos. Et c'est bon, c'est bien tous les 3 mois qu'on va faire aujourd'hui. 3 mois et la prochaine fois ça sera les 1 an de notre petit chien. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour notre... Oh là, ça pue, je crois qu'on va déranger le rencard là les amis. Faut monter sur le lit, faut qu'on fasse un truc. Oh là là, pourquoi ça vole ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, est-ce qu'on les rejoint? Est-ce qu'on ferme les yeux? Ou est-ce qu'on s'en va tout simplement? Ah mince, faut que je regarde une pub pour les rejoindre. Ah, bon bah écoutez, on va juste fermer les yeux. On va rester là, on va fermer les yeux, je sais pas comment on va faire. Oh, c'est trop classe. Par contre, y a rien derrière. Y a le ciel derrière. Oh, c'est bon, on a respecté nos parents adoptifs. C'est bon, on a gagné un peu de points en méchanceté et en gentillesse un petit peu. Oh, c'est quoi ce truc là? On va gagner des années ou quoi? What? Oh, c'est peut-être le gamin qui va grandir. C'est... Mais c'est ça en plus. Let's go. On a fait grandir le gamin. Le gamin qui va pouvoir maintenant un peu mieux s'occuper de nous. Après, il nous promène tous les 3 mois. C'est quand même pas mal, on va pas se plaindre quand même. Une sortie tous les 3 mois, c'est très bien. Alors, comment ça se passe par la suite? On est maintenant à 1 an, ça fait plaisir. On a la possibilité de développer notre niche, apparemment, en dépensant nos petits nonos comme ça. Allez, on rajoute de quoi s'amuser, de quoi sauter, ça va nous faire gagner un petit peu d'aptitude sportive. De quoi mieux dormir aussi, allez hop, de quoi... Trop stylé. Bon, moi j'ai plus de sous, on reviendra tout à l'heure, on pourra débloquer plus de trucs, ça va être de la folie. Et on va pouvoir débloquer un quad quand on aura 5 ans. Oula, je crois que ce jeu à un moment va partir en vrille les amis, mais ça y est, on est là. Oh, il va sûrement se faire embrouiller par cette... What? Wow, ce croche-patte qui vient de se prendre. En même temps, il leur fonce dessus, machin. Oh, non, il est en train de le défoncer, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Oh, on peut les aider à défoncer notre petit pote. Ou bien on le protège. Oh, les amis, j'hésite. Vous auriez fait quoi, vous, dans les commentaires? Moi, j'hésite. Parce qu'ils nous promènent que tous les 3 mois. Donc, allez, on rejoint les autres. On défonce notre pote. Oh là 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 là, ce délire. Bon bah maintenant on aura droit à une sortie tous les ans je pense, hein. Il est quand même content machin. Allez go, on peut rusher et on a d'autres amis petits chiens apparemment. Oh,
Est-ce qu'on va pouvoir prendre le petit dalmatien? Non, quand même pas. Ah, j'ai la possibilité de changer de race. Ah, mais faut regarder une pub? Oh non, non. Oh, c'est bon, ça ira, merci. Je changerai tout à l'heure, laissez-moi tranquille maintenant. Allez, donc direction notre premier, notre 1 an et 3 mois tout simplement. Allez, go la suite. Et on a maintenant... Oh, on est chez le veto, les amis. Ça, c'est pas forcément très bon signe. Comment je me suis levé en étant toujours couché? Alors... Waouh, la seringue est plus grosse que moi, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Aïe, 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 aïe. Ok, alors est-ce qu'on reste hyper calme ou est-ce qu'on essaie de s'échapper, les amis? On essaie de s'échapper. Je veux pas me faire piquer. Trace, mon pote, trace. Allez, go. Il a quand même réussi à nous piquer, quand même. Alors, attention, il y a maman qui peut nous voir là, parce que là pour l'instant elle nous voit pas. Elle a un champ de vision assez réduit. Elle a pas mis ses lentilles ce matin. Allez, c'est bon, c'est échappé. Bon, on a quand même été vacciné contre la rage, donc ça c'est un bon signe. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau, les amis? Et il va falloir regarder une pub pour l'avoir ou quoi? Ouais, c'est ça, il faut regarder une pub. Ah, c'est trop stylé, c'est un petit outfit de carotte comme ça. Allez, go donc, direction les 1 an et demi cette fois-ci. Pour l'instant, on est plus du côté méchant, hein, clairement. Alors attendez, je vais aller dépenser mes petits nonos. On va prendre un peu de décor. Ah ouais, c'est pas qu'un peu là. Oh, c'est encore plus classe comme ça. Et c'est bon, j'ai plus d'argent. Alors, comment ça va se passer ici? Oh oh, on attend ici tranquillement. Généralement, le chien, il aime pas trop la douche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, on va lui tirer la serviette ou quoi? Ah oui, c'est ça. Soit on tire le rideau ou bien on tire sa serviette. Dans les deux cas, on gagne des points de méchanceté. Bon. Ah, mais c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Oh. Go tirer le rideau. Il y a quelqu'un derrière. C'est qui? What, c'est elle? What, on est en train de partir avec? On l'a tracé, les amis, c'est bon. Eh bah, je crois qu'ils vont commencer à regretter de m'avoir adopté, hein. Oh là là, on est presque à 50% de méchanceté. Allez, go, 1 an et 9 mois maintenant, et dans 3 mois, on va débloquer donc un habit qui sera sûrement définitif en rouge, comme ça. Donc, allez vite qu'on y soit. Alors, comment ça se passe ici? Essaye de m'attraper à boire, mais il a cru que j'étais son serviteur ou quoi? Attendez. Bon bah après, franchement, si le chien, il est capable, tant mieux, hein. Oh, hop là, prends un autre truc en même temps. Alors, soit on prend à boire, ou soit on prend du lait. Ah, bah attendez, on va prendre à boire, mais on va boire quoi, là? Oh, une bière! Non, on va boire une bière, les amis, c'est pas très bon pour le chien, ça. Ah, mais c'est bon, on lui amène, tout va bien. Mais alors, pourquoi on est méchant? On lui a apporté une bière, tout va bien. Pourquoi on a gagné des points de méchanceté? Mais laissez-moi tranquille un peu. J'essaie d'être gentil. Allez, donc, ça y est, go se débloquer le nouvel équipement qui sera disponible sûrement juste ici. Attention, est-ce qu'on l'a? On va voir ça. Est-ce qu'il est débloqué? Oui! Wow, il faut l'acheter. Ah, ça coûte cher tout ça, hein. Bon, allez, je me prends ce petit truc là qui est vraiment affreux. Je regrette de l'avoir pris. Mais bon, pour commencer, c'est très bien, il fait froid, c'est l'hiver. Wow, qu'est-ce que je suis stylé. Qu'est-ce que tu veux comme comme cadeau? Soit un spa ou soit un hot tub. C'est un jacuzzi, je crois. Bah écoutez, petit jacuzzi pour le chien. Let's go, regarde-moi ça si on n'est pas classe. Avec le petit hot dog, c'est n'importe quoi. Alors, on est maintenant au parc, ce qui semblerait être justement ce parc. Ouais, on est en train de jouer. Oh, faut y chercher le nonos. Cours, mon pote, cours, 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 cours. Voilà, c'est loin. Pourquoi tu l'as lancé aussi loin, toi? C'est bon, j'allais. Je reviens. Non, on s'en va. Vite, on essaie de s'échapper. Oh, apparemment, faut pas se prendre les murs, hein. Sinon, tu meurs direct. On peut se prendre le tourniquet ou pas? Hop là. Allez, tiens, mon pote, le petit nonos, en espérant que ça me permette d'avoir plus d'argent pour débloquer plus de trucs chez moi. Ah oui, 741 os, c'est pas mal, hein. On va pouvoir voir ce qu'on va pouvoir faire ici. Un peu plus de décor. Wow, la statue de mon maître vénéré. Allez, on va augmenter la niche aussi. Oh, c'est quoi? On a un barbecue à côté? On a possible. Mais je vous jure, on a un barbecue. Eh bah, on est bien un chien pas mal classe quand même. Allez donc, la suite avec maintenant... Oh, petite réunion de famille. Oh, on va partir en vacances. Prenez vos sacs. Let's go. Oh, je suis tellement content. Merci, papa. T'es trop gentil avec moi. Allez, c'est bon, arrête de tourner, là. Alors, je fais ma valise. Hop, on ramène des jouets, des jouets, des jouets, encore des jouets, et bien sûr, la gamelle. Et, des jouets aussi. Allez, hop, voilà. C'est bon. Oh, c'est tellement stylé. Comment ils arrivent à sortir? Pourquoi les vitres sont ouvertes? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, go. Donc, direction les vacances. Alors là, je sais pas ce qui va se passer, mais on va essayer de mettre le bull en vacances. Alors, nous sommes dans notre chambre de vacances. C'est ça, il y a un voleur, les amis. Il faut essayer de le choper. Hop là. Il est trop fort, le type. Oh oh, j'ai entendu quelque chose. C'est à nous de les prévenir. Oh oh, oh oh. Vite, il faut le manger. Est-ce qu'on l'attaque ou est-ce qu'on réveille les parents? Direct, on l'attaque, on s'en fiche. Hop là, pas besoin de réveiller les parents. Attaque, attaque, mon chien, attaque. Hop là, voilà.
Tout le monde a vu ton caleçon, mon pote, la honte. Donc ça y est, ça fait plaisir. On a maintenant 3 ans et on peut profiter tranquillement sur la plage. Ça fait 6 mois qu'on est en vacances, clairement. Et maintenant, soit on fait un trou dans le sable, ou alors on se repose tranquillement au soleil. Non, mais on va creuser un trou. Je sais pas ce qui va se passer, mais oh, on va leur lancer plein de sable dessus. Vas-y, mon pote. Gratte, 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 gratte. Hop là. Non, qui a mis du sable sur ma serviette? Non, 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 non. Oh là 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 là, allez hop sur les voisins. Bon ben voilà, c'est réglé. On va faire le point sur notre méchanceté, notre gentillesse. Ah oui, on est déjà à 3 sur notre méchanceté et à même pas à 2 sur notre gentillesse. Ok, on est tranquillement dans le village de vacances et... Oh, il est en train de faire des bisous à d'autres. Est-ce qu'on attaque, on le dit à la maman, ou est-ce qu'on attaque la fille? Oh, on va attaquer la fille direct. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça avec nous? Hop là. Par contre, du coup, la mère, elle ne le saura jamais. Bon, bah, tant pis, hein. C'est dommage, en vrai, parce qu'on aurait peut-être dû le dire à la mère, elle lui aurait mis une claque de l'espace. Bah, la fille, hein, à lui, je veux dire. Donc maintenant, comment ça se passe? On est de retour à la maison, et il y a un autre petit chien. Oh, je suis jaloux. Viens rencontrer ton nouveau frère. Est-ce qu'on joue avec lui, ou est-ce qu'on l'attaque? On l'attaque direct. Je peux pas de pote chez moi. Regarde, on arrive tranquillement, une petite attaque furtive, et... Attaque, attaque. Oh, je suis en train de me faire fâcher, par contre. Moi, je suis rendu à plus de 1000 os, on va pouvoir débloquer pas mal de trucs et on est presque bientôt à toute la barre en haut de méchanceté. Ça va, qu'est-ce qui va se passer? Allez, en tout cas, allons dépenser notre argent. Alors, on veut des nouveaux jouets, nickel, on peut sauter dans l'arceau comme ça. Nouveau jouet encore, nickel. Et encore un dernier, hop là. Wow. Donc alors, comment ça se passe? Oh, regardez comment on est délaissé, les amis. Voilà, il y a un nouveau chien et maintenant, on est tout seul. Et ouais, c'était sûr, ils m'ont adopté juste pour que cela arrive. Bon, bah, on va choisir le côté méchanceté, hein. On va tenter une petite attaque furtive encore. C'est parti, hop là. Oh, comment on l'attache? Waouh, ils sont en train de se battre apparemment. Allez, go donc, direction nos 4 ans, maintenant. On a possibilité de claim notre cadeau de méchanceté. Ah, petit cadeau pirate. Mais c'est pareil, il faut une pub. Peut-être qu'on va pouvoir l'acheter, sinon, hein, je sais pas où il est. Ah non, on peut pas. Bon, en tout cas, on est très bientôt à nos 5 ans qui va nous permettre d'avoir un petit quad. Oh, c'est Noël. C'est le premier Noël qu'on fête, on n'a pas fêté ceux d'avant. Ah, il faut sélectionner ton cadeau. Celui du milieu. Allez, c'est parti, ouvre-moi ça, mon pote. Hop là, il est intelligent, ce chien, quand même. Hein. Alors, vas-y, c'est bon, tu peux ouvrir ou pas? Oh, un os géant. Je sais pas comment ça a rentré dans le cadre, mais ça va. Oh, la tête du chien quand il a vu l'os, quoi. Salut. Ouais, salut, à la prochaine. Va travailler, mon pote. Et on va se retrouver seul, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ok, là, s'en va. Est-ce qu'on s'en va? Ou est-ce qu'on ferme la porte? Ou on se barre? On s'en va! Allez, coucou, coucou, coucou. Oh, on a rencontré une jolie petite fille. Alors, oh, on tombe direct amoureux. Alors, est-ce qu'on sent ses fesses? Oui, oui. Ou est-ce qu'on lui fait un bisou? Non, pour une fois, on va se contenter de faire un bisou, je pense. Ça suffira, c'est bon. Allez, petit kiss. Wow, il se roule des... Ouais, magnifique, incroyable, quoi. Ah, il essaye de m'apprendre 2-3 trucs. Va à gauche, voilà. Ouais, pas trop, pas trop, pas trop. Saute, hop là. Bah, il serait peut-être temps de m'éduquer, quoi, j'ai genre 5 ans, hein. Dors, ok, dors. Dodo, fais dodo. Hop là. Ouais, merci, merci, merci. Oh, regardez qui c'est qu'on a ramené à la maison, les amis. Oh, on lui propose un petit date, un petit resto, peut-être. Yes, elle a dit oui, les amis. Est-ce qu'on fait un pique-nique ou alors on fait un dîner aux chandelles? Attendez, on est un vrai chien galant, nous. On va faire un petit dîner aux chandelles. Y a pas de pique-nique pour notre premier rendez-vous, quand même. Allez, go, c'est parti, go préparer ça. On sort. On sort par la télé, en fait. Wow, regardez si c'est pas stylé. Je lui ai même découpé son petit os, alors que moi, je l'ai en... Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où, là? Ok, parti. C'était un sacré date, ça, quand même. Bon, allez, go, direction les 5 ans, qu'on puisse avoir, donc, ce petit quad sympathique. Allez, hop. Alors, est-ce qu'on l'a ou pas? Alors... Oh, mais ça coûte cher. Bah attendez, le quad c'est à 1000, donc je l'aurai après, parce que là je peux acheter le vélo, là, le tricycle, mais bon, il est un peu nul. Donc on va attendre, il faut qu'on économise de l'argent. Oh, attendez, 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 il y a un autre chien qui a repéré notre copine. Ça va pas le faire, ça, mon pote, ça va pas le faire. Par contre, il me démolit, lui, en vrai. Oh, non, les amis, regardez, il faut regarder une pub pour défendre notre copine, c'est ce que j'aurais voulu faire. Sinon, on peut partir, mais il faut que je peux pas, parce que j'ai pas de pub. Alors, écoutez, je vais juste partir. Oh, on va laisser notre copine toute seule. Ah, je peux pas cliquer dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, on est tellement une victime. Oh là là, ça méritait de regarder une pub quand même, hein. J'aurais dû regarder une pub. Ah là là, je m'en veux de fou, on aura plus notre copine maintenant. Mais c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un quad pour se consoler. Par contre, 1000 nanos le quad quand même, hein, ça coûte cher, hein. Allez, c'est parti, hop là.
Waouh, c'est tellement stylé. Est-ce que je l'aurai dans la maison maintenant? Ah non, je l'ai pas là. Oh, il faut retenir. Mince, j'ai pas vu, il était où? Il était au milieu. Ouais, il est au milieu. Ok, très bien. Ah ouais, vas-y, tourne. Ok, il est là, pas de problème. Ok, il est à droite. Bon, elle fait ça pour un chien, hein. C'est que c'est pas trop compliqué, quoi. Pour l'instant, il est toujours au milieu. Ok, allez, prends le milieu, mon pote. Hop là, bien joué, mon chien. Bon, c'est bon, on va pouvoir tester notre petit quad. Waouh, c'est le mec qui va se mettre à courir à côté de nous maintenant. Oh, tellement on va vite. Vous avez été invité à un dog show. Oh, je veux bien y aller. Ah, il faut que je me change, les amis. Est-ce qu'on prend le costume du démon ou du lion? Oh, en vrai, je voulais prendre celui du démon, mais en lion, ça va tellement bien nous aller, regardez. Oh, ça nous va tellement bien. On a gagné, les amis, on a gagné le concours. Yes. En même temps, si c'était un concours organisé par notre maître, c'est normal qu'il nous donne la récompense à nous. Hein. Ah, mais elle est revenue, elle. Regardez qui c'est qui est là, avec le petit hot dog au milieu. Ah, allons-y, allons nous amuser. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, on va à l'extérieur, apparemment. On n'est pas à l'extérieur, là. Nommez votre enfant. What? C'était ça, le... C'était ça, le jeu, en fait. Bon, très bien. Comment on va l'appeler, lui? On va l'appeler Ben. En référence à mon chien préféré, Tolkien Ben. Allez, hop, on valide. Welcome, Ben. Sachant que Ben, c'est un chien qui parle, alors il va falloir faire attention, hein. Et nous, en tout cas, on se dirige tranquillement vers nos 6 ans. Qu'est-ce qu'on est stylé sur notre quad. Bon, alors, est-ce qu'on va jouer avec Ben, maintenant? Il est où, Ben? Il est resté à la maison, apparemment. Nous, on est tranquillement... Oh, il y a une petite ruelle sur la droite, là. Je sens pas, ce truc-là. Ah, est-ce qu'on fait caca dans la rue ou est-ce qu'on fait caca à la maison? On fait caca dans la rue, on a rien à faire, on a pas le temps. De toute façon, il va ramasser, machin. Il va ramasser, non? Ah non, même pas. Oh, wow, on a tué quelqu'un, les amis, grâce à notre caca super puissant. Oh, qu'est-ce qu'il vient de voir? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'ils font, eux deux, là? Est-ce qu'on cache les petits puppies, les petits chiots, ou est-ce qu'on attaque le gars? Ah, il voulait nous piquer, les puppies! On les cache, que les cacher. Hop là, hop, hop, on les prend. J'en ai pris qu'un, j'en ai pris qu'un sur les deux. Ah mais c'est bon, il y a notre copine qui est là pour nous aider. Hop là, c'est bon, on est safe, les amis. Il ne prendra pas nos petits puppies. Alors tu vas faire comment maintenant? Hop là, il n'y a plus personne. Waouh, on est en train de monter une gang, les amis. Oh. On va aller embêter apparemment quelques petites personnes. On y va, les gars. Allez, est-ce qu'on les rejoint ou alors est-ce qu'on les arrête? Non, non, on les rejoint. J'ai bien envie d'aller embêter les humaines. C'est la grande victimisation, la revanche des chiens. Waouh, on va maintenant avoir 7 ans, les amis. On commence à vieillir, la fin est proche. Mais surtout, on va se faire plaisir avec l'achat de nouvelles niches, enfin, agrandissement et un petit peu de décor. Oh, c'est très stylé. Oh, on est tranquillement à la piscine maintenant. Ah, il est en train de se noyer. Non, est-ce qu'on le sauve ou est-ce qu'on mange sa nourriture? On peut pas faire les deux. Bon, d'abord on mange sa nourriture et après on le sauvera, y a pas de problème. Allez, on va manger le hot dog tranquillement. Ça y est, il se noie même plus de façon. Allez hop, on mange ça, c'est bon. Voilà, il y avait qu'un... What? Wow. c'est bon, il l'a sauvé, il l'a sauvé. Mauvais chien, tu m'étonnes. En même temps, pour mes 7 ans, je méritais bien un petit hot dog, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore du monde à la maison. Ah, j'ai une annonce. Quoi? Tu vas être papa, mon gars? C'est ça qui va se passer? Oh, la petite demande en mariage à la maison. Wow. Et alors, qu'est-ce qu'on... Oh, elle a dit oui, en plus. Bah, génial. C'est trop stylé. En plus, nous, on est aux premières loges, apparemment. Bon, très bien, très bien. Alors... Ah, est-ce qu'on lui donne des fleurs? Ou alors, est-ce qu'on désapprouve le mariage? Évidemment qu'on va désapprouver le... Wow. Oh! What? T'as la bête perruque! Bien joué, petit chien! Quoi, good dog alors que j'ai tout ruiné? Ah, ça y est! C'est devenu un petit adulte, lui! Ah bah, il était temps, hein! Allez, go! On rush maintenant les 8 ans! Waouh! On a quand même eu une vie bien remplie pour l'instant, hein! Oh, ils ont eu un petit bébé! Let's go! Alors, est-ce qu'on pique son petit jouet là? Ou alors, est-ce qu'on joue avec lui? Non, on va piquer le jouet, il fait du bruit, j'aime bien, moi, en tant que chien, c'est mon jeu préféré, ça! Allez, vas-y, prends, prends, prends! Hop là! Et alors, petite victime, comment tu vas faire maintenant? Il essaie de l'attraper, mais il n'y est plus! Alors, qui c'est que tu préfères le plus entre le papa ou la maman? Non, non, je préfère la maman. Elle m'a moins bêté depuis le début. Hein. Ah, quoique, elle m'a pourchassé tout à l'heure dans la salle de bain. Allez, de retour dans le salon avec le papa au téléphone. Je veux jouer. Ouais, c'est vrai que j'ai envie de jouer là. Oh, fais-nous jouer. Oh là là. Oh, c'est qui elle? Attendez, mais il a encore une maîtresse. C'est un truc de fou, lui. C'est un malade. Oh, il s'en va, il s'en va. Il me laisse tout seul. Ah ouais, t'es comme ça, mon pote. Bon, bah écoute, c'est simple. Je vais détruire la pièce. On s'attaque au canapé, au coussin en priorité. Hop, les plumes qui volent. Les autres coussins maintenant, c'est parti. Hop là. Waouh. Eh ben voilà, c'était bien mérité ça. Donc 9 ans maintenant, on va pouvoir débloquer la suite avec pourquoi pas un nouveau jouet très stylé et hop, oh, bah, j'ai plus de sous déjà. C'est que ça commence à coûter cher chez moi.
Allez donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les 9 ans? Oh, on est en train de se faire tromper par un autre chien. Vite, il faut le choper, il faut l'attraper, il faut l'attraper. Ralenti, il n'arrive pas à t'attraper, mais il est tellement rapide aussi, c'est un truc de fou. Hop là, oh mais attendez, mais c'est hyper grand, on est où là? On est au bureau quoi? En tout cas, on y est presque. Allez, go, 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 c'est moi pour l'attraper. C'est parti. Ah, il s'est posé, machin. Oh, je peux pas monter? Ah si, bon, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Je ne sais pas. Alors, on va prendre un sacré coup de vieux puisqu'on va passer au 10 ans d'existence. Alors, pour nos 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Petit mariage pour nos 10 ans, ça fait plaisir. Oh. Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on n'est pas sûr de nous? Non, on veut, c'est bon. Ça fait 10 ans que je galère, je suis célibataire, c'est bon, non. Bon, elle m'a trompé 1000 fois, mais c'est pas grave, allez, hop, c'est bon. Alors, est-ce qu'on l'embrasse ou on s'en va? Non, mais c'est vrai qu'elle m'a trompé plein de fois, on s'en va. Je veux pas me marier en fait, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, tu as cassé le vase, c'est que maintenant que tu le vois, toi. Est-ce qu'on dit que c'est notre frère qui l'a fait ou alors est-ce qu'on play dead? Ah, on fait le mort en fait, d'accord. Non, on va dire que c'est le petit frère. C'est lui qui a fait ça. Il ne peut pas sauter à cette hauteur. Ah, c'est vrai, j'avoue. Ah bah, tu me suis fait victime. Allez, on passe maintenant aux 11 ans. Et si j'ai bien compris, le jeu s'arrête à 12 ans, les amis. Donc, il faut qu'on profite de notre petit chien. On va lui offrir une petite maison. Oh, magnifique. Ensuite, on va encore l'agrandir. Voilà un vrai château. Il lui reste plus qu'une seule année. Alors, comment ça va se passer? Tu es vieux maintenant. Il serait temps que tu trouves un travail, mais je meurs dans un an. Comment ça se passe? Alors, est-ce qu'on fait prêtre ou est-ce qu'on fait police officer? Allez, on est policier, nous, c'est parti. Let's go! Verdict, c'est moi, attrape. L'autre de tout à l'heure. Là, par contre, ça va être une autre histoire. Hein. Le vétérinaire, à mon avis, il a... Oh non! C'est toujours une seringue, mais là, c'est quoi? Il veut me tuer ou quoi? Vas-y, je vais rester calme, je vais le laisser faire. Hop là. Dans ma magnifique chemise là. Il serait d'ailleurs peut-être temps de changer cette chemise. Ça serait dommage de mourir avec ça quand même. Puis ça se trouve, on va même pas mourir dans le jeu, j'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'on va même pouvoir mettre maintenant? Oh bah j'ai pas beaucoup de sous hein, mais bon ça sera un peu plus élégant. Tellement classe, oh là là. Bon bah allez les amis, ça va être le moment, on va devoir dire adieu à notre chien. C'est le dernier niveau de ce jeu là. Mais je crois que de toute manière... En vrai, il n'y a pas de fin, les amis, regardez. On est à 12 ans, quand j'appuie sur play, ça se répète, comme les 3 mois précédents. Sauf que cette fois-ci, je mince pas, c'est ça. Voilà, on est bien. On peut contrôler cette personne à distance et en faire ce qu'on veut. Bon, bah du coup, on a gagné 3 étoiles pour le premier niveau, c'était pas compliqué, mais bien évidemment, à chaque niveau, ça va devenir de plus en plus dur, et juste avant de continuer, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu sous la vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, moi, je pars faire plein de tests. Alors, on va faire tomber cette personne sur le grand bas, et voilà, 3 étoiles. Passons maintenant au niveau 3, et apparemment, on a des... On peut utiliser le décor. Oh, non, waouh. En me sauvant de la box qui allait me tomber sur la tête quand même, j'ai poussé l'autre. Bon apparemment maintenant, il y a les gentils, donc faut surtout pas les toucher. Les gentils, c'est eux, donc il faut pas les embêter. Hop là. Non, c'est bon, je rigole, c'est y a que lui qu'il faut taper. Allez, va attendre là, toi. Bon, pour l'instant, c'est très simple. Par contre, là, maintenant, il y a un super héros. Il est immunisé contre mes pouvoirs. Alors, comment on va faire, alors? Comment tu veux que je fasse s'il est immunisé contre mes pouvoirs? Je peux peut-être le taper. Oh, je peux le taper avec la box, ça y a pas de problème. Hein. Du coup, la suite. Ouais, en fait, c'est que lui, je peux pas le contrôler de loin, donc c'est pas grave. Bah écoutez, poum. Va-t'en de là, je repose la box comme ça, ni vu ni connu. Bon, pour l'instant, les niveaux sont super simples, donc ça, c'est toujours le premier super héros. J'ai tellement hâte de tester les autres. Mais non, mais attendez, il faut que je continue. Allez, on en tente un seul, et ensuite, je fais les niveaux avec le premier. J'ai bien envie de tester Super Ninja. Hein. Des grands coups de shuriken. Ah, c'est les mêmes niveaux, mais avec des super pouvoirs différents. Oh, oh. Bon, bah, moi, c'est simple. Ah, hein. Oh, regardez. On peut... Ah non, c'est pas les mêmes niveaux, du coup. Hein. Je l'ai poussé, il est tombé sur l'autre. Et là, maintenant, il y a la TNT. Lui aussi, il est immunisé. Hein. Je peux pas lui lancer le shuriken sur la tête. Donc, c'est la TNT. Allez, on retourne sur la télékinésie parce que c'était quand même bien sympa. Et j'ai envie de continuer les niveaux dans lesquels... Eh bien, on doit faire ces petites boxes là. Boum. Oh, alors là, par contre, ils sont 4. Hein. Comment on va gérer ça? Il faudrait que je fasse tomber lui sur les deux autres. Oh, ce carnage! Ah ouais, trop stylé. Alors, attendez. On va faire monter la balance. Monter là-haut. Attention, et bam! Oh, comment ça la tèche, le type? Alors, attention, on va prendre ça. Pareil. Oh, oh, oh. Je crois qu'il a eu son contre, qu'il arrête. Alors, je vais retirer celle... Ah non, attendez, je vais toutes les soulever. Hop, désolé, mon pote, t'es en train de tomber. Bon, on l'a pas vu, on verra pas mourir.
Ouh là là, là il faut gérer, faut pas me faire tomber. Attendez, je peux me faire tomber moi? Ah non, je peux pas me faire tomber. Alors, c'est 1000 euros ou alors je te fais tomber. Oh, désolé pour ta jambe. C'est 1000 euros, tu veux pas? Bon bah va-t'en. La TNT, je vais la prendre, je vais la mettre sur sa tête et voilà. Bon allez, je fais encore un niveau et on tente un nouveau super-héros. Par contre là, cette TNT, je peux pas la faire tomber et lui, il faut que je l'y amène. Alors, est-ce que t'es abonné à ma chaîne? Est-ce que t'es abonné à la chaîne Red Kill? Oui ou non? Dis-moi que oui. Non, il est pas abonné. En tout cas, tous les niveaux pour l'instant sont super simples, hein, dégagez de là vous. Allez donc, direction le menu, on va aller voir ce qu'il y a ici. On a Super Sharp. Qu'est-ce que ça va être, elle? Utilise ton laser pour tout couper, trancher ou découper. Donc on va lui trancher la tête, c'est ça? Comment ça se passe? Oh! Ah, c'est méchant, méchant, ça. Alors, attendez. On va leur couper les jambes. Hop, voilà, petit coupage de jambes. Mais il est trop bien, super pouvoir. C'est un truc de fou. Alors, lui, il est immunisé contre mes pouvoirs, mais est-ce qu'il est immunisé contre les box comme ça qui le tombe sur la tête? Non, non, non. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire un petit rebond comme ça, là? Bim, bim. Oh, oh! J'ai juste enlevé une petite partie, je vais refaire. Oula, j'ai mal visé. Voilà, bam! Alors là, il faut réussir à faire un rebond. Là, vraiment, c'est super important. Et boum, dans la tête. Alors là, c'est pareil. Alors attendez, on va essayer de faire des millions de rebonds. Le quadra-kill, attention, 3, 2, 1, et bam! Oh, c'est énorme! Ok, alors encore 2-3 niveaux, et ensuite, on passe à un autre super-héros. On va essayer de tous les faire dans cette vidéo. Ne découpe surtout pas les gentils. Oula, faut gérer là. Faut vraiment prendre les rebonds comme il faut. Oh, ils sont tellement. Regardez-les. Bim, bim. Oh mince, il est ressorti le truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Allez donc, super-héros suivant. On va prendre donc Super Portal. Alors, est-ce qu'il va nous faire des portails, lui? Comment ça marche? Alors, ouais, je te mets un portail là. Je t'en mets un autre tout là-haut. Éjecté de la vidéo, machin. On le verra pas mourir. Oh, trop stylé. Alors, attendez. Ça, on va le prendre. Ah, mince, je voulais pas le mettre dans le sens. Ah, il faut le faire comme ça, d'accord. Ouais, qu'est-ce que j'ai créé? On va le mettre bien droit comme ça. Et l'autre, on va le mettre juste au-dessus de sa tête, comme ça. Bye bye. Ah, mais attendez, regardez, on peut faire des boucles infinies comme ça. Attention, c'est parti. Voilà, voilà, on s'amuse bien. Bon, bah, pendant que la box est en train de faire des millions de tours, je vous demande à tous de mettre votre plus grand pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et j'arrête cette souffrance pour cette petite box. Par contre, lui là, il a une protection. Est-ce que ça va me gêner ça? Non, pas du tout. C'est quoi qu'il a autour de lui? Je comprends pas. Alors attendez, on va mettre ça là. Ensuite, on va mettre. Ah, d'accord, c'est que je peux pas mettre le portail dedans, mais c'est pas grave. Je le mets plus haut, ça fera encore plus mal. Oh, la TNT, vas-y, rentre là-dedans. Hop, oula, je me suis trompé. Alors attendez, est-ce que ça va le faire? Oh, oh, pas mal. Allez, dernier niveau, ensuite on change encore de super-héros. Est-ce que je vais réussir à avoir la box? Ah, ouais, c'est bon. On passe maintenant à Super Boom, qui sûrement va pouvoir lancer des grosses bombes. Ah ouais, non, c'est des grenades, lui. Oh, par contre, il faut gérer. Alors, attendez, on va faire comme ça. Oh, c'est pas très fort, ça, mais c'est bon. Ça passe. Bye, mon pote. Oh, mais alors là, il va falloir être super bon. Ça va être stylé, ces niveaux-là, là. Oh, pas mal. Ouh. Ici. Alors là, il faut surtout pas l'envoyer trop loin, sinon ça va partir derrière lui, mais c'est bon. Bye, toi. Alors, qu'est-ce que c'est, mon super pouvoir, là, en bas? Ah, c'est un fusil de chasse. Oh oh, ok, ça. Bon, un peu simple quand même de faire ça. Hein. Oh, alors là, par contre, faut faire super attention. Faut passer par-dessus cette personne-là. Oh, ça lui a rebondi sur la tête, mais c'est bon. Il a pas pris d'impact. Alors là, il faut le faire passer par-dessous comme ça. Nickel, à ses pieds et bam. Pour ce niveau-là, ok, faut réussir à la faire glisser derrière lui comme ça. Oh, c'est trop fort, c'est trop fort. Aïe, ok, ça m'a rien fait, moi. Je suis immunisé contre mes propres pouvoirs. Ça a failli retomber, hein. Alors, oh, il faut gérer ici, hein. Faut bien lancer. Oh, c'est pas mal! C'est pas mal! Ici, on envoie tout doucement comme ça. Oh, c'est un peu trop fort, ça. On va en lancer une autre. Oh, oh, oh là là, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, bam! Ouh là là, il faut être synchronisé avec la plaque. Attention! Et bam! C'est bon! Maintenant, faut activer le bouton et faire tomber la grenade dedans. Bon, en tout cas, j'ai gagné pas mal de thunes. Ça va me permettre sûrement d'acheter de nouveaux costumes. Alors, attendez, avant d'acheter un nouveau costume, est-ce que je changerai pas de super-héros? Est-ce que je prendrai pas le Super Spirit? Je sais pas ce qui fait le Super Spirit, mais... Ah non, je peux pas le débloquer encore. Ah, bah tant pis. Est-ce que j'ai débloqué des costumes pour le premier? Non, apparemment pas. Peut-être qu'il faut faire des missions, je sais pas. Ouais, non, même pas. Les missions, c'est pour gagner de la thune. Bon, bah, c'est pas grave. Partons sur le Super Spirit. On va voir lui ce qu'il fait. Dessine un chemin pour diriger ton esprit et frapper les méchants, méchants. Alors, eh bien, écoutez, on va faire une petite boucle comme ça. Et bam! Attention, ça arrive, mon pote! Tu l'entends? Tu l'entends arriver? Allez, juste avant que tu meurs, je fais un grand cœur juste là. Et bam!
Alors là par contre j'en ai 4 à éliminer d'un coup, donc peut-être si je fais ça normalement c'est bon, ça va les enchaîner. Voilà. Franchement celui-là c'est le plus facile hein, clairement. Alors attendez, je vais enlever toutes les boxes là, voilà. Là je suis sûr de les avoir enlevées, lui, boum. Non vraiment là c'est... Celui-là c'est vraiment le super-héros le plus facile, clairement. Alors là par contre faut éviter les plateformes violettes et boum dans la tête. Lui il faut lui faire tomber la box sur la tête parce qu'il est... Oula, oula, oula. Oh, oh. Ah, je l'ai pas poussé assez forte. Non, parce qu'il est immunisé contre mes trucs, donc voilà. Niveau très simple, et là, alors là, il faut surtout pas toucher la TNT rouge, donc on utilise la bleue pour lui là-haut. Allez, on retourne dans le menu, on va aller voir maintenant. Celui-là, on l'a fait tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment avancé. Et ensuite, il y aura le dernier super brush. Apparemment, il dessine pour tuer ses adversaires, je sais pas trop ce que c'est. Mais lui, on n'a pas trop essayé encore. On va en refaire un peu, et bam, dans la tête. Et là, ouïe. Alors là, j'en lance un sur lui, un sur lui, un sur lui, et un sur lui. Alors c'est Super Ninja, mais franchement, il ressemble surtout à Batman en vérité. Oh, je peux les faire rebondir, mes shurikens? Ah ouais, je peux. Oh, dans les jambes. Pareil ici, je vais le faire rebondir. Ici, bam, dans la tête. Là, on va faire rebondir juste en dessous. Ta-ta-ta. Et ici, on va tout casser. Bam. Ah mince, c'est un par un, c'est un par un. Vas-y, j'arrive. Qu'est-ce qui fait accrocher une corde, lui, là-haut, là? Attendez, je vais essayer de couper la corde. Ah non, ça marche pas. Je vais le faire péter, lui. Et oh, ça va faire basculer l'autre. Allez, un dernier niveau en ninja. Et on essaye donc le dernier super-héros qu'on a toujours pas essayé. Il s'agit donc de Super Brush. Attention, on va le tester. Donc, dessine des formes pour vaincre les méchants. Comment ça? Mais non, me dites pas que... Mais ça va être trop stylé. Attendez, je vais lui mettre un grand pic comme ça, bien rempli. Ça va lui tomber sur la tête. Oh, c'est trop stylé. Alors là, on va faire une grande passerelle comme ça, moi je meurs pas, et les deux autres, ils prennent, et moi je suis à l'abri maintenant, j'ai ma petite maison. Non mais clairement, ce super-héros, c'est mon préféré, il y a tellement de possibilités. Lui, on va lui faire tomber un R dessus, le R de Red Kill, et le K de, bah, de Kill, du coup, boum. Voilà, il est mort par RK. Oh, alors là, par contre, faut vraiment faire tomber des petits tubes, hein. Oh là là, là, il n'y a pas trop le choix. Hop, voilà. Alors là, il faut que je gère parce que je peux pas dessiner sur lui. On va faire un grand dessin comme ça. Normalement, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Ensuite, il faut absolument faire tomber donc cette petite roue là qui est là. Ah non, je l'ai bloqué dans le sol. Alors, attendez, je recommence. Voilà, c'est parti. Attends, ça va, toi. Ici, oh, on va faire tomber une grande spirale. Une grande spirale. Oh, bah, j'ai annulé mon dessin. Alors, attendez, on recommence. Voilà, c'est reparti. Bye! Alors là, par contre, faut pas blesser ce petit boss là. Donc, alors attendez, on va mettre des pics sur lui. Des pics sur lui. On va tout refermer comme ça. On va rajouter du poing un peu dessus. Et bah! Oh, attention le boss! Attention le boss! Ah mince, je les ai pas fait saigner. Ça va pas marcher. Alors attendez, il faut mettre plus de poing en fait. Voilà, je vais mettre comme une haltère comme ça là. Voilà, parfait. C'est parti! Oui. Boum! Voilà, ça les a eus. Oh, le boss aussi. Désolé, mon pote. Non, faut que je le fasse tomber de plus haut, je pense, pour qu'ils aient plus mal. Sinon, ils prennent pas les dégâts. Hein. Donc, on va faire un truc comme ça. Et là, à mon avis, ils sont morts. Oh, attention le boss! Bon, bah on va faire chacun votre tour, les amis. Toi, tu dégages, et... Oh, désolé, le boss. Ouf. Attendez, c'est pas fini. C'est bon, normalement, là, c'est bon? C'est validé? Bon, j'ai eu qu'une étoile, mais c'est pas grave. Alors, eux, je vais leur faire trop mal. Regardez comment je vais leur faire mal. Je vais marquer... Abonnez-vous. Ouais, bon, ok. Dites-vous que c'est abonnez-vous. Et en plus, ça a même pas marché. Ah non, mais c'est parce qu'il manque le vous. Vous. À ma chaîne YouTube. Ah, oh, je vais leur faire tomber un énorme pouce bleu sur la tête. Bon, ça sera un pouce orange, hein. Voilà, ça c'est le gros pouce bleu sur votre tête. Ah, ça les a même pas mis KO. Non. Je leur refais tomber un truc dessus. Bam. Il reste lui, par contre, il est protégé par l'autre dessin, donc je peux pas l'atteindre. Ah si, peut-être par là. Oh, mon dessin a disparu. Non, j'ai perdu. Bon, écoutez, je vais vous faire une grande barre bien droite. Voilà. Et normalement, tous, ils seront morts, synchronisés. Yes. Et salut tout le monde, c'est Redkill. Et aujourd'hui, nos décisions vont être très importantes. Nous sommes sur le runner, good or evil. Et si on choisit d'être sympa avec les autres, on deviendra peut-être un ange. Ah, elles vont bien ces petites ailes. Et au contraire, les amis, si on prend des mauvaises décisions, on deviendra un démon. Donc bien évidemment, les amis, vous me connaissez. Moi, je vais me ranger du bon côté. Je vais me transformer en ange. Attendez, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Enlevez-moi ça! J'arrive pas à l'enlever! Le démon est en train de prendre mon corps. Alors c'est parti pour les mauvaises décisions. Donnez-moi cette sucette là. Alors on va la lancer ou on la partage? On la lance bien évidemment. Bam! Voilà! Le lait, on le boit ou alors on met que fus. C'est quoi un fus? On va voir ça. Boum! Tiens maman, je ne veux pas ton lait. Et on va également lancer cette personne. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On lui a fait pépé dessus. Bon bah là les amis, je pense qu'on mérite d'aller plutôt à gauche. Comme vous pouvez le constater, on passe en démon bien évidemment. On va où là? Oh, je crois qu'on est parti pour l'enfer. Ok, ça va pas les amis, il faut que je me rattrape en tant que ange. Le démon est en train de reprendre le dessus sur moi. Bon bah pas de problème, on va prendre un petit cahier et nous on va tricher. Donne-moi toutes les réponses toi.
Let's go! Alors, là, on prend un livre maintenant et on va être mauvais avec le professeur. Boum! J'ai raté mon coup de pied, mais tout va bien. Oh, trop bien. J'ai un rock comme ça que je vais lancer sur la tête. Let's go! Bon, pour l'instant, les amis, on est toujours du côté démon. Il faut qu'on arrive à être du côté gentil. Ah, ça y est, je me sens apaisé maintenant. Ah, nous avons un petit peu d'argent. Ah, j'adore l'argent. Non, aujourd'hui, on va aider les gens. Alors, on prend un maximum d'argent et on va aider les... Ah bah, les petits, voilà. Tiens, petit, prends ça. Hop là. Maintenant, on va prendre un gun box. Je l'ai raté, mais c'est bon. Oui, on va être sympa. On va éviter de se mélanger, hein. Pas de démon et de paradis. Dit en même temps, c'est pas possible ça. Hop là, on va se marier maintenant ou on va faire un divorce. Oh attendez, il y a d'autres portails derrière les amis. Hop là, le petit mariage du papy de 80 ans avec la jeune fille de 30 ans, normal. Alors hop, nous cette fois-ci on va aller à droite, c'est bon, on a fait les bons choix. Et par contre... Pourquoi je suis mort? Pourquoi je suis mort? Mais oui, je suis un ange, mais je suis pas obligé de me tuer. Oh non, les amis, on a perdu la partie. Bon, je vais retenter de prendre les bonnes décisions, alors. Là, on va aller à l'école tranquillement. Voilà, maman, j'ai eu des bonnes notes, tout va bien. On va prendre ensuite un jetpack. Pourquoi faire? Ah d'accord, non, c'est un aspirateur ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah, hop là, on est en train de nettoyer. J'ai pas compris ce qu'on était en train de faire, là. Hop, on va prendre le Teddy et on va jouer avec un ami. Et là... On remplit toutes les cases de l'ange, les amis, en espérant ne pas mourir encore une fois. S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, madame. Hop là, c'est bon, tout va bien. Oui, on n'est pas mort cette fois-ci. Ah, l'une de mes passions, c'est de péter les guitares. Alors, hop. Boum. Dans ta tête. Et ensuite... Oh, les amis, il y a du monde. Il y a du monde derrière. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a juste deux personnes, il y a un burger. Ah ouais, il a pris un sale coup de poing. Et là, maintenant, hop, on prend le burger. Et aïe, je me suis tapé le milieu. Et on va le mettre dans ta face. Allons, direction la poubelle. Voilà, un peu de gâchis de nourriture, c'est parfait ça. Ok, c'est encore une réussite, les amis. Oh, ils ont ressorti les portails à la fin, les amis. On arrête les bêtises, je suis plus un démon, je suis plus un ange. Il va juste falloir prendre les bonnes décisions. Alors, oh c'est un pépé, il faut lui donner à manger quand même. On va pas être méchant. Alors ensuite, tenez, on va faire une scène. Je sais pas quelle scène ça va être, je sais pas, on va jouer à Roméo et Juliette. Et c'est... Ah non, on est en train de l'embrouiller en fait. Oh, il y a un cadeau, les amis, ensuite. C'est fini quand l'embrouille là? What? Je lui ai récité l'alphabet ou quoi? Ah ben elle m'a répondu aussi avec l'alphabet. Alors je prends le cadeau et le monsieur ne l'a pas mérité. Hop là, c'est par terre et je l'écrase. Écrase. Voilà. Désolé. Bon alors, qu'est-ce que je mérite du coup? Parce que là, j'ai plus du côté gauche normalement. Oh non, j'ai perdu les amis, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon bah 2 à 0 pour le démon, ça veut dire beaucoup de choses ça. Je suis un véritable démon. Il faut que je me rattrape. Alors hop, on va boire un petit peu. Maman, regarde, je bois du lait. Oui, je suis un grand garçon, parfait. Ensuite, soit on va lui lancer ou soit on va danser. Bon, j'aime pas trop danser, mais allez. Ouais, trop fort, incroyable, la meilleure danse que j'ai jamais vue. Et allez, on va partager la sucette. C'est pas ouf ça. C'est pas ouf ça pour les maladies, mais bon, c'est pas grave. Allez hop, on part du côté ange, les amis. Il faut absolument qu'on y arrive. Donc pour cela, il va falloir lire des livres, les amis. Salut mon pote. Oh, ensuite, on a un petit caillou. J'ai bien envie de lui lancer, j'adore ça. Et bam. Il faut que je me rattrape, les amis. Il faut que je travaille dur cette fois-ci. Voilà, on triche pas cette fois-ci, on travaille dur. Hop là, on a même aidé notre camarade. Du coup, on part du côté de l'ange, bien évidemment. Et prochain niveau, on saura si on mérite d'y rester. Ah ouais, mais moi, je voulais pas me marier. Hop là, ça part en divorce directement. J'ai pas envie de me marier avec toi. Aïe, la pauvre. Par contre, on va aider les personnes un peu. Tiens, petit, prom. Et là, les amis, je suis obligé de passer du côté des gens. Des gentils, voilà, respectful. Salut mon pote, respect. On a montré du respect. Sur le papy là. Allez hop, là c'est bon cette fois-ci. Mais non, pourquoi je suis mort? Non. Est-ce que j'ai quand même eu le point? Oui, j'ai eu le point. Non, 3-0 de mort. Ah, ça va pas du tout ça. Bon bah pour la peine, hop là. Je nettoie pas maman. Non, le Teddy, on le partage pas. Tu veux un truc toi? Eh ben non. Ça c'est du sacré partage. Catch the bus? Quoi, catch the bus? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah, il faut que je... Qu'est-ce que c'est? J'ai raté le bus, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, bah, allez, on est reparti du côté méchant, hein, comme d'habitude. Hein. Je vais définitivement adopter la mauvaise forme. Ouais, cette fois-ci, on va être sympa. On va quand même lui offrir un petit cadeau. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un poison à l'intérieur. Je voulais pas lui donner. Mais là, c'est pareil. C'est du poison. Voilà. Je suis du côté des méchants, moi, je vous le rappelle. Et alors là, on va discuter avec toi, mais... C'est tout sauf gentil, c'est focus que je suis en train de te dire. Et là, normalement, on mérite le paradis, les amis. Je veux le paradis, cette fois-ci. Et ne pas mourir.
s'il vous plaît. Mais non. Oh, c'est pas possible. Bon, bah 4-0 pour le démon, hein. Bon, bah là, je vais prendre tous les meilleurs choix. Je vais faire un perfect en gentillesse. Et normalement, on devrait m'amener au paradis sans mourir. Tiens, jouons au caillou ensemble. Tiens, prends mon caillou. Ah, bah non. Du coup, lui, on l'attège, le caillou. Allez, c'est le moment de vérité. Hop, on prend l'argent, on aide les personnes. Ensuite, on a un gun box. On va pas le taper. On prend un gun box, mais on le tape pas. Tout va bien. Salut, mon pote, j'ai un gun box. Regarde, hop là. Voilà, tout, c'est tout. Oh, et ensuite on le jette. Allez hop, maintenant on va se marier et là j'espère pouvoir terminer au paradis mais sans mourir s'il vous plaît. Oui je sais c'est pas logique, mais je veux finir au paradis au moins une fois dans ma vie, s'il vous plaît. Allez monsieur l'ange, enfin madame l'ange. Non je suis encore mort, mais c'est pas possible. Ah les amis, je crois que c'est ça qui me manquait pour devenir officiellement un véritable ange. Il faut que j'arrive à gagner. Alors hop, on va à l'école, tout se passe bien. Merci maman, je sais, je suis la meilleure. Regarde, je range ma chambre, encore une fois, je la range. Voilà, je mets pas un coup de pied dedans comme tout à l'heure. Avec un halo sur ma tête, je suis obligé de pas... Attention, attention, je regardais pas. Oh, j'ai failli prendre une mauvaise décision. Allez hop, c'est tout pour elle. J'aimerais bien profiter au moins une fois du paradis sans mourir. Allez hop, on va jouer de la guitare à notre ami Up. Voilà, ça te fait plaisir, j'espère. Tout va bien, ouais, c'est bon. Allez hop, je la jette, je la casse. On va aller voir notre ex. Ah, c'est bien que tu aies trouvé une autre personne. C'est très bien, ça, y a pas de problème, y a aucun problème. Oh, on va lui donner un burger cette fois-ci. Tiens, mon pote, mange-le. Let's go. Là, c'est bon, on est parfait pour l'instant. Hop, j'ai encore un petit biberon. Cette fois-ci, il est pas empoisonné, mon petit. Tout va bien. Et les petits cadeaux pour terminer. Et là, j'espère, on va y arriver. Cette fois-ci, on va y arriver. C'est obligé. Allez, tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Ouvre-moi les portes du paradis, s'il te plaît. Non. Mais je veux pas mourir. Non, mais je crois qu'on mérite définitivement d'être un démon, les amis. On incarne un dieu de la mort. Je suis donc ce dieu-là qui a été envoyé sur Terre afin de décider de la mort de certains humains. On m'a même donné un petit appartement au calme que je pourrais améliorer au fur et à mesure. Bref, comme je l'ai dit, j'ai été envoyé pour plusieurs missions. On va pas attendre plus longtemps, j'ai des humains à défoncer. Et juste avant de nous occuper de notre première victime, je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne. Et là, c'est un dieu de la mort qui vous parle. Alors je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, bien évidemment. Donc ça y est, nous avons notre première victime, mais on a également un tutoriel, ouais. Moi je débute, hein, je commence juste en dieu de la mort. Donc il faut bien qu'on m'explique quand même comment on va s'en occuper. Alors, il semblerait qu'on ait un fil électrique prêt à électrocuter notre protagoniste. Mais on a également des ciseaux, ok, bon on va faire le tuto, on met le ciseau ici, ça ouvre le truc, et attention, ça va péter. Yes, c'est bon. Première victime réussie, on le fauche et c'est fini. Allez, on continue donc avec notre deuxième victime. Alors cette fois-ci, on est dans la salle de bain, le mec flexe tranquillement, on voit qu'il a l'air d'être plutôt bling bling, et il faut trouver comment on va s'occuper de lui. Alors, on va étendre cette serviette ici, ok, il part chercher la... Wouah ! What the fuck ? C'était hyper simple. Ah ben là, il n'y avait rien de compliqué les amis, un niveau 2 pour l'instant. Mes victimes sont très simples à tuer, mais ça va se compliquer. Alors lui, il fait du trampoline, ok. Alors, de ce que j'entends, il a l'air de plutôt bien s'amuser. Est-ce que je peux prendre la pelle? Ouais, qu'est-ce que je peux faire avec la pelle? Je peux pas creuser un trou quelque part? Non. Si je mets ça là, non. Par contre, si je déplace ça... Ah non, par contre, je peux peut-être appuyer sur le truc? Non, je vois. Le chien, peut-être? Ah, la gamelle, ok. Il faut prendre la gamelle, l'accrocher là, peut-être? Non, même pas. Et si je mets la gamelle sur le trampoline, ça fait ça. Il va se faire mal, là, non? Ah non, d'accord. What? Ça a bougé le truc. Oh, attention. Maintenant, il faut prendre la pelle. Mais avec la pelle... Oh non! J'ai placé la pelle sur le trampoline! Oh, attention! Wouah! J'ai cru qu'il allait se faire trancher par la pelle, mais encore pire que ça! La pelle a rebondi, il a défoncé! Troisième victime réussie! Je bois mon coca tranquillement. Je l'ai mérité, celui-là. Ah bah oui, je l'ai mérité. Je fais mon travail. Et vous savez ce que je mérite aussi en tant que dieu de la mort? C'est un gros pouce bleu sous cette vidéo. Alors je compte sur tout le monde pour en mettre un énorme. Allez, je vais même jouer à la roue de la fortune tant que j'y suis. Allez hop, 100$ de plus. Et c'est pas ouf, hein, je suis un dieu de la mort, vous auriez pu me donner plus, hein. Je vais choper le mec qui a inventé là, cette roue de la fortune. Bon allez, je vais améliorer mon appart vite fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? De toute façon, non mais j'ai pas beaucoup de thunes, mais pour le peu de temps que je vais y passer, franchement, ça sert à rien. Voici un petit tapis, tranquille, on va passer au niveau 4 maintenant. Quatrième victime, c'est parti. Donc lui, il est tranquillement en train de regarder son feuilleton télévisé. On a moyen de changer de chaîne, peut-être? Attention. Non, on peut pas. Il y a un coca ici. Si on le donne le coca, il va le boire tranquillement. N'en bois pas trop, mec, hein. Non, ça fait rien. Il faudrait le faire tomber de sa chaise, en fait. Alors, si je prends la télécommande et que je lui donne... Ah, il a eu peur. Oh, attention. La télécommande, la télécommande. Non, il a pas avalé la télécommande, quand même. Mais non.
Oh là là, en plus d'être un bon dieu de la mort, j'ai des idées originales pour aller défoncer. Alors, le suivant, ok. Il y a un zombie derrière lui. Il va sûrement falloir défoncer la glace ou la faire fondre et envoyer le zombie sur lui au calme. Voilà, en tant que dieu de la mort, c'est pas nous qui nous occupons des victimes. On envoie des zombies pour le faire. On a affaire à Bob le bricoleur, ou le fermier plutôt. Il faut lui donner peut-être un petit peu de peinture, tu veux pas? What the fuck? Oh non, mais oui! Il fallait choisir le rouge pour qu'il se fasse défoncer, évidemment! Ah! J'avais même pas pensé à ça, mais ça a marché direct, ouais. Alors, kill by inertie. Ah, d'accord, il va falloir sûrement enlever un des trucs, là. Alors, si j'enlève une caisse et que je la mets là, non? Si je prends toutes les caisses et que je les mets là, ça marche pas? Et si je mets la caisse devant elle? Non, ça va pas lui casser quelque chose? Ah si! C'est ça! What? Oh, j'avais vu un film comme ça, c'était Destination Finale 2, ça faisait un truc comme ça. Ah, c'est énorme. Ah, voilà, comme quoi, regarder des films, ça donne des bonnes idées parfois. Non, je rigole, ne faites pas comme dans les films, non, vraiment pas. Faut faire en sorte qu'il se fasse sûrement attaquer par le petit piranha, là. Non, c'est bon, c'est juste ça. Voilà, ça commence à lui bouffer le truc, ça met du sang, et le requin arrive pour le démonter. Merci, petit piranha, merci beaucoup. Alors, la suite, on a Robin des Bois qui est là. Il tire tranquillement sur sa cible pour s'entraîner pour aller à Koh-Lanta. Alors si je mets ça sur la cible, non on peut pas. Ah attendez, je vais faire bouger la ruche. Non on peut pas, le nid. Il faudrait qu'il tire dessus, comment on pourrait lui faire en sorte qu'il tire dessus? Peut-être si je lui fais tomber la brique. What? Ah j'ai mis la brique sur sa flèche. Et si je mets la brique dans le nid? Ah ah ah, tire pas mon gadget. Bye bye. Let's go. Oh là, il est tout violet maintenant. Bon, ça serait bien de rajouter quelques petits rideaux rouges comme d'habitude, magnifique. Oh, il commence à se mettre bien, mon dieu de la mort, là. Ça y est, il va s'installer définitivement dans cet appart, je pense, hein. Alors, lui, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il y a une clé ici. Tiens, mais prends la clé, frère. T'embêtes pas, hein. Hein? Non. Mais prends la hache, si tu veux. Vas-y, occupe-toi de la hache. T'es sûr de vouloir faire ça? Ah! Il s'est pris une stalactite sur la tête, dans le crâne, mon pauvre. Fin du game. Alors, niveau suivant, d'accord, on est là sur un ancien train dans lequel on va pouvoir bouger cette caisse là. Peut-être si on met tout d'un coup, ça va exploser, non? Non, je sais pas. Bah, si je mets tout par là, si ça va boucher, ouais, ça va boucher. Oh oh, attention, retour de flamme, mon pote! Attention! Il meurt par asphyxie. Alors, niveau 12, on est là face à un boxeur. Ah, on va pouvoir lui donner un petit peu de testostérone. Là, vas-y, hop, injecte-toi ça. Hop, là, voilà. Il est costaud, le type. Il va se prendre le retour, c'est-à-dire... Oh, le porte-retour de la tête. Oh, c'est dégueulasse. Énorme ici. Non, mais les morts sont de plus en plus originales. Allez, la chance. 500, c'est pas mal. What the fuck? On est là sur un show, un spectacle. Ah, je peux bouger ça. Alors, si je le mets là, non, ça va pas le faire. Il va juste... Mais si. Oh, oh, attention à la voiture. Ah oh, en vrai, c'est une toute petite voiture. Elle fait la taille du gars, quoi. Allez, c'est bon, il est terminé. Niveau suivant, on est là à une petite soirée barbecue comme ça. On a une bière, deux amoureux, un chien. Oh, le chien est en laisse, il est complètement attaché. Si on prend la bière et qu'on leur donne, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, ok, il a bu un petit peu. Si on prend la broche, ah non, le chien, ouais, il faudrait donner ça dans le chien. Voilà, là, dans la gamelle. Attention, ça va bouger. Allez, il va bouger la table ou pas? Oh, attention, l'explosion! Ah, la broche! Ah ouais, c'est un peu chialé quand même. En tout cas, on a fait deux victimes pour le prix d'un niveau. Ça, ça fait plaisir. Oh, les skins coûtent tellement cher. 7000, c'est énorme. 25000, oh là là, il y a des skins de ouf. Et au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a? On a un petit ballon, une des épées, d'accord. Ouais, des trucs... Le drapeau américain, d'accord, pas de problème. Trop stylé. Ok, allez, allons nous occuper de notre 15e niveau. D'accord, le mec lance des grenades. Déjà, le gars est dans une situation inconfortable. Alors, si on prend la bouteille et que... Ah bah tiens, lance la bouteille plutôt. Lance le cocktail Molotov. Mais non, le bois pas. Ah bah si, c'est bon, c'est bon. Mais tiens, prends une grenade de plus. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être la grenade pour le chien. Oh non, pauvre chien. Oh, il l'a mangé. Non? Elle est où la grenade? Je comprends pas. What? Il est parti la chercher, il est fou! Il la ramène à son père! Ce n'est que poussière. Au moins, il n'y a pas besoin de l'incinérer, quoi. Oh! Ok, on est là pour une grosse soirée alcoolisée avec du vin. Bien sûr, il faut consommer avec modération. Tiens, prends ça, c'est du piment. Vas-y, sers-lui, il a soif, là. Vas-y, sers-lui. Vas-y, hop là. C'est du piment, mon gars. C'est du piment! Ah! Oh! What? Il lui a tiré dessus comme ça!
Oh non, il a eu aussi. Oh là là, la chance qu'il a. Oh non, mais moi, je voulais pas faire deux victimes. Je voulais juste m'occuper du gars. Pas de la serveuse. Bon, bah, tant pis, hein. Bon, vu que je suis un dieu de la mort, vachement occupé, je vais prendre un petit robot aspirateur. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Hop là, comme ça, quand on revient à chaque fois, c'est tout propre. Oh, shit, on est sur Mars, les amis. Ça y est, on est sur Mars. On va pouvoir prendre le drapeau. Tiens, prends le drapeau, mon pote. Amuse-toi avec le drapeau. Hop, plante-le. Nickel. Oh, 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 oh. Ah ouais, il fallait pas embêter les ovnis, mon gars. T'es mort. C'est chez les ovnis ici, mon gars. Oh, attention, Elon Musk, hein. Toi qui vas aller sur Mars, fais attention. Hein. Oh non, pourquoi il faut s'occuper d'un enfant? Il n'a rien fait. Bon, bah ok. Hein. Allez, on va lui prendre son train. On va... Qu'est-ce qu'on peut lui faire avec son train? On peut peut-être... Non, je sais pas. On peut peut-être le mettre là-dessus. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va avancer. Ah non, ok, il va le remettre. Donc c'est pas ça qu'il fallait faire. Et si je le mets là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, il arrivera pas à monter. Oh, ne monte pas de... Non, non, non. Écrasé. Oh, on est là face à un explorateur qui a trouvé le dragon. Et on a plusieurs choses à faire. Peut-être le miroir. Tiens, prends le miroir. Je sais pas ce que ça va faire. Oh oh. Oh, il l'a endormi. Mais non, il a réussi. Oh non, j'ai fail à ma mission. Bah attends, prends les bottes. Tiens, prends les bottes. Oh, ça fait du bruit, ça. Oh, ça fait du bruit. Ah, il s'est fait défoncer. Bye bye. Oh, c'est facile. Oh là là. Qu'est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on lui éteint la lumière? Ou alors on va l'allumer, peut-être qu'il va s'électrifier. Oh, attention à la mousse! C'est la meuf qui a tué, c'est pas moi! C'est pas moi cette fois-ci, je n'ai rien fait. Je ne suis que de passage. Oh! On est là face à un savant fou. Oh, yo, 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 yo. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à boire? Tiens, bois ça, mon pote. On met ça dans son coca. Oh. Attends, on va faire un mélange. Oh là, mets tout. Mais ça va être n'importe quoi, il le boit, c'est un ouf. Il le boit, attention. Facile, là c'était easy hein. En même temps, dans son labo, il avait tout ce qu'il fallait pour s'occuper de lui hein. Donc la suite, l'autre il joue au ping-pong. Il a un ballon de foot, un ballon de basket. Et le lustre qui peut tomber à tout moment. Tu veux jouer avec moi? Viens, on joue ensemble. Hop, vas-y, ping, ping, ping. Non, ça marche pas, peut-être que si je le mets là-haut. Non, le ballon, tiens, joue au ballon. Ah ouais, oh là là, je le sens pas. Attention au lustre. Non, c'est bon, il va pas faire de dinguerie. Non, ça va, on va lui donner le ballon de basket cette fois-ci. Oh, ça remue, oh, ça bouge. Attention à la mousse. Oh shit. Ah, ça c'est bête comme mort hein. Juste parce que t'as voulu jouer à l'intérieur, le ballon c'est dehors. Ah, c'est ce que ma maman me disait tout le temps. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir bien m'acheter? J'ai 2200, oh, une petite lampe. Non, pas une petite lampe quand même, ça coûte cher. Oh, il y aurait plein de trucs encore. Une horloge, non, Osef de l'horloge, j'ai pas le temps moi. Eh ben, à boire, allez, un petit truc. Ah non, c'est même pas à boire, ok, un petit ballon de basket. Un petit ballon de rugby, ah mince, c'est un des deux, mince. Bon, ben, j'aurais dû garder ma thune pour une petite plante. Ou je ne sais quoi. Allez, on passe au niveau 23, oh là. Oh, déjà, lui, il est en danger hein. Il se met là, posé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Oh là. Ah si, on peut prendre sa bouteille de coca quand il l'a pas. Peut-être que si on lui déplace, on la met là, voilà. Ouh, il a eu de la chance, hein. Il a eu de la chance. Par contre, si je la prends et que je la mets là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. C'est un grand fou. Oh. Oh non. Oh là, mais jamais ça dépasse comme ça sur la route de trottoir à trottoir, les fils électriques. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se fait. Bon, ok, tant pis. D'accord, alors... On est à l'hôpital. Oh, le téléphone. Avant, il fallait pas utiliser le téléphone dans les hôpitaux. Il appelle l'infirmière. L'infirmière lui redonne un petit peu de quoi survivre. Il va lire un livre. Il s'endort. Oh, il s'endort. Et voilà, il s'est endormi car il a lu un livre. Et du coup, il y a son sang qui remonte. Il a plus de sang. Son sang va exploser. Oh, aïe, ça doit faire trop mal. Niveau 25 maintenant. On est là face à quelqu'un qui est en train de laver un building. On va lui mettre un petit coup. What? Pourquoi il se met à... D'accord. Ah ouais, d'accord, il se met à flipper. Allez, j'arrête. Tiens, prends ce dos, là. Oh, attention, c'est un peu lourd. Oh, oh, oh. C'est bon, ça tient? Ça tient? Tout va bien? Oh! Le poids qui vient de lui tomber dessus! Nickel! Facile! Quoi? Qu'est-ce que tu dis, mec? Je t'entends pas! Parle plus fort, s'il te plaît! Ah oui, mince, c'est vrai qu'on est dans l'espace, on peut pas s'entendre! Bon, bah, mec, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour t'aider, hein! Je peux dessiner un petit soleil si tu veux, mais je suis pas sûr que ça t'aide à grand-chose, hein! Non, ça a pas l'air d'être bon! Les amis, je crois qu'il a du mal à respirer. Qu'est-ce que je suis censé faire? Non, en vérité, je sais exactement ce qu'il faut faire, mais j'attends le mot magique! Alors, on dit quoi?
Ah oui, mince, c'est vrai qu'on peut pas s'entendre. Bon, allez, je te fais cette petite bulle et cette fois-ci, on va peut-être pouvoir communiquer. Oui, ça a marché, il était tout violet, il est devenu tout normal maintenant. Donc, salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Just Draw, un jeu dans lequel nous allons devoir tenter de résoudre tous les petits mystères qui s'afficheront sur votre écran à l'aide, bien évidemment, d'un petit crayon à papier comme ça qui va nous permettre de faire de magnifiques choses. On veut plus te voir, mon gars. Non, je crois pas que c'était la bonne solution. Je pense qu'à ce petit roi, il manque une petite couronne, évidemment. Donc, on va te faire ça, mon pote. Alors, attends. On va pas y aller dans la demi-mesure, mon pote. C'est quoi cette couronne de ouf, mon gars? Hop, hop, hop. C'est quel genre de galette des rois que t'as mangé pour avoir ça? Est-ce que ça va marcher, ça? Non. C'est bien trop gros, les amis. On va les faire beaucoup plus petit comme ça. On va essayer d'en faire une stylée. Eh, moi, je suis pas très bon en dessin. Hein. Vous me connaissez un peu sur la chaîne maintenant. Vous savez très bien que les dessins, c'est pas mon truc. On dirait que là, j'ai fait, de l'herbe. Ça a marché? Oui, elle est deux fois plus grande que sa tête, mais c'est parfait, ça a fonctionné. Ah, mais c'est qu'on veut me donner un magnifique marqueur comme ça. Non, merci, j'aime bien mon crayon à papier de base. Alors, comment ça se passe? Tu joues au basket sans ballon, toi, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un ballon de football américain qu'il faut comme ça? Ça va le faire, ça, ou pas, mon pote? Ah non, c'est pas bon. Est-ce qu'il te faut un ballon de handball comme ça? Ça va, ça, mon pote, ou pas? Non. Non, je sais très bien, il faut un ballon de basket comme ça. Oula, c'est pas assez grand, je trouve. Non, non, et on va faire comme ça, normalement. Ça devrait être suffisant cette fois-ci. Let's go! Un magnifique dunk du joueur français. Niveau 7 maintenant, les amis. Et il y a quelqu'un qui est en panique. Ah ben, madame, je suis désolé. Moi, je peux rien faire avec mon crayon à papier. Il faut appeler les pompiers. Hein. Si vous voulez, je les appelle pour vous. Mais vous allez attendre 10 minutes peut-être, ou 15 peut-être. En espérant que le feu n'arrive pas dans votre appartement. Ah, bon. Désolé, ça répond pas. Écoutez, madame, la seule solution, c'est de vous faire directement les flammes sur vous. Comme ça, c'est terminé. Hein. C'est réglé le problème. Non, bien évidemment, j'ai compris. Je suppose que vous avez besoin d'une petite échelle. Alors, attendez. Hop, je prends le temps de la faire. Hein. Mes abonnés, ils aiment bien quand je fais des beaux dessins. Alors, on va faire ça bien. Hein. Un beau dessin, voilà. Le mec a tiré 5 traits et il dit c'est des beaux dessins. Et ça marche ou pas? Oui, c'était ça. Let's go, niveau 7, réussi, les amis. On passe maintenant. Oh, what? Mais c'est des lunettes ou un câble bizarre? C'est des lunettes, mais il est bizarre. On dirait un câble, son truc. Alors, t'as besoin de quoi? Terminé pour cet œil-là. Ok, c'est bon, je te fais ta petite lunette, mon gars. Oh, elle est beaucoup plus grosse que l'autre, mais bon, ça marche bien, c'est cool. What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mon pote, on a des abonnés qui regardent la vidéo, là, ils ont pas envie de te voir à Walp. Alors, attends, tu vas nous mettre une petite combinaison. Bah, attends, on va faire un truc simple. On veut plus te voir, en fait, on veut plus te voir. C'est bon, comme ça ou pas? Non. Au pire, on va juste te mettre un maillot de bain, hein, ça suffira. Hein. J'ai pas besoin de te faire une petite jupe. J'ai pas besoin de te faire une combinaison intégrale, hein. C'est très bien comme ça, on voit plus rien. C'est bon ou pas? Non, ok, très bien. Bon, je vais tout faire alors. Mais bon, t'auras tout en bleu, une vraie combinaison d'astronaute. Voilà. Non, c'est pas en bleu, c'est plutôt blanc, astronaute. Hop là. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le compléter comme ça. Je sais pas si ça va marcher, ça, les amis. Mais écoutez, on va voir ça. Pour l'instant, c'est peut-être le niveau le plus dur qu'on ait eu. Un niveau 9. Est-ce que ça va suffire ou pas? C'est bon normalement. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Oh, mais il veut que je fasse quoi? Est-ce que tu veux que je fasse une fleur autour de ça? Voilà. Oh, bon, c'est pas vraiment une fleur, hein. Mais c'est bon, t'as compris le truc. C'est incroyable. Bon, les amis, il va falloir se poser et réfléchir 2 secondes quand même. Je vais retenter le maillot de bain en le faisant un petit peu mieux. Ça évitera de faire une jupe. Bah oui, c'est un garçon, il veut pas de jupe, évidemment. Alors attendez, je remplis le tout. Un petit maillot bleu comme ça, au calme. Et attention, est-ce que c'est bon maintenant, mon pote? Mais non, c'est pas bon, quoi? Il est incroyable, lui. Attends, je te le complète un peu plus. C'est bon maintenant? Oh là là. Tu vas m'enfiler ce pantalon, mon pote? Voilà. C'est bon, il est pas assez gros comme ça. Mais non, mais c'est pas possible. Ok, je vais le faire moins épais comme ça. Voilà, j'ai suivi à peu près tes lignes. Oui, c'est bon, c'est réussi. Oh. Par contre, t'as enlevé les mains un peu trop tôt. Heureusement qu'il n'y a rien. Allez, c'est bon, on passe maintenant au niveau 10. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, il pue des yep. Bah attendez, on va lui faire des chaussettes. C'est la solution. On va même mettre les chaussettes par-dessus le pantalon. Voilà, parfait. Comme ça, tac, voilà. C'est bon. C'est bon ça ou pas? Ah, oui, ça a marché, let's go. Par contre, c'est quoi ces chaussettes couleur caca? J'aurais pu faire une grosse bouse et les mouches, elles seraient restées autour. Alors, niveau 11 maintenant. Et on doit trouver le trésor. Ah, il doit creuser. Vas-y, creuse, prends ça là, mon pote. Mais non, il a besoin d'une pioche, il a besoin de quoi? Attendez, je vais faire un trou là, je sais pas si ça va marcher. Vas-y là, essaye d'aller au trésor. Non. Est-ce qu'il aurait pas besoin d'une pioche, les amis? On va lui faire une pioche comme ça en cristal. Ça marche ça ou pas? Non. T'as peut-être besoin d'une pelle? Or, c'est un truc rose. Qu'est-ce qu'on devrait faire en rose? Est-ce qu'on devrait pas faire un diamant, justement? Genre un... Oula, c'est pas un diamant, ça, c'est un triangle. Non, ça va pas marcher. Est-ce que tu veux une pelle, peut-être? Attends, je te dessine une magnifique pelle comme ça. Hop.
Voilà, c'est une belle pelle, ça, j'ai bien dessiné, franchement. Oui, c'était ça qu'il fallait faire. Oh, oh, oh. Oh, il a gagné pas mal d'or, apparemment. Bien joué à lui. Tu peux m'en donner un petit peu, c'est grâce à moi, mon pote, hein. Ha, toi, t'as besoin d'une roue, c'est ça? Voilà, c'est vrai que ma roue ressemblait à rien. Attends, je te la refais, pas de problème. C'est, comme ça, c'est mieux. Ah, mais tu veux des jantes aussi. Ok. Voilà, c'est bon, ça, c'est mieux. Non, ça marche pas. Bon, écoute, petite voiture, je suis désolé, mais je suis pas garagiste. Moi, c'est pas mon truc, ça, alors je sais pas quoi te dire, hein. Ah, c'est bon, c'est qu'elle était pas assez grosse, mais parfait, elle va toucher un petit peu sur les bords, voilà, comme ça fera du bruit, parfait. Niveau 13 maintenant, et on doit servir du thé, mais dans une tasse, réfléchis. Ça suffit, ça, c'est bon. Non, mais attends, t'as besoin que je fasse une vraie tasse, voilà, comme ça, c'est bien. Oh, ça a marché, c'est ça qu'il fallait faire. Elle est magnifique, la tasse, par contre, elle se remplit pas. Niveau 14 maintenant, et on a une assiette qui pleure. Une assiette qui pleure. Et j'ai quelle couleur, là? Ah, il faut faire la fourchette, d'accord. C'est en faisant le dessin à côté pour vérifier la couleur que j'ai compris qu'il fallait faire une fourchette. Voilà. Oulala. Qu'est-ce que c'est? Ça a marché, vraiment? Cette fourchette a fonctionné? Je suis pas sûr de mon dessin, là, franchement. Est-ce que vous amusez bien avec Just Draw? Oui, beaucoup, ou non, pas vraiment. Les amis, dites-moi dans les commentaires, soit oui, beaucoup, ou soit non, pas vraiment. C'est nul Red Kill. Ou alors oui beaucoup, t'es le meilleur Red Kill. T'es le mec. Ah, allez c'est bon, Just Draw. Alors oh, regardez, c'est les manettes de PlayStation. Alors croix, rong. Ouais, c'est triangle, vas-y, passe à la suite. Niveau 16, let's go. Non, je ne veux pas ton truc. Il est très bien mon crayon papier, il marche bien depuis tout à l'heure. Just Draw. Oh, c'est bon ça, c'est une pioche Minecraft. Non, c'est pas ça. Attends. Un soleil, les amis. Tac, ça ou pas? Non. Un arc-en-ciel? Non. Allez, vas-y, je vais te faire un vrai parapluie cette fois-ci avec, voilà, de quoi le choper comme ça. Tac. Et ça, tu vas pas me dire que c'est un parapluie qui marche pas, ça. Let's go! La pluie est stoppée. Tes cheveux blonds ne vont pas friser. Pourquoi il pleure? Ah, il veut ses... les timbales, là, comme ça. Alors, attendez. Est-ce que c'est bien jeune? Oui, c'est bien jeune. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Où est-ce qu'on lui fait? On lui met dans les mains, comme ça, là? Hop, là. Comme ça, c'est bon, ça suffit? Non, ça marche pas. Il faut les faire un peu plus ondulés, comme ça. Voilà. Et là, c'est bon, ça marche ou pas? Non. Faut peut-être les faire à côté, les amis. C'est un truc comme ça, plutôt. Hop, là. Oh. Oula, je suis pas sûr que ce soit. Hein. Ah, je suis désolé, mon pote, mais là, j'ai pas mieux à te proposer. Hein. Je suis pas professeur de musique, moi. Hein. Ah, mais non, mais je suis débile. Peut-être qu'il a juste faim, en fait. Qu'est-ce que tu veux manger? Ben, en jaune, une banane. Voilà, comme ça. Oh, oh. Mais pas ouf, hein. On aurait dit hop, une lune. Voilà, ça, c'est une vraie banane. Ouais, on va dire ça. Oui, ça a marché. Niveau 17 réussi, les amis. On passe au niveau 18 maintenant. Et ce petit bonhomme est jaloux de ses potes qui ont une moustache. Ha! Magnifique. Est-ce qu'elle est noire, la nôtre? Oui, elle va être noire. Ok. Alors là, mon pote, tu vas rendre jaloux tous tes petits amis. Regarde. Moi, je te fais une moustache avec finition en timbale, comme ça. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle en vérité, mais... T'es beaucoup plus stylé que tes potes, là. Let's go. Wow. C'est un vrai magicien. Niveau 19 maintenant. Et on a... Oh, ce petit chat qui est en train de tomber. Est-ce que tu voudrais pas une échelle? Ou alors, je sais pas, qu'est-ce que je peux te faire? Vas-y, descends à l'échelle. Oui, c'était ça qu'il fallait faire. Niveau 20... Quoi? Il est parti où, le stickman, là? C'est bon, là? Attends, je te fais des yeux. Tac. Et oh, il est pas content. Oui, ça a marché. Bon, il est pas content, mais bon, c'est cool. Bon, en même temps, il a perdu sa tête. Tu m'étonnes qu'il est pas content, machin. C'est bon, j'ai gagné. Ha! Easy. Ah non, ah, quoi? C'est un rond pourtant, tout va bien? Oui, c'est bon. Niveau 22 maintenant, et ce petit bonhomme... Ah oui, il a un peu bronzé là, ce que je vois. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai quelle couleur? J'ai du bleu. Est-ce qu'on va pas lui faire de la pluie? Tiens, c'est de la pluie, mon pote. Voilà, il n'y a plus de soleil, il pleut. Non, attendez, est-ce qu'il faudrait pas mettre la pluie sur le soleil comme ça? Non, c'est pas ça. Mais au pire, mais un t-shirt, mec, qu'est-ce que tu fais à poil dehors, toi aussi, là? Hop, là. Ah non, on va lui faire une piscine ou sinon. Attendez, voilà, ça c'est bon. Ça suffit un petit t-shirt ou pas? Non, il veut pas. Mais de quoi a-t-il besoin, notre ami? Ah, je sais, les amis, il faut lui faire, voilà, comme j'ai dit, une grande piscine. Parce que c'est un maillot de bain qu'il a. Donc hop, grande piscine comme ça. Vas-y, amuse-toi. Grande piscine comme ça, alors. Amuse-toi. Allez, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, je suis désolé, mon pote, mais je sais pas quoi faire. En même temps, je t'ai fait un t-shirt à manches longues tout à l'heure. Je vais tenter le petit t-shirt à classique à manches courtes comme ça. Oh, il est trop bien fait, mon t-shirt. Wow, let's go. C'était ça. Le soleil, il est dégoûté parce que là, t'as mis un t-shirt. Imaginez si c'était le cas en vrai. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut des œufs. Hop là. Voilà, t'as fait un œuf, mon pote. Non, ça a pas marché. Alors, mais je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il faut lui faire à lui? Ah, je sais, il faut lui faire une cloche pour qu'il se réveille. Alors, attendez. Hop là.
Oula, oula, oula. C'est pas une cloche, ça. Ça marchera jamais. Attendez, on va refaire mieux. Hop là. Allez, mon pote, c'est l'heure de se lever. La cloche a sonné. Yep. Bling, bling, bling. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut faire quoi? Me dites pas qu'il faut que je fasse une église, carrément. On va pas faire une église maintenant, là. Non, non, j'ai pas trop envie, moi. Hop là. Je refais une cloche un peu mieux, mais... Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Un petit soleil peut-être. Alors attendez, je vais essayer de refaire le... Ah mais non, je peux pas parce que j'aurais voulu lui faire un sourire au soleil, mais je peux pas. Bon, Mon soleil est un peu bugué, mais non, ça marche pas. Attends, j'essaie de le faire mieux. Non, ça marche pas. Mais peut-être qu'il faut un vrai rond comme ça, et voilà. Là, c'est sûr, c'est bon. C'est obligé, il est beau mon soleil. Oui, c'est bon, c'est ça. Niveau 24 maintenant, et on a une maison qui pleure. Vraiment, une maison qui pleure. Mais comment c'est possible, ça? T'as quoi? Tu veux une porte, c'est ça? Attends, je te fais une poignée aussi, comme ça, c'est parfait. Oui, c'était ça. Let's go. Waouh. Qu'a-t-il bien pu arriver à ce petit bonhomme? Je sais pas. En tout cas, on va lui faire une tête. Une tête bleue. What? Oui, let's go, ça a fonctionné. Quoi, j'ai gagné quoi? Non, je m'en fiche. Niveau suivant, et nous avons un Mexicain. C'est quoi son problème? C'est quelle couleur que j'ai? Ouais, si je dois lui faire une moustache, non? Je sais pas, vu que c'est un Mexicain comme ça, non? Ah oui, c'est ça. Alors, maintenant, on a Bob le bricoleur qui a besoin d'une pelle. Encore une pelle, vraiment, vous voulez tous des pelles? C'est un truc de fou. Alors, attends. Voilà, c'est une plus petite pelle que telle. Oh, c'était ça. Oh! Par contre, il a été efficace. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui, le petit Père Noël, là? Hein, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? Tu veux un cadeau? Tiens, je te fais un cadeau. Wep là. On dirait une télé. Attendez, voilà. C'est pas mal, ça, un petit cadeau. Non, ça marche pas. Ah, mais je suis débile! Il lui faut, hop, une barbe du turfu. Hop là, la plus grande barbe du monde. Non, c'est un peu trop gros. À dessiner, c'est un peu galère. Alors, attendez. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est une vraie beubarde de Père Noël. Vas-y, je dessine pas l'intérieur, c'est bon. Tout débrouille. Niveau 29, maintenant, et nous devons dessiner encore un parapluie, c'est ça? Un parapluie? Ouais, comme ça? Voilà. Ça, non, attends, je fais ça. Oh, tu l'as mis dans la bouche. Ah non, les amis, il a besoin d'une casquette. C'est pour ça que il a, regardez, son crâne bien chauffe comme ça. Voilà une casquette. Waouh, t'es trop classe, mec. Allez, niveau 29 maintenant, et nous avons besoin de dessiner la Joconde, les amis. On va dessiner la Joconde au musée du Louvre, histoire qu'elle puisse contempler son œuvre. En vrai, la Joconde, elle est toute seule. Elle est vraiment à part, il n'y a pas de cadre juste à côté comme ça. Wow, ça a attiré tellement de monde, mon dessin, que j'ai même pas terminé. Niveau 31 maintenant, et nous avons, les amis, une petite plante. Est-ce qu'elle n'aurait pas besoin d'un petit peu de pluie pour grandir, cette dernière? Ça devrait suffire, ça, normalement, c'est bon? Oh. Wow, heureusement, fallait faire de la pluie et pas un arrosoir. Parce qu'un arrosoir, ouais, c'est un peu galère. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la télé, c'est ça? Hop là, attendez. Je vais pas vous faire une grande télé. Attends, ça fait une télé, ça. Yep. Voilà, la plus petite télé du monde. Je fais une antenne si vous voulez. C'est bon, ça suffit. Ils sont contents quand même. Ils voient, y a rien d'où ils sont, mais c'est bon. Oh, trop stylé, il faut que je relie les points. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il faut revenir au 1 ou pas? Ah oui, à mon avis. Hop là. C'est bon, c'est un carré. C'est pas ça. 1, 2, 3, 4. Et après, il faut faire quoi, mon pote? Je comprends pas. 1, 2, 3, 4. C'est bon, non? C'est quoi le problème? C'est bon, là, non? Mais c'est incroyable. Attendez, si je comprends pas, je ne comprends pas. 3, 4, c'est bon? Non, j'ai même pas touché le point. Ah ok, cette fois-ci, ça a marché en passant sur les numéros, très bien. Bon bah au moins, on a eu A+, tout va bien, c'est bon. Ah bah oui, il manque une chaussette, d'accord. Je me suis dit, qu'est-ce que... Il faut que je fasse un t-shirt, mais non. Il manque une petite chaussette, là, Powell. Oula. Oui, heureusement que ça marche pas, c'était bizarre comme chaussette. Voilà, celle-là, elle est beaucoup mieux. Bon, c'est pas la même taille, mais bon, ça ira. Madame, vous pouvez vous rhabiller, s'il vous plaît. Je vous fais, hop, des petites lunettes. Ou plutôt un soutien-gorge. Niveau 36 maintenant, et on va faire le plus beau drapeau de pirate au monde. Oula, attendez, c'est mal fait. On fait le crâne comme ça, ensuite on fait les dents. Oh, il va être tellement classe. Hop là, on peut aller dans One Piece, les amis. Oh, attendez, hop, hop. Waouh, trop stylé. Oui, ça a fonctionné. Let's go. Niveau 37 maintenant. Qu'est-ce que je peux dessiner? Un truc jaune. Ah, mais le soleil, c'est simple. Hop là. On va lui mettre bien sur sa tête, comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. C'est ça qu'il fallait faire, mais en plus gros, je pense. Attendez. Tac, 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 tac. C'est bon, là, normalement. Oui, c'est bon. Il a fondu en poussière. Niveau 38 maintenant, et nous devons dessiner... Oh, belle petite étoile, évidemment. Pensez à l'étoile, les amis, c'est important. Oula, c'est une étoile avec 10 millions de pics.
Attends, je vais te faire une main. Voilà, t'as gagné, t'as perdu une main, mais je t'en redonne une plus grosse. C'est bon, ça fonctionne là ou pas? Oui. Merci, mec. Attends. Hop là, monsieur, plus 150. Hop là, monsieur, plus 150. Aïe, mec, arrête de tout casser dans la ville, c'était pas possible. Je roule sur le... Poussez-vous. J'ai faim. Et salut tout le monde, c'est Adkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Fat Baby, un jeu dans lequel, les amis, nous allons devoir grossir un maximum avec Epa. Et on va devoir faire une course, toi et moi. Pour l'instant, on fait 3 livres chacun. Et notre objectif, bien évidemment, ça va être de manger tout ce qu'on va trouver. Par exemple, cet énorme burger. Et une fois qu'on aura assez mangé, on va pouvoir débloquer de nouvelles upgrades et on va pouvoir se combattre, toi et moi, jusqu'à devenir un bébé géant. Alors, est-ce que tu es prêt, Epa, à faire la course avec moi, celui qui devient le plus gros? Ah, ça, je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Moi, je pense que je sais. Est-ce que tu es dans la maison d'à côté? Je suppose que oui. Peut-être, je ne sais pas. Je suis dans une maison, ça c'est sûr. Donc là, par exemple, je suis à 17 livres, ce qui équivaut à peu près la moitié en kilo. Et on peut déjà débloquer, regardez, la possibilité de faire... Parce que c'est vrai qu'on avance pas vite, de faire... des roulettes, comme ça. Excellent. Tu passes combien, toi? Ça m'a aidé à avancer. Ben là, je suis à 9 maintenant que j'ai dépensé les trucs. Et je vais aller continuer à manger tranquillement. Ah d'accord. Bon ben, je suis à 43 livres. Ah ouais, il a pas. Ah ouais, d'accord. J'ai mangé tout ce qu'il y avait dans la maison, mec. J'ai mangé les meubles, j'ai mangé les plantes, j'ai mangé les livres. Oh, là par contre, comme vous venez de le voir, il y a un aspirateur qui vient de passer devant moi. Parce que dans le jeu, il y aura tout plein de petits obstacles. Wow. Il m'a fait tomber toutes les marches d'un coup. Ce grand fou. On va voir beaucoup de personnes, notamment à l'extérieur. Là, il y a des gens. Et... Oh, les voitures, c'est les pires. Il y a des gens, en fait, ils font tout pour nous faire maigrir. Et à chaque fois qu'on prend un coup, on perd du poids. Alors, c'est horrible. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on est sur la voie de l'amincissement, finalement. Est-ce que ça marche comme ça? Je suis pas sûr. Ouais. Aïe. Oh, le robot aspirateur. Que dans tous les cas, se prendre une voiture, c'est pas ouf. Et le robot aspirateur, il est très. Et puis ça te fait pas perdre du poids pour autant. Alors, et pas la prochaine upgrade, elle est à combien là? Parce que je suis déjà à 23 livres moi personnellement. Et la prochaine, alors, elle est à 50. On peut vomir pour 10 ou après c'est 50. Ah, 50 et 100. Ouais, je peux vomir. Attends, je vais débloquer le vomi. Comment ça marche? What? Hey, on peut lui vomir dessus sur le robot aspirateur, il me saoule là. Non, reviens. Trop bien. Attends, je vais essayer de vomir. Pas ça. Ah non, mais j'ai pas essayé en fait. Mais ça marche pas? What? Mais j'ai fait une bulle. Wow. T'as débloqué le vomi toi? Pas encore. Okay. Alors en fait, je mange. Là, je suis à 43 livres. Moi, je fais tout pour grossir, en fait. Pour manger plein de trucs de partout. Attends là, toi. Attends. Je peux bouffer les meubles. Mec, autant te dire que je vais essayer. Bon, je sens que t'es en train de prendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une petite intrusion chez toi. Une petite approche discrète. Ouais, par contre, les premiers pas dans la ville sont dangereux. Je suis à 50 livres. Je fais 25... Aïe. Bon, ben là, je fais plus que 22 kilos. T'as pris un coup de robot scratcher. Ah ouais. Oh putain, c'était violent. Je vous jure que là, c'est hyper dangereux dans la rue, hein, parce que il y a vraiment les types, ils s'en foutent, ils te mettent des coups. Hein. Attendez, je vais faire les poubelles, il y a quelques trucs à manger là. J'arrive pas à monter à des endroits stratégiques. Le petit burger qui fait 2 kilos là. En fait, j'ai envie de venir chez toi pour te vomir dessus. Voilà, c'est mon objectif. Est-ce que ça apporte un gameplay particulier? Je suis pas sûr. J'espère. Attends. Tiens, j'essaie de monter sur la chaise. Pas réussi. Attends, je vais essayer de vomir sur la dame là qui est là. Attends, va trop vite. Madame, attendez-moi. Par contre, c'est trop vite. Attendez, sauter plus. Et okay. Paf, les 25 kilos. Allez, je vais tenter de rentrer chez toi. Normalement, t'es dans la maison d'à côté. Oh là là, le respirateur est tellement pratique. Ah. Ça y est, mec, j'ai passé les 25 kilos. Ouais. Je suis un gros. T'es où, toi? Un gros bébé. Oh, mais attends, mais c'est pas ta maison, ça y a encore plein de trucs à manger ici. Ouais. Ah ouais. Ça. Attends, est-ce que je peux monter sur cette table? Ah mais si, t'es chez moi. Allez, pars. Oh, mais au moins il m'a mis sur la chaise. Par contre, je suis bloqué. Ouais, il m'a vomi dessus. Arrête. What? Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. C'est bon, rien. Non, mais comment t'as fait? Attends, je change tout, c'est bon. Oh, mais c'est le robot aspirateur qui m'a poussé. Attends, reviens. Oh, que dalle. Ça se mange les fleurs? Je pense que c'est que pour les gens. Attends, j'arrive. Oh, mais let's go, ça fait plaisir. Allez, il s'est fait bully. Quoi? Mais c'est qui lui? C'est qui lui? Tu le connais? Attends, je vais vomir. Ah, pas du tout. Oh, comment je l'ai tué? Je l'ai vomi dessus. Ah ouais. T'as réussi à traverser la route, mec? Attends, mais il est en train de se faire écraser en boucle, machin. Moi, je suis what the thug, moi. Attends, je tente de traverser, mais c'est assez dangereux, il faut l'avouer. Non.
Là, y a un monsieur qui me chase. C'est le même que moi tout à l'heure, le petit là. Oh, j'ai pris cher. Comment t'as pris cher? Et en plus, il m'en veut pas à moi, il t'en veut qu'à toi. Oh, c'est bon. Ah, je crois que... Ton German est à venger là. On peut pas venger les gens. C'est vrai, c'est que une source de nourriture incommensurable. Pas mal, hein. Bah, t'imagines, tu manges un mec, tu gagnes 40 alors, kilos. T'as quoi. Vu, oui, oui, bah, au moins, même plus ça. T'as vu qu'il y avait la possibilité de se mettre en 25 000 fat pour l'avoir. Il faut, on peut se mettre en mode Enter pendant 60 secondes, on devient géant, je crois. C'est un truc de fou. Trop bien. Comme sur la miniature. What? J'ai vomi dans le vide. Oh, attention, attention. Oh, je suis pas passé loin. Il fait quoi, lui? Ah, je sais pas. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a que à manger dans les maisons, quoi. Oh, traverse. Oh, oh mais c'est bon. Il fait ses... Wow, il s'est fait double gang. De toi. Ah, de ouf. Vas-y, mais ils m'en veulent manger pas. Dans une maison, moi. Moi aussi. Ah, parce que là, je suis de retour à 3 livres, là, c'est chaud. Là. Ah bon? Oui. Mais non. Putain, mais mec, j'entends des mecs sur les capots et tout. Et pas, il y a quelqu'un dans le jardin, là. C'est quoi, là, c'est qui, ce gars? Je sais pas. Je suis à 3 livres. Je suis un bébé inoffensif. Je suis nul. Je peux manger une poubelle. Je peux manger une poubelle. Oui. Tu fais combien? Ça m'a donné plus 14. Je suis énorme. Tu fais combien de livres? Je suis énorme, j'ai grossi. Je suis à 55 là. Je vais pouvoir débloquer. Oh, attends. La vache. Deuxième rôle. C'est parti. Oh, c'était juste au petit bel. Mais le deuxième rôle, il sert pas tant que ça. Hein. Ah ouais, en fait. Ah. Oh mince, je peux pas la manger celle-là, elle est trop grosse, elle est trop belle. Attends, je te mets vite dessus toi. Viens là. T'as combien? C'est à 40 que t'as pris, toi? Je le sens pas, va-t'en de là, toi. Waouh. Oh, il me court dessus. Il va me frapper. Oh, non, c'est un petit cheese. Oh, oui, reviens. Laisse-moi tranquille. Oh, mais t'as pu manger quelle poubelle, toi? Une petite poubelle au fond de mon jardin. Vraiment une petite poubelle. Ah ouais. Pendant que là... Comment pour l'instant? Je tous les dangers. Ok, ça arrive de ce côté. Je bravis tous les dangers. Ah oui, toute petite. Oh, 8 kilos. Enfin, 4 kilos. Ah, c'est bon. Mec, je fais 61 livres. Oh là là. Je suis un bébé de 30 kilos, quoi. Je fais le poids d'un enfant de 3 ans. Et encore, voire même encore plus. Est-ce que t'as été au supermarché? Non. C'est où? C'est pas là où il y a plein de voitures? Ah, je le vois. Ah, je te vois aussi. Ah, j'ai tué Marie-Josette. Elle est là. Attention. Oui, je vais me dire. Mais non, il y a pas besoin, il était gentil, lui. Ah, ok, c'est John Wick. Attends, en fait, c'est les petits monsieur qui sont... Oh, pardon. Désolé, j'avais une solidarité bébé, mais là, que dalle. Aïe! Ah, mais parce que je suis plus gros que toi! Je suis un gros tas! C'est pour ça! Oh, c'est trop génial, l'aventure des deux bébés qui traversent la route, c'est magnifique! C'est trop bien! Regarde ce que je sais faire, maman! Je fais ça, crôle à lui! Lui! Je le vois pas! Route! Oh, tu vomis sur. C'était lui qui faisait mal! Moi, je le vois pas. Mec, je vais faire une razzia là. Il y a trop de trucs à manger. Attends, on essaie de me taper là. J'ai plus de vomi, j'ai plus. Aïe. Oh. Mais comment t'as pu lourder tous tes vomis, toi? Tout ça. Ah, j'ai vomi trop, moi, c'est trop. Allez, là, vas-y. C'est trop pour moi. Je vais faire 100. Vite le cookie, la sucette. Oh, la chance. C'est bon, je fais 100. Je fais 50 kilos. Oh, je suis à 50 livres, ok. Tu es un bébé indécent, quoi. Est-ce que t'as débloqué ton deuxième vomi ou pas? Non. Mec, je suis à full hein, de mon vomi, j'utilise quasiment jamais. Hein. Attends, je vais aller dans l'autre magasin à côté. Eh ben là, va voir derrière les magasins, il y a pas mal de poubelles, il y a moyen que tu puisses en manger, elles sont pas très grosses. Non, c'est encore trop gros pour moi, il me dit. Ah ouais, il y a tellement de trucs. Attends, je vais me mettre trop bien. Oh là là. Ça y est, je peux manger deux poubelles là. Ça. Je suis à 70 quasiment. Oh, je suis à 140 livres. Mais 140 livres, attends, ça fait 100. Mec, je fais 75 kilos, je fais mon poids actuel. En bébé. Excellent. Disproportion. Pas du tout. Oh. Attends, c'est moi qui viens de te frapper encore. Ça va être énorme. Non, moi je suis tranquillement en train de grailler. Waouh. Tout ça. Ah non, il est là. Vire-toi. Oh, laisse-moi. Je suis à 100 maintenant. Oh. Je suis à 150. Plus gros que moi, je crois. Lequel de nous deux sera le plus gros? Ça, c'est par contre, question. On peut sauter moins haut. C'est dommage. Ah ouais, alors c'est peut-être juste une impression. Alors est-ce qu'on peut défoncer les petits maintenant là? Ceux qui nous font... Attends, je vais essayer de les défoncer. Je sais pas. C'est parti! Oh non! Non, par contre, je peux les vomir dessus. Voilà! Pas dans la poubelle, toi, mon gars! Oh. Je suis en train de le monter en l'air. Oh, attends, il y a une petite poubelle dans les poubelles. Voilà, plus 10. C'est pas mal, ça. Mais là, il y a de la poubelle aussi. What? Attends de là! Attends! Regardez à droite et à gauche. Ah, mais t'es là, toi! Je voulais les poubelles!
Non mais j'ai tout pris, hein. Gradignou. Bah, pendant que les autres sont en train de faire un petit foot, moi je viens manger quelques petits trucs sur les gradins. Voilà, excusez-moi. Tac, pour ça. Attends là, toi. Attends là. Y'a pas des trucs là? Oh si, c'est la fête à neuneux ici. Mec, dans le parc. C'est... Ah ouais, les poubelles. Ok, je suis à 180, je te rattrape. Oh punaise, ouais, j'avoue. Mec, toi, les poubelles, c'est the god. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop les poubelles. Trop mon kiff. Le mec qui a aucune estime pour lui-même, c'est... J'adore les poubelles. Bon, allez, il est temps pour moi de débloquer le troisième rôle. Hein. C'est parti. Hein. Ah ouais? Ouais. Alors, est-ce que là, ça fait un truc particulier? Ah, je peux... Je crois que je peux manger des objets en leur roulant dessus. Oh, ah ouais, c'est trop bien ça, c'est pour combien? Là, c'est 100. Ah ouais? Ouais, je vais Oui, je vais me faire défoncer. Attends, là, moi, dès que je dépasse les 250... Allez, c'est bon, je le fais. Oh, je suis repassé à 150, mais... C'est trop bien! Je mange de tout! Je traverse! Aïe! Oh, c'était juste. Mais attends, toi, pas Madame, vous allez rien me faire? Laissez-moi tranquille. Ah, j'ai trouvé un bon spot aussi, là. Oh, une poubelle à 17. Qui m'a donné 17 directement. Tu serais pas derrière le... Aïe! Ah. Je te donnerai pas mon spot, c'est mon spot ça. Si tu viens dans mon quartier, je te démonte. Je suis à 300. Ah, ça mais est, en fait, je me suis fait bloquer par une barrière invisible. Est-ce qu'on peut monter aux échelles? Mec, plus tu grossis, plus tu peux manger des grosses poubelles, mec. Hein, je peux. Oh, j'ai roulé sur un mec. Oh, tu peux leur rouler dessus maintenant? Mec, j'ai pris masse de. Je peux la manger? Ouais. Oh, je l'ai mangé, mec, j'ai gagné 110. Mais non. Attends, je te jure. En bombant les mecs? Mec, je. Alors là, je suis en train de valser, mais. J'ai roulé sur un mec, je l'ai mangé. Attends, je vais essayer de le rouler dessus, moi. Et hop, c'est parti. Ah, si, j'ai réussi. Oui, ça va tellement vite, 630. Mec, c'est énorme. La voiture. Mais mec, je suis à 700, 800. Oh là là, c'est tellement ouf. Attends. On se rejoint, Là. Mec, je suis à 900. Oh, c'est n'importe quoi. Ça va aller trop vite, oh, maintenant. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. J'ai hâte de bouffer une bagnole. Attends. Hop là, monsieur, plus 150. Hop là, monsieur, plus 150. Aïe, j'ai perdu du vin là. Aïe, laisse-moi tranquille. Oh, c'est bon. Wouah, mais allez. Oh, mais let's go, c'est parti. Là, c'est fini pour eux. Allez, hop. Ah, j'ai essayé de manger un abribus, mais il me manque. Je suis désolé, messieurs, dames, mais j'ai faim. Laisse-la moi, voilà. Mec, on peut manger toutes les poubelles, ça y est. On va le premier à 25 000 maintenant. Oh là. Mec, je mange de tout là. Oh mec, je suis bloqué dans le mur. Ah c'est bon. Je peux manger les poubelles. Ah ouais, je peux toutes les manger. On peut tout manger, mec, ça y est. Ah, pas les voitures encore. Je préfère les manger. Va manger les voitures? Pas encore. Non, pas encore. Ça ne serait tardé. Salut, pas. Oh toi. Toi, tu m'as bully au début de partie, t'es mort. Oh. T'es à combien? Je me suis fait allumer. Ah mince. 1200. Quoi? T'es à combien? 1200, pas toi? Je suis à 3000. Ah oh ouais, mais toi tu défonces tout le monde là. J'ai du respect pour personne, moi je roule sur les gens. Oh. Moi je me fais victimiser par des voitures tout à l'heure. Oh, salut pas. Salut. Je passe par là. J'ai des petites poubelles à manger. Voilà, merci à tous. Toi, t'es mort. Alors moi je pète déjà tous les lampadaires. Hop là, le monsieur. Je peux manger les arbres. Oh. Ouais, il est bon, pas moi, pas contre. Mec, je suis King Kong. Je mange les arbres. Oh mais non, mais t'es trop avancé par rapport à moi. Est-ce que ça marche les voitures? Faut que je teste. Ah non, elle m'a quand même bully la voiture. Tu sais que maintenant on rentre plus dans la ville. Ah non, on rentre plus. Bon, en même temps, c'est trop gros. Bon, on est trop gros et ça donne rien. Arrêtez de gaver les bébés. Ah ouais, non mais c'est mal quoi. La malnutrition, ça fait des ravages. Hein. Oh mec, je peux manger des arbres? Il y a un parc. What oh, the combo chance. Ah ouais, je te vois dans le parc, mais tu te mets trop bien. Moi, je vois plus personne qui a tué tout le monde ici. Y a plus personne. Plus personne ne vit dans ce monde. Bah, je suis désolé, je t'en ai peut-être pas laissé beaucoup là. Aïe. Oh, on m'a envoyé dans la maison là. Oh. Attends, mais là, les voitures, ça doit être bon. Toujours pas. Mais mec, mec encore... je fais 12 000 kilos. Plus énorme. T'es à 12 000. Oh là. Je suis à 12 000 livres. Oh non, je vais me faire défoncer. Je vais me défoncer. Oh, c'est le premier 25 000 qui va se transformer. Y'a un monsieur. C'est bon. Oh, j'ai mon 4 heures. Oh, y'a encore des gens. Laisse-moi les champs, c'est méchant. Ça y est, je peux défoncer les abribus, c'est cool. Bien joué. Putain, mec, je fais 6500 kilos, je me fais quand même bully, quoi.
Mec, arrête de tout casser dans la ville, t'es pas possible. Je roule sur le... Poussez-vous. J'ai faim. Oh wow. What, comment c'est insane. Wow. Va dans le parc, va dans le parc, va dans le parc. Et je peux pas... Aïe. Attends, aïe, aïe. Tu ça me jettes, je peux pas manger les arbres, moi, je suis pas comme toi. Quoi? Oh non! Gagner assez de grosseur pour devenir un hunter pendant 69 secondes et rechercher d'autres baby pour les dévorer. Oh non, t'es déjà à 25 000? Je suis à 30. Ah oui, d'accord. Je suis à 30 000! Voiture par là-bas! Je comprends plus les... Permettez? Oui, oui, oui. Je passe. Ça, tu sais ce que ça m'a dit? Non. Vous avez besoin de faire 30 000 livres de plus pour le manger. J'avoue. Il faut au moins ça, là. Je suis pas très gros, ça va. Ça y est, je peux manger les arbres, ça y est, je vais pouvoir reprendre. Ah, je vous attends, jeune entrepreneur. Oh, je vais essayer de passer derrière les gros arbres. Attends, parce que les arbres, ils poussent pas vite. On peut pas les manger, ceux-là. Mec, regarde où je suis. Ah ouais... Mais qu'est-ce que tu fais là-dessus? Je suis un gros bébé. Waouh. Mec. Je pourrais gober ta tête en une fois. Non. Je m'en vais. Aïe. Si. Ah. Je te bully. C'est un truc de fou. Bon, attends. Attends, je vais manger 2-3 trucs dans le parc. Vas-y. Je te les laisse. Regarde, il repop. C'est bon, c'est parfait. Je te laisse te mettre en mode hunter si tu veux. Je suis à 15 000 là. Non, je t'attends. Préviens-moi quand tu te mets en hunter. J'attends qu'on ait tous les deux les 25 000. Ah, okay, bah moi je l'ai pas. Ça y est, encore un arbre. Vas-y. C'est bon, 25 000. Tu fais combien? 25 ouais. 000, t'es plus gros que moi quand même. Hein. Ouais. T'es à combien toi? 46. Ah ouais. Vas-y, mets-toi en mode hunter, voir ce que ça donne. What? Non. Non mais, juste 60 secondes. Oh ouais, il m'a allumé direct. Je bouffe tout. Salut, moi c'est Redkill. Ne vous fiez pas trop à ma voix virile, je ne suis qu'un bébé. Bon, il est vrai que je fais un petit peu de muscu de temps en temps. Et je vous déconseille de voir quand je fais de la muscu, parce que ça me rigole pas, les amis. Et vous savez ce que ça me fait la musculation à moi? Ça me fait évoluer. Je grandis. Et je suis un petit bébé, un peu moins petit. Et ça là, dans mes bras, c'est mon père. Vous savez ce que je fais avec mon père? Je l'envoie en l'air. Oh, 200 mètres seulement. On recommence. Waouh, wow. Oh, 11 400 mètres. Désolé, papa. Qu'est-ce que t'es en train de leur dire, petit bébé? C'est moi le vrai Redkill. Bref, salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé pour cette intro. C'est vrai que je vous ai laissé avec l'autre bébé. Je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais ne le croyez pas. En tout cas, aujourd'hui, on est sur Muscle Boy. Et le but de ce jeu, vous l'avez compris, ça va être de faire évoluer ce petit bébé afin qu'il devienne un géant le plus puissant du monde. Donc allez, on améliore les haltères, elles deviennent bleues comme ça, un petit peu plus lourdes. Et on est reparti pour un tour. Alors je crois qu'il faut viser le bleu, c'est le mieux. Bon bah j'ai visé le vert, tant pis, mais c'est pas grave, ça fait quand même des points. Regardez-le, il est complètement fou ce type. Ah là, et encore, c'est qu'un petit bébé, hein. Oh yes, en plein dans le bleu. Oh là là. Frère, arrête, tu veux dire, il est fou lui. Oh, le bleu est tellement petit, allez. Oui, j'ai réussi. Donc quand on réussit 3 jauges comme ça d'affilée, on passe directement avec notre père dans les bras et on va le balancer en l'air. Attention, déjà une évolution. Mais oui, je suis passé déjà au niveau 3. Attention. Et ça y est, on a maintenant à peu près 3 ans. Et on a toujours notre père dans les bras. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi, papa? Ok, 200 mètres seulement, je te relance. Waouh, 40 000, 43 000, 44 000 mètres. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va sûrement pouvoir l'emmener dans l'espace. Je peux le prendre? Ouais, j'ai pu le reprendre à la volée. Ouah, déjà, oh, il a déjà passé la lune, le soleil. Oh, attendez, c'est pas fini, je vais le renvoyer. Ouais, c'est reparti. 65 000 mètres. Et il a atteint Mars. Incroyable, on le relance. Et... Yeah, c'est reparti. 75 000 mètres. Je sais pas si c'est les vraies distances, je sais pas. Mais bon, c'est pas mal. Alors là, par contre, ça va être très difficile pour moi de le reprendre. Oh, désolé, papa. Ah, on a gagné pas mal de thunes. Allez, on améliore les haltères. On a maintenant une grande barre comme ça que nous allons soulever tout de suite. Allez, le bleu, parfait. Oh, les squats, incroyables.
Oui. En tout cas, j'ai bien visé dans le bleu, on est bien, on va essayer de refaire la même chose, attention. Yes. Bon, pour l'instant, on est sur un très bon début de partie. En tout cas, je vous demande à tous de mettre votre plus grand pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et nous, on passe déjà au niveau 4. L'évolution va avoir lieu. Attention. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on sera toujours un bébé ou pas? Ouais. Oui ou non, je sais pas trop. Allez, c'est parti, papa, prépare-toi. Je vais t'emmener voir Jupiter. Bah ok, déjà 57 000, 58 000 mètres. Et on va te renvoyer, mon pote, on va te renvoyer. Bam. On va battre notre record, ça y est, c'est battu. 80 000 mètres, c'est un truc de fou. Oh, mais je me demande ce qu'il va y avoir au-dessus. Waouh, on va rentrer dans une autre galaxie, c'est sûr. Allez, attention, est-ce qu'on va atteindre les 100 000 mètres là? Oh, salut, nouvelle planète. 96 000 mètres, les amis. Truc de fou. Alors là, il va redescendre très vite. Attention, il faut pas le rater. Attention, il arrive. Non, j'ai raté. Tant pis, papa. Oh non, j'ai pas assez de thunes maintenant. Bon, c'est pas grave. Allez, il faut refaire un perfect. Par contre, si on se rate, si on va dans le rouge une seule fois sur nos 3 chances, eh bien, on doit recommencer complètement le niveau. Donc, à nous de faire que du bleu ou au moins que du vert. Attention, yes, réussi. À mon avis, ça va être chaud parce qu'il va falloir être de plus en plus précis. Oh, c'est pas mal, c'est juste, mais c'est bon, ça passe. Oh, par contre, là, je vais pas directement passer au niveau 4. Au niveau 5, pardon. Non, non, on va rester niveau 4 pour l'instant. Allez, on dépasse Saturne, Uranus et... Ah, on n'a pas battu notre record, dommage. Allez, encore. Ouais. C'est bon, normalement, on va pouvoir atteindre les 100 000 mètres et atteindre la dernière planète du système solaire qui est... Neptune, je crois. Non, on l'aura pas. Oh, ça doit être un peu plus haut, je pense. Allez, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Non, j'ai raté. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir améliorer ma barre et passer sur des grosses haltères. Et là, par contre, il faut encore une fois bien gérer. J'ai géré. Ok, normalement, j'ai bien passé les 3. J'ai assuré à la fin pour avoir le vert. Et normalement, niveau 5 qui va arriver. Attention, l'évolution du bébé qui devient un adolescent. Non, c'est toujours un bébé. Un bébé sumo. Bon, là, prépare-toi, papa. Tu vas sortir du système solaire. Oh, déjà, au deuxième coup, je fais les 70 000. Même 75. Alors là, si je le rattrape, je vais faire mon nouveau record. Attention. Non. C'est pas grave, on rachète de nouvelles haltères. On est maintenant avec une grosse barre olympique comme ça. Et là, ça travaille les squats, les amis. Non, raté. Ok, troisième manche. Oh, le bleu est trop petit. Je m'arrête au vert. Je dire, alors, le bleu, il était minuscule. Bon, ça suffira pas pour passer au niveau suivant, mais c'est pas grave. Attention, le nouveau record arrive. Et bah, ça va. Nouvelle barre. Ok, allez. On fait one shot. Le bleu, nickel. Oh, 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 je vais pouvoir directement passer au niveau 6. Mais il faut pas se rater. Mais on va assurer. On va prendre le vert. Et là, on va essayer de prendre le bleu pour la fin. Oui, c'est bon. Je demande la nouvelle évolution. Pourquoi il écarte les bras comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, on peut... Oh, shit. Waouh, rigole pas ce bébé. Hein. Allez, battons notre corps. Et bam! En deux coups, combien je vais faire là, à ce niveau-là? Déjà 95 000 en à peine deux coups. Ok, ben là, c'est sûr que nous allons battre notre record qui est de 108 000, je crois. Oui, je l'ai bien eu. Allez, bye, mon gars! Attention! Est-ce qu'on le dépasse? Oui, large. Nouveau record, 119 000. J'ai réussi, il est reparti en l'air. Et maintenant, on atteint les 130 000. Oh, regardez, il y a des monstres maintenant. Je sais pas qui c'est, mais bon. Est-ce que je vais réussir à remettre un coup? Non. Dommage. Est-ce que je vais avoir assez pour passer au niveau 7? Vas-y, pousse, mon gars. Non, j'aurai pas assez, il faut le refaire. Nouvelle barre, attention, c'est des haltères hyper stylés, vachement sophistiqués. Et nous, on est reparti. C'est bon, normalement, en un coup, ouais. Je remplis la barre en haut, on va passer au niveau 7. Bon, mais j'ai fait gaver de thunes, là. Le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Non. Allez, je retente le bleu, je retente le bleu. Oui, c'est bon. Bah, c'est limite si je vais gagner deux niveaux d'un coup. Je suis déjà à 5600 sur 2003. Attention, attention, attention! Oui! 3 fois le bleu d'affilée! Bon ben là, l'évolution est 100%! Attention, qu'est-ce que ça va être, mon gars? Waouh, c'est Arnold Schwarzenegger! Bon, il a toujours sa tétine. Le type a plus de muscles que tous mes abonnés réunis, mais il a toujours sa petite tétine, au calme. Allez, bam! Salut, papa! Oh, en deux coups, on a déjà les 100 000. Même beaucoup plus. On a déjà notre corps en un coup! Un coup, on a notre record. J'ai cru apercevoir un bout d'alien. Oh, attention, nouveau record is coming. J'ai trop bien relancé. Oui, un alien. Oh, il n'y en a pas qu'un, mais d'ailleurs. Bon, on arrive aux 190 000. Incroyable.
Regardez-moi ça, là, ces petits aliens. Nouvelle évolution, niveau 8 maintenant. Et bam, ça y est, c'est un adolescent. Je commande deux nouvelles haltères, encore plus grosses. Oh, houhou, les 300K. Ah ben là, on visite, là, clairement. Qu'est-ce que c'est que ces planètes-là? Là, c'est abusé à quel point on est monté hyper vite. Et je vais te rattraper, mon père, ne t'inquiète pas. Il est tombé direct. Bon bah nickel, un petit peu de muscu et on passe au niveau 9. Attention, l'adulte peut être un jour adulte. Ouh. On dirait qu'il a 16 ans. Allez, on va dire qu'il a 16 ans. Je commande deux nouvelles haltères, les haltères de Captain America. Si ça, c'est pas incroyable. Et là, on va pouvoir faire un maximum de muscu et on va gagner beaucoup d'XP. Ah, quoique, c'est pas ouf. Enfin, j'en ai pas gagné beaucoup. Allez, on vise le bleu. Non ! Raté. Mais je vais repasser sur les barres, moi. Hop ! Au départ avec des pneus. Là, ça va sûrement aller très vite. Le bleu, et on est parfait. Attention, ça va monter. Hop, c'est tout. Ok, non, même en 3 coups en bleu, j'aurai pas assez pour passer au niveau suivant. Quoique, si, peut-être que si. Il faut que je fasse le bleu absolument. Si je fais le bleu, c'est bon. Oui, 3 fois d'affilée. Et là, dans mon avis, c'est bon pour moi. J'ai assez d'XP. Ouais, parfait, juste assez. Donc là, on va se transformer. Ça y est, on a 18 ans peut-être. Quelques poils peut-être. Non, même pas. Par contre, notre tête, plus ça va, plus elle descend et plus nos muscles derrière, ils montent. Bon, on va essayer de le lancer. On va voir ce que ça donne, le père, là. Oh wow. 500K, 600K, nouvelle galaxie, 700K, on a presque le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube. Waouh, incroyable, c'est beau là-haut quand même. Par contre, ça redescend très vite, je vais pas le rattraper, impossible de le rattraper. On change notre équipement pour un baril comme ça. Oh là, comment il va réussir à faire de la muscu comme ça? Ah ouais, d'accord. Il fait les épaules et les jambes aussi, apparemment. Allez, j'ai pas mal farm d'XP. Normalement, on devrait y passer. Il suffit que je fasse pas ça. C'est bon, c'est pour maintenant. Le bleu est inratable. Oh, je l'ai raté. Mais c'est pas grave, je suis dans le vert. Nouvelle évolution, normalement. Est-ce que j'ai assez d'XP? Attends, il m'a manqué un tout petit peu. Découvrons ensemble l'évolution numéro 11 et Hulk. Oh. Ah, ça y est, on est officiellement un adulte. Et on va pouvoir envoyer notre daron. Salut papa. Wow. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Oh mon dieu. Oh, ça y est, je crois qu'on a atteint le niveau le plus haut du jeu. Il n'y aura plus rien ensuite. Oh, on rentre dans la galaxie, attention. Je vais essayer de faire une reprise de volée comme Zinedine Zidane, mais ça va être compliqué, les amis. Si, j'ai réussi. J'ai réussi. En route vers le million d'abonnés, comme sur ma chaîne. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. C'est très important. Il faut ensemble qu'on atteigne les 1 million d'abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est mon rêve, ne l'oubliez pas. Et on repart vers l'infini et l'au-delà. Attention, combien on va faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va faire le million? Est-ce qu'on va faire le million? Le million! Il y a des nouvelles planètes! Des planètes ovnis! Et salut tout le monde, c'est Redkill et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, waouh! On s'évade de prison. Et ce n'est pas une évasion comme les autres. Car c'est un jeu avec un stickman. Et lorsqu'un stickman s'évade de prison, c'est toujours avec des manières invraisemblables et très drôles. Alors les amis, juste avant de rendre complètement fous les gardiens, je vous demande à tous de mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir. Et moi j'appuie directement sur play et j'imagine que le petit stickman dans la cellule, c'est nous. Alors les petits gardiens sont juste là pour se moquer de nous carrément. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça commence plutôt mal. S'ils savaient que j'allais m'échapper. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils m'ont donné un colis fragile? Ils sont en train de se demander s'ils ont bien vérifié le carton. Et je crois que le gardien de gauche n'est pas sûr de lui. Donc allez, moi je vais ouvrir ça et c'est un gâteau qui contient des objets différents. Alors, on a une lime à ongles qui sera sûrement très intéressante pour se frayer un chemin vers l'extérieur tout en creusant. Sinon, nous avons une boisson d'énergie. Ouais, ça peut être pas mal, ça aussi. Ou bien un téléporteur qui pourrait directement nous amener en dehors de prison, sur notre canapé, directement devant la télé. Ouais, c'est pas mal efficace. Ici, on a carrément un bazooka qui permettrait de détruire tous les murs autour de nous. Ça, sans aucun problème. Ou bien un téléphone pour demander du renfort à mes collègues qui viennent me chercher. Ou alors carrément une foreuse. Alors autant vous dire que le choix, il est vraiment très simple parmi ces 6 objets. Évidemment que la lime à ongles est l'objet le plus efficace pour sortir de cette prison. Alors, maintenant, est-ce qu'on va gratter à la fenêtre ou bien au barreau? Ah, je vais commencer par la fenêtre, mais je le sens pas, les amis. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais tomber directement et je vais mourir? Je sais pas. Oh.
C'était sûr, ça allait être ça. Petite astuce, regardez avant de sauter. Oh non, mon compteur de fail est déjà à 1. Bon bah du coup, cette fois-ci, on va tester la lime à ongles, mais sur les barreaux directement. Peut-être qu'on va pouvoir réussir à avancer tranquillement dans la prison. En tout cas, regardez, la lime à ongles est très discrète. Ça me permet d'enlever le barreau du coup, et oh oh, j'ai une arme. Oh, c'est parfait. C'est bon, parfait. Oh. Ah ben ça a pas suffi. Je me suis pris un sale kick. Tu as les réflexes d'une statue. Ah les amis, j'avais la possibilité de faire quelque chose. Donc normalement j'ai la possibilité de cliquer quelque part, mais il faut aller vite là. Hop là. Oh, ça a fonctionné, il faut que je clique. Oh attention. Ah ouais, mais j'avais pas prévu qu'il y en avait un deuxième. Ce jeu est trop stylé, mais va falloir être beaucoup plus attentif que ça. Boum. Allez, le deuxième à droite. Parfait. J'imagine qu'il y en a un autre qui va arriver au-dessus, non? Ah même pas. C'est bon. C'est parfait, je vous l'avais dit les amis. La solution. Oh oh, on a un problème. Vite! Ah, c'est bon, je suis parti. Oh, parfait. Alors, on a un balai ou bien... Oh! Alors, on a... Qu'est-ce que c'est? Des petites grenades ou bien carrément une chaise? Pourquoi il y a des grenades qui sont attachées au mur, là, carrément? Moi, je vais faire ça. Ah, oh. Je croyais qu'on avait pété le mur, mais non! Elle est revenue sur moi! Elle est revenue sur moi, mais qu'est-ce que t'as dit? Les stickmen sont vraiment les pires! Oh. Bon, bah, du coup, on retente, mais cette fois-ci avec la chaise. Les grenades ne sont pas une solution, surtout quand on ne sait pas s'en servir. Oh, droite ou gauche? Je vais tenter la gauche. J'espère que c'est bon. Pourquoi il fait très noir là-dedans? C'est bon. Oh, je suis au-dessus de la salle des gardiens, je pense. Ouais. C'est bon, on peut continuer tranquillement. Tout va bien. Oh oh! Moi, j'ai atterri dans la mauvaise salle. Oh. Bon, là, j'ai eu aucun réflexe, j'ai rien fait, mais je pense que de toute manière, on pouvait rien faire. Alors, je vais retenter, mais du coup, en partant sur la droite, en espérant que cette fois-ci, ça nous mène plutôt sur l'extérieur, peut-être de la prison, ou bien, je sais pas, l'infirmerie ou un truc qui pourrait être utile. Oh oh. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'allais me taper les lisses. Waouh. Ok, c'est bon. Le truc est tombé et pas moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a tellement de choix maintenant. Ok. Soit on a une corde, un grappin comme ça, soit un débouche toilette, un parachute ou bien un jetpack. Ah oui, carrément. On a quand même des objets très utiles. Mais on va tester le grappin pour commencer. C'est parti. Alors par contre, il faut être sûr de là où on a chopé un truc. Hein. Bah mais si tu sais pas t'en servir aussi. Non. Ah c'est bon, je suis pas mort. Tout va bien. Je peux continuer? J'ai gagné, je me suis évadé. De prison. Ah, c'est pas possible. Bon, on réessayera de s'échapper par le toit tout à l'heure. En attendant, on va essayer une autre solution de départ. Pourquoi pas la boisson énergisante qui va sûrement nous donner un maximum de puissance pour, je sais pas, casser les murs ou quelque chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est, tout est au ralenti. C'est ça ou pas? Ou il y a un bug? Je sais pas. Mais en tout cas, on est pas au ralenti. Nous, tout va bien. Et on a une force surhumaine qui va nous permettre de narguer les autres. Il est gardien. Mais tout le monde, en fait, tout le monde est arrêté. C'est quoi ce délire? J'ai tellement de vitesse en moi et qu'ils ont même pas le temps de bouger, les amis. Cette boisson énergisante est juste incroyable. Je lui ai carrément pris son poulet à l'autre. Non, mais c'est un peu trop cheaté, je crois, ce truc-là. En tout cas, si vous savez le nom de cette boisson énergisante, la marque, je veux bien, parce que franchement... Ah ouais, mais du coup, je vais... Ah mais c'était sûr. C'était sûr, j'ai fait une attaque cardiaque, c'est trop puissant. Ah là là. Bon, le téléporteur, ça paraît un peu trop simple quand même. Donc je vais essayer le téléporteur, mais ouais. Oula, en plus si j'appuie sur tous les boutons... Oh. Non mais attendez. Non mais alors attendez, c'est quoi ce délire? Oh oh. Ils ont tué un détenu, c'est pas possible. Oh là là, bon, c'était sûr. Alors est-ce que si je refais le téléporteur, je vais aller au même endroit? J'imagine que oui. Ah oui, il semblerait que ce soit... Ah oui, même problème. On m'a go testé le bazooka du coup, même si j'imagine que ça va pas être pratique d'utiliser, hein, parce que... Attention, faut tirer entre les barreaux, sinon... Ouais, c'est bon. Ouf, heureusement. Oh, ça va revenir sur moi. Non. J'ai cru que j'allais sortir. Alors, je crois que je vais périr au fond de ce trou. La pire cellule du monde. Bon, on va essayer d'appeler un ami. Pourquoi pas? Ça pourrait marcher. Alors, famille, attendez. Oh, c'est qui ça? C'est qui eux? Alors, 9 septembre à 12h53. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on est devant le juge. Ah ah. On a appelé notre avocat ou quoi? Ah. Ok, je comprends rien ce qu'il dit. Articule, mec! On comprend rien! Ah, objection. Oh, la référence de fou! Ah, il faut que je donne une preuve que j'ai rien fait du coup. Alors, on va leur donner le téléporteur. Attendez, mais si, je peux lui donner ça? Oh oh! Je crois que c'est pas bon. Bon, je crois que mon avocat est... Ah ouais, non. Mon avocat, il a pas fait le taf. Du coup, s'il donne l'appel,
Peut-être que ça va le faire. Monsieur, tenez la pelle, c'est une pelle. C'est une évidence. Et en quoi ça prouve quelque chose? Non, il m'a pas cru. Bon, bah, je crois que je suis encore une fois coupable. Alors, on va lui donner le sac de thunes. J'imagine que... Ah, là, c'est la pire preuve du monde, là. Il est en train de lui ressortir toute la loi au calme. Les amis, c'est bon, je vais pouvoir pas m'échapper de prison, du coup. Je vais pouvoir juste sortir de prison, être reconnu innocent. Donc, par la meilleure manière possible, grâce à mon avocat, d'une manière complètement légale. Alors, il est en train de lui expliquer ce que j'ai fait. Ah, je me suis endormi dans un sac et je me suis retrouvé dans le coffre-fort. Ah ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Oh, yes! C'est bon, on va pas en prison. Ah, attendez, il faut qu'il choisisse. Ah. C'est une histoire intéressante, c'est bon. C'est bon. Yes! Yes! Ouh! Les amis, on a réussi, j'espère. Attendez. Parce qu'on sait jamais, hein. Ah oui, c'est bon, c'est réussi. Mais il faut qu'on essaye une autre fin, apparemment. Alors, celle du téléphone, on vient de le faire. Il faut tester la fin de la foreuse maintenant. Et surtout celle du toit. Celle de... Il y en avait plein de trucs sur le toit. Alors, attendez, la foreuse, par contre... oula, je le sens pas. Parce que là, en fait, on va faire d'étage en étage, mais... Oh, les toilettes. Oh, ok. On a la possibilité d'utiliser un petit pied de biche pour ouvrir les égouts. Hop là. Aïe. Où est-ce que je suis? Là on a un problème. Là on a un problème. Ok, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. Alors, droite. Hop là. Aouh. Il fallait pas aller à droite. Ok, dès que je peux appuyer, je vais appuyer à gauche. Hop là. Gauche, c'est parti. Hop là. Oh, esquive des balles. Ah, je vais y arriver. Oula. En face. Ah non, en face, c'est le mur. Oh, what? Comme dans Matrix. Oh, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Je crois que c'est le boss final, ça. Oh, il me faut une arme. Oh, faut que je sois prêt. Ok, je suis prêt. Il est prêt? On est prêt? Oui, c'est bon? Je suis prêt? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a du monde quand même, hein. Oh, il fallait que je clique. Vous avez vu, il y avait un moment où je pouvais cliquer. Ok. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je vais cliquer sur rien pour voir ce qui se passe. Ah ben, ok, on se fait tirer dessus, d'accord, pas de problème. Bon, faut que j'aille en face, mais on va quand même essayer d'aller à gauche, voir ce que ça permet de faire. Oh. J'ai glissé, je crois. Ok, c'est maintenant qu'il faut... Il me faut un réflexe de fou. Il faut que je clique quelque part ici, je crois. Là, maintenant. Oh. En mode Matrix. Ça a fonctionné. Boum. Oh, c'était tellement... Et comment j'ai fait? Je ne sais pas. J'ai tiré avec mon doigt. Ils ont tous peur. Ils sont effrayés. Je suis tellement puissant. Les amis, nouvelle évasion possible. Je l'espère. Boum. Oh, yes. On a réussi. C'est la deuxième fin qu'on réussit. J'espère, hein. À moins qu'on se fasse écraser. Non, c'est bon? Yes! Et en plus, on prend la voiture de police. Ça, c'est pas stylé. Bon, bah, du coup, il nous reste à essayer de retourner sur le toit et de s'échapper comme ça. Donc, il fallait aller sur la droite. Voilà, parfait. Et du coup, on avait encore trois possibilités. Hop là. Notamment, qu'est-ce qu'on avait? La caisse, peut-être? Ah non, le parachute et le jetpack. Ah ouais! Alors, go, essayez le parachute, mais... Et j'espère qu'il sait s'en servir. C'était pas un parachute, c'était juste un sac de doutes. Aïe, mais quel débile celui-là. Bon, bah on va essayer le jetpack, mais c'est pareil, hein. Si le sac à dos, si le parachute, il arrive pas à le faire fonctionner, je crois que... Oh là, what? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, quoi qu'il y ait, pas mal le jetpack, hein. Bon, par contre, je suis reparti dans ma cellule, quoi. Non. Et alors, les débouchiottes, comment ça marche? Alors, pas sur la tête, mon gars. Alors, attendez. Ah ouais, d'accord, on va carrément faire comme Spider-Man. Descendre tranquillement. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Parfait. Ok. Nickel. Et c'est... Oh, c'est bon! C'est une fin qui a réussi, les amis! On a réussi à voir toutes les fins du jeu, il me semble! Wow, les amis, c'est le retour du policier le plus sympa de la ville! Et aujourd'hui, ça ne rigole pas, on a un tas de gangsters à relâcher et un tas de bonnes personnes à mettre en prison. Donc, au boulot tout de suite! Non, attendez, les abos, j'avais une petite question pour vous. Je voulais juste vous demander si vous me préférez sans moustache ou plutôt avec la moustache. Franchement, elle me va bien, cette petite moustache, non? Par contre, c'est normal que j'ai plus de cheveux, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ok, j'ai compris, c'est mieux sans la moustache. Donc, allez, c'est parti, on a affaire à notre premier gangster. Bonjour! Commence pas à faire la maline avec moi, d'accord? Ne fais pas perdre du temps, dis-nous ce qui va pas.
Ah, madame ne veut pas parler. Bon, très bien, on va vérifier ça ensemble. Alors, est-ce que c'est bien sa photo? Oui, c'est ça. Maintenant, vérifions ensemble la plaque d'immatriculation. Oula, ça a commencé par MX. Oui, il y a bel et bien un problème. Madame, ça va pas le faire, ça. Ça va partir en prison, ça c'est sûr, mais juste avant, j'aimerais vérifier le coffre. Il y avait une arme là-dedans, ouais, c'est ça. Allez hop, en prison, c'est parti. On attache ça et c'est bon, ça part. What, on va pouvoir améliorer la prison? C'est trop stylé. Ah ouais, ils auraient pu me donner un peu plus d'argent pour commencer quand même. Bon, je vais enlever tout ça, j'ai trop chaud. Et salut tout le monde, c'est Red Pill, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Car Cops and the Lucky. Nous allons devoir bien évidemment mettre tout le monde en prison. Qu'importe ce qu'ils ont fait. Alors monsieur, est-ce que ça va? Oui, ça a l'air d'aller. On va regarder votre pièce d'identité. II-651, je crois que c'est bon, ça passe, ok, pas de problème. Dites-moi qu'il y a quelque chose dans le coffre. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Si j'arrête quelqu'un, c'est pour le mettre en prison. Alors, on va voir ce qu'il y a dans le coffre, monsieur. Ah, une poêle, d'accord. On va inspecter tout ça. Une poêle, des livres, une plante, ok. Tout va bien. Alors, est-ce qu'on le relâche ou est-ce qu'on l'arrête? Ah, il a quand même une belle voiture. Allez, monsieur, je vous laisserai votre belle voiture et surtout, pensez bien. Je vais vous entendre à des kilomètres à la ronde. J'adore les belles voitures. Oula, ok. Ah, ça essaie de me soudrouiller, ça me donne de l'argent. Ok, j'accepte. Eh non, c'est mort, j'ai pris la thune. Mais s'il y a un problème avec toi, ça va partir direct en prison. Oh, ok, bah y a pas de problème apparemment. Mais alors pourquoi m'a ordonné de l'argent? Pourquoi elle m'a donné de l'argent? Elle est complètement folle, elle. Y a forcément un truc qui va pas aller. Y a la plaque est belle pourtant, tout va bien. Bon bah je peux pas vous arrêter madame, je n'ai aucune raison de vous arrêter, donc partez de là. Allez, du coup c'est bon, on va pouvoir débloquer le premier objet de cette petite prison avec un petit carpet magnifique. Et on repart. Attendez, me dites pas que c'est Scream là. What? C'est un ouf, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas Halloween en ce moment, monsieur. Bah, en tout cas, la photo est bonne. Attendez, vraiment, sur votre pièce d'identité, vous avez le masque aussi? Vous êtes peut-être le vrai. Je vais pas faire le malin avec lui. On va vérifier votre petite plaque d'immatriculation. C'est bon, ZR317. Et on va regarder. Tout va bien dans le coffre, c'est bon. Je crois qu'il va à une soirée tranquille. Il a pas prévu de faire n'importe quoi. Allez, monsieur, je vous relâche. Pas de problème. Bye. Ouais, attends. What? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Mes amis, j'ai fait une bêtise, il s'est fait exploser machin. Je crois que j'aurais dû l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, maintenant on a le scanner, ce qui va nous permettre de vérifier s'ils ont des bombes. Ah ouais, mais je pouvais pas, il faut... Hey, il faut mieux m'équiper moi. Il y a pas assez de... Oh, j'ai fait monter des murs magnifiques, il y a pas assez de budget dans la police, il me faut maintenant le scanner. Donc là c'est bon, je vais pouvoir étudier sur chaque corps s'ils ont des armes ou quoi que ce soit. Bonjour madame. Alors la photo est bonne, What? Pourquoi avez-vous changé de plaque, madame? C'est quoi ce délire? Bon, on va être obligé de procéder à une fouille, madame. Allez, sortez de la voiture et on va vérifier ça. Dans le bob, y'a rien. Enfin, dans le bonnet, y'a rien. Et... ouais, on va quand même continuer. Ah non, ça arrête. Qu'est-ce que c'est que cette position? C'est la position de la peur ou quoi? Bon, allez, ça ira pour cette fois, madame. Pas de problème. Quoi? J'ai fait le mauvais choix. Si elle veut avoir une arme, elle a le droit d'avoir une arme. Soyons cool dans la vie. Tout va bien. Je suis sûr qu'elle fait très bon usage de cette arme. Oh là, on a un camion. Alors là, par contre, pour fouiller ça, ça va être hyper long. Oh, j'ai pas signé pour ça, moi. Bonjour, monsieur. Bon, la photo est bonne. Pas de problème. Je vérifie la plaque. C'est bon. Et ouvrez-moi le coffre. Et là, par contre. Oh, ça va. Il n'y a pas grand-chose. Un extincteur, ok. Là, par contre, on n'est pas sur le petit calibre. Là, je suis pas sûr de devoir lui laisser celle-là. On va vous fouiller, monsieur. Sortez de là. Hop, montrez-moi si vous avez pas autre chose. Oh, il a du poison. What? Mais c'est un ouf, lui. Il y a autre chose à trouver. Oh, un couteau. Ok, c'est bon. Bon, là, par contre, ça fait un peu trop, monsieur. Je veux bien être sympa avec les autres. Oh, la position de la peur. Mais là, c'est pas possible. Hein, ça part en prison. Mini-jeu. Comment ça, mini-jeu? What? On est à la casse, d'accord. Après avoir arrêté quelqu'un, on s'occupe de. Oh, mais what? Et ça, c'est quoi ça? Le bouton rouge. Puis, vas-y. Ah, d'accord, faut attendre que tu sois en bas. Vas-y, je casse tout, c'est bon. Tac. Et ça sert à quoi le bouton rouge? Bon, je crois que la voiture a eu son compte, là, on peut s'arrêter, non? Ah non, il faut la terminer comme ça, voilà. C'est bon. Allez, on a la possibilité d'acheter enfin un seul, parce que pour l'instant, on était sur l'herbe dans la maison, c'est pas normal, on va pouvoir avoir une voiture. Tellement classe. Allez, on y retourne et maintenant on arrête quelqu'un qui a une voiture. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce permis de conduire là? Bon, en tout cas, la voiture elle est complètement pétée effectivement. Hein. WJ. Oula, c'est pas du tout ce que j'ai là. C'est pas bon ça. Et la photo, attendez, laisse-moi vérifier. Ah ouais, la photo c'est bon par contre. Et dans le coffre, y'a quoi? Rien du tout. Bon, je sais que c'est votre gamin qui a fait ça, mais je vous mets quand même en prison, madame. Allez hop, c'est parti. Alors, un taxi. Bonjour. What? Écoutez, appelez les pompiers, hein. Moi j'ai pas que ça à faire. Hein. Bon, ok, allez hop, c'est parti. Je vais essayer, mais bon. Tac, ok, ça va. Et c'est bon, c'est fait. Voilà. C'était pas compliqué. Bon, au moins j'ai gagné de l'argent. Est-ce que j'ai la possibilité de débloquer un petit sofa ou un truc comme ça? Ah non, c'est 600, c'est cher. Allez, jour suivant, et maintenant nous avons affaire à... Ok, bonjour, madame. Gentle, vous vous appelez Gentle. La photo est bonne, y a pas de problème. ZI 149, parfait. Et dans le coffre, y a absolument rien. Mais tout va bien, mais pourquoi me faire perdre du temps alors?
va-t'en de là. C'est grave ça, j'ai pas que ça à faire. Oula, on a quelqu'un d'autre par contre. Oula, une distribueuse pirate. Ah oui, salut de Kylian. La photo est bonne apparemment. CD699, ça va. On Wow. Il faut déminer ça. Le jaune, le vert, le bleu. C'est bon, parfait. Ok, allez, on referme. Et monsieur, je vous relâche, y'a pas de problème. Allez-y. Et tant qu'il n'y a pas de dégâts, on va pas le mettre en prison. Bon, c'est bon, j'ai assez de sous pour acheter ce petit canapé là que je me repose un peu. Parfait. Jour numéro 10 et nous avons une Batmobile. Ah, est-ce que le... C'est Bruce Wayne. Ah, ok, la photo est bonne. Ah non, apparemment pas. Ouais, mais c'est parce qu'il a le masque, s'ils sont bêtes. EO 281, c'est bon. Bon, par contre, ce qu'on risque de découvrir dans le coffre... Ah, y'a pas de coffre. Bon, on va le fouiller quand même, on va le fouiller, on va voir ce qu'il a lui. Alors, il a... Oh, y a un petit shuriken, une grenade. Ok, il a 4 trucs à trouver, hein. Ah oui, il est plutôt bien équipé, Batman, hein. Et de l'argent. Bah écoutez, je vais garder l'argent et je vais vous libérer, hein. Vous êtes là, bien évidemment, pour faire le bien dans la ville. Allez, hop, ça part. Oh, les amis, je vais avoir une gradation. Hop là, yes. Allez, jour numéro 11, maintenant, et je crois que j'ai un taser au cas où qu'on ait un problème. On a un taser maintenant, on est habilité à l'utiliser. La plaque est bonne, tac, on valide. La photo, elle avait l'air bonne. Par contre, le camion, à mon avis, un peu moins. What? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allez, c'est parti. Le taser, un coup de taser, c'est parti. Boum, on l'a eu. C'est dingue le nombre de surprises qu'il y a dans ce jeu. Mini-jeu maintenant. Ah, ok. Apparemment, c'était un meurtrier. Nous avons des preuves pour prouver cela, monsieur. Je vous offre 50$ pour ne pas... J'avoue, plus 50$, t'es un malade. Voilà, triple plaquage. Bon, il me reste plus que 25$ à obtenir pour avoir ma sacrée télé avec les haut-parleurs, etc. Donc c'est parti. On va aller travailler et après, voilà, après je vais me reposer un peu parce que là, ça fait beaucoup, là. Alors, Nidia, tu veux pas aller en prison, toi, vite fait, histoire que je gagne plus d'argent, là? Ah, attendez, peut-être qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Non, y a rien, quel dommage. Bon, je vous relâche, ça va. Mais par contre, y a quelqu'un derrière qui va peut-être être différent. Waouh, vous avez une sacrée voiture, monsieur, je vous ai déjà vu, vous. Mais lui, il a plein de voitures, en fait, il doit toutes les voler, hein. Hop là, non, c'est bon, ça va. Kylian, il est sympa. Kylian, what? Vite, il faut le libérer. Tac, pendant que l'autre, il est tranquillement à son volant, il pourrait partir, mais non, il reste. Et l'autre, il s'en va, et maintenant, on l'arrête. Bon, bah, c'est parfait, j'ai assez d'argent pour m'acheter cette satanée télé. Donnez-la moi. Hop là, let's go. Allez, jour suivant maintenant. Oh non, le retour de la voiture cassée. Mais c'est un truc de fou, merci pour la dernière fois. Ah, bah merci à toi, hein. Écoute, c'est bon, tu peux partir. Vas-y, attends. Ah ouais, mais ça va pas en fait. Elle fait n'importe quoi, elle. On va fouiller le coffre cette fois-ci, y'a rien. Mais... Allez, ça part en prison maintenant. Il faut arrêter avec ces gens-là, on peut pas toujours les relâcher. Après, je crois que je l'avais mis en prison elle tout à l'heure. Hein. Bon, en tout cas, il est enfin temps d'acheter un lit après 12 jours sans dormir. Et on retourne au travail et on va arrêter cette petite Mustang. Alors, bonjour monsieur. Ah, ne touchez pas ma voiture. Je vous ai prévenu. Ah, mais moi, on parle pas comme ça, mon pote. Hein. Sinon, je sors la moustache et ça va m'en rigoler, hein. Et la plaque, elle est pas bonne. Je peux lui mettre un coup de couteau, quoi. Attendez, on va tester cut. Qu'est-ce que c'est que ça délire pour lui? What? Ah non, on va vérifier les sièges s'il a cassé quelque chose. Ok, y a rien. Et au niveau de l'assise, ah, pas mal d'argent, ça. Merci, monsieur. Bon, en vrai, y avait pas assez d'argent pour que je vous arrête, donc allez, je vous libère, monsieur. C'était normal ce que je viens de voir là. Attendez. Donc, ça c'est bon. La plaque est bonne, mais y a vraiment des filles qui sont en train de danser derrière là. C'est quoi ce délire? Hop, vous descendez de là. What? C'est quoi ça? Oh, il faut trouver le code. Ah, ben je l'ai là, apparemment. 942, d'accord. Pourquoi ils m'ont donné le code directement? Wow, ok. Ah, ouais. Oh, ça va en prison, ça. C'est pas normal. Bon, les amis, je crois qu'on est d'accord pour dire que dans la vie, personne n'aime se faire pranker. En tout cas, les gens qui ont créé ce jeu-là ont l'air d'être du même avis. On est sur le jeu Évite le prank et aujourd'hui, nous incarnons cette fille-là qui va devoir tout faire en sorte pour éviter les pranks de ce petit chenapan. Et vous avez vu, j'ai mis le même pull qu'elle. En espérant que ça me porte chance. Bon, très bien. Apparemment, on doit rentrer à la maison et ce petit garçon veut nous en empêcher. Alors, reste là-dedans. Bon, j'ai vu le tuto. Il semblerait qu'il faille que je prenne ce petit objet, que je le mette dessus et c'est bon. Il est enfermé. Et je suppose que plus personne ne pourra nous empêcher de rentrer à la maison. Les amis, je crois bien que le niveau 1 est réussi. Oh, la ficelle est tombée par contre. What? Non, me dites pas qu'il va faire le prank sur le parc de sport. Wow. Lui, il est mort. Ben là, comme ça au moins, on l'a bien eu. Attendez, pourquoi le casier nous suit là? Je vous l'ai dit, j'ai vraiment le même pull qu'elle, c'est trop stylé. Alors, niveau 2 maintenant, il faut qu'on fasse des fleurs apparemment. Ah oui, d'accord. Oh, on est plus à l'école les amis, on est à l'extérieur. Donc, on va prendre le petit tuyau je suppose, le petit seau d'eau aussi. On va mettre ça au niveau du robinet comme ça, et je pense que ça suffit. Hein. Oh, non, il va nous faire un prank. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Wow, il a coupé l'eau. Attendez, wow, ça va exploser, qu'est-ce qu'il fait? Lâche ça. Non, regarde pas. Oh les amis, je crois qu'il nous a bien eu.
Game over. Ok, bien joué, petit chenapan. On va se rattraper. Donc là, il faut utiliser le seau d'eau. Donc, eh ben en fait, les amis, il faut pas utiliser le tuyau, tout simplement. Donc, on prend juste le seau d'eau, on le remplit d'eau, et on, voilà, on n'a pas besoin, on allume. Ok, à moins qu'ils viennent et qu'ils nous le prennent. Non, c'est bon. Donc voilà. On s'embête un petit peu, mais au moins, on se croit pas pranké, je crois. Si c'est bon. Oui, c'est bon, ça a fonctionné. Let's go. Plus, c'est des très jolies fleurs. Niveau 2, réussi, passons au suivant. En tout cas, réussi en deux temps parce qu'on s'est bien fait piéger. Alors, let's fish. Ah, on va manger du poisson. Ah non, on va pêcher tout simplement. Alors, attendez, il y a un petit verre de terre ici. On va essayer de ne pas se faire piéger cette fois-ci. Donc, on a cette personne-là. Est-ce que je peux lui cliquer dessus? Non, je peux pas. Est-ce que je peux lui enlever son tabouret? On va éviter. Bon, on va prendre le petit verre de terre. Nous allons évidemment mettre au bout de la canne à pêche. Tiens, prends-le. Ah, what? Où est-ce que je l'ai mis? Oh, je l'ai mis là. C'est bon? Ça a fonctionné? Oui, c'est bon. Je pêche tranquillement. Je crois qu'on va pas se faire piéger. Je sais. Non, me dis pas qu'on va. On a pêché. Je croyais que j'allais pêcher le petit garçon, mais en fait, j'ai pêché une botte. Alors, attendez. Ah, il y a la suite. Oh, ah, ah. Alors là, ça sent le piège, les amis. Si je prends le ver de terre, je sens qu'il va y avoir un problème. Alors, peut-être qu'il faut que je prenne sa chevelure. Ah, non, pas du tout. Peut-être son tabouret. Non. Ah, peut-être faut le donner à lui. Je sens le piège. Si je le mets sur moi, je vais me faire piéger. Donc, je vais le donner à lui. Ah, ça marche pas. Ah, je suis obligé de le mettre sur moi. Bon, ok. On le met sur moi. Et voilà, il arrive, lui. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Non! C'est un malade! Oh. Ah, les amis, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Surtout qu'il avait une perruque. Le gars avait une perruque pour mettre cette coiffure ridicule, quand même. C'est quitte à mettre une perruque, mais un truc stylé, franchement. Bon, en tout cas, on a perdu. Donc, on reprend ce verre de terre. On le met sur moi. Première étape réussie. Par contre, la deuxième, je sais pas du tout ce qu'il va falloir faire. On réfléchit, on réfléchit. J'ai mis le verre de terre sur ma canne à pêche. Il est venu m'embêter. Si cette fois-ci, je mets le ver de terre, où est-ce que je pourrais le mettre? Moi, je suis sûr qu'il faut le donner à lui, hein. Ou alors, faudrait qu'en fait, le petit garçon, il vienne en pensant vouloir m'embêter, il va embêter lui, là. Et il va se faire allumer. Peut-être que si je lui mets, il va avoir peur, non? Ah, je peux revenir en arrière, je peux revenir ici. Et là, par contre, il peut pas le mettre sur ses cheveux. Attendez, je vais repêcher ici. Peut-être que ça sera bon, on va voir. C'est reparti. Oui, c'est bon. En fait, de ce côté-là, il vient pas nous embêter. Je sais pas pourquoi. Alors du coup, je sais pas ce qu'on va pêcher cette fois-ci. La deuxième botte, peut-être. Comme ça, on pourra faire une paire. Oh, let's go, c'est réussi. C'était tout ce qu'il fallait faire pour ce niveau 3. Plutôt simple, en vérité. Mais fallait penser à revenir sur la scène précédente, quand même. Allez hop, niveau suivant. Niveau 4, mangez tout. Mangez tout quoi? Ah, ok. Ah, la pièce me paraît un peu vite quand même. Il n'y a pas grand monde ici, il n'y a pas grand chose non plus. Allez, on mange, tranquillement, pas trop par contre. Ok. Ah, il faut pas tout manger, à mon avis, il faut pas appuyer trop. Oh, est-ce qu'il faudrait pas maintenant donner au chien? Alors attendez, je peux prendre le chien ou pas? Oui, c'est bon, j'ai pu jouer avec le chien. Je pense que j'allais me faire piéger si je... Oh, oh. C'était un leurre! C'était un leurre! Il a mis du piment. Mais là, c'est bon, je le sais, je le mange juste pas en fait. Je le mange pas. Mais le mange pas! Je le sais très bien qu'il vient de faire ça. C'est pas possible, on contrôle pas le personnage jusqu'au bout. Oh là là. Bon, même s'il y a le chien, il faut surtout pas se laisser déconcentrer. On s'en fiche des chiens. Je n'aime plus les chiens, c'est bon. Non, je te caresserai pas. Hop, je continue à manger. Je continue à manger. Je mange tout. C'est bon. C'est bon. J'ai gagné ou pas? Je me suis quand même bien fait avoir. Il fallait juste tout manger simplement en fait. À le niveau suivant maintenant et je ne tomberai dans plus aucun piège. Alors, on dirait qu'on est au bowling. Oh, on est au bowling. Attendez, la piste de bowling est gigantesque. Par contre, les quilles sont juste, elles sont pas grandies, elles. Alors, attendez, je prends... Je peux pas prendre les quilles directement, non. Je prends... Ah, je peux changer de piste. What? Il y a un petit garçon, là. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je vais prendre la petite boule de bowling. Et je peux pas tirer ici, là. Yep là. Oh, je peux lui donner? Non, je peux te la prendre. Oh, ah, je lui ai dit de changer. Oh, trop bien. Vas-y, tire. Tire maintenant. Il veut pas? Ok, moi, je vais aller tirer de l'autre côté. Par contre, la piste, elle est bizarre. Hein. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Non. Ah, peut-être qu'il va me protéger. Tiens, vas-y, tire là. Mais what? Tiens, prends celle-là. Voilà, c'est bon. C'est lui qui va se faire piéger, en fait. Il va se faire prank. Ou pas. Oh, oh. What? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est... Mais j'ai perdu. D'accord. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends la boule. Lui, va là-bas. Va de suite là-bas. Ah, il y a un truc. C'est quoi ça? Attends, il y a un truc là, il y a un type. Ah, oh, c'est le prof de sport! Va là, allez là-bas, prof de sport! Oui, c'est bon! Tirez, monsieur le professeur! Oh là là! Oh, il est toujours là pour nous sauver, lui! Oh, oh, oh. En plus, il fait un strike! Il a complètement allumé! Niveau réussi! Alors, stage numéro 6, get yelled. C'est quoi yelled? Ok, apparemment, on est en train de se faire fâcher parce qu'on dormait en classe. Très bien. Bon, il y a quoi derrière cette porte? Hein? Mais la classe? Ah, bah, il y a lui. Oh, il va se faire allumer! Attendez! Eh madame, regardez ce qu'il fait derrière là! Regardez ce qu'il fait! Ah! Oula!
Oula. Ah non. J'ai rigolé du coup, elle m'en veut. Mais je rigolais pas pour vous, madame. Bon, on va falloir trouver une autre solution. Si j'ouvre de l'autre côté. Ah ah. Non, je me suis refait avoir. Non, 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 non. On va ouvrir le casier plutôt. Ouvrons le casier. Non. Toi, donne-moi le. Oh, une clé. Ok. Est-ce que ça va permettre d'ouvrir ce casier? Je suppose que oui. Oui. Oh, les lunettes. C'est ses lunettes à elle. What? Attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, j'ai changé de côté maintenant. Ah, et maintenant, il peut venir, il va penser me pranker. Sauf qu'il va la pranker, elle. Il va se faire défoncer. En plus, elle a pas l'air commode, cette maîtresse. Hein. Allez hop, c'est bon, cours, mon pote. Cours. Cours, mon pote, t'es bien marrant, mais dépêche-toi. C'est bon, yes. Niveau 7, shop de wood. Shop de wood. Ah, il faut que j'en trouve 5. Ok, 1. 2. Ok, 3. Je sens que je vais me faire piéger, c'est sûr. 4. Derrière le buisson, il est. C'est sûr qu'il est derrière le buisson. Est-ce que je peux pas directement taper sur cet arbre? Non. Ah, si. Ah, oui, c'est bon. J'ai les 5. Je ne cliquerai pas sur ce bûchon. Oui, ce bûchon. Alors, bah, du coup, je dois en faire quoi? Ah, je dois les mettre dessus? Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est bon. Je pense qu'on est bien là, en vérité. Je me suis pas fait piéger. Oh, non, il y avait un iPhone! What? Mais non. Ah, il faut pas prendre celui du vieux. Mais c'était lui! Il avait mis mon téléphone dans la bûche. Oh là là. Bon, on ne prend surtout pas la bûche du vieux. Est-ce que derrière les buissons, il y a quelque chose? Du coup, je pense que je peux appuyer sur les buissons. Hop là, tac. Donc, on va faire ça. Du coup, ça fait 5 piles. Hein. Parfait. Voilà. Et sur le buisson, il n'y avait rien. Bon, très bien. Bah, c'est bon. On a réussi le niveau normalement là. Hop, il n'y a plus qu'à casser ça. Comme les Kinder Surprise, tu sais pas trop ce qu'il y a. Depuis qu'il y a eu le téléphone, j'ai peur qu'il y ait un truc qui sorte. Mais non, c'est bon, je crois. Et la dernière bûche! Bam! Ha! C'est en coupant du bois qu'on devient bûcheron. Alors, c'est bon, j'ai réussi ou pas? Oui, let's go! Il va venir ou pas, machin? Oui, non, c'est bon, on a réussi. Niveau 8, réponse correcte. Ah, 1 plus 1 égale 2. Ouais, je pense que c'est bon, on est d'accord. Parfait. Il fait quoi, lui? Il fait quoi, lui? 4! 4 plus 1! Oh non! Mais vas-y, c'est bon, mais du coup, je dois mettre 5, en fait. Mais je dois mettre 5, mais il va mettre autre chose, du coup. Mais what? Alors, attendez. Je mets 5 directement. Mais lui, il va pas être aussi débile pour changer le 1. Si, il va le changer quand même. Mais non, oh, mais je me fais fâcher, mais what? Ah, j'imagine qu'il faut plutôt enlever la craie, tout simplement. Voilà, on cache la craie, et maintenant, mes deux, on va pas se tromper. Et normalement, c'est bon avec son vrai extensible. Quoi? Il fait quoi? Ah, raté, il y a plus rien. T'as le seum, mon pote, t'as le seum. Yes! Niveau réussi, je crois. Alors, attendez, oui, c'est bon. Bien dormir. Ah, comment ça... Oh. Ma chambre est grande, j'ai pas grand-chose, il y a juste un lit. Et... Ah, on va faire un rêve. Oh, 3 moutons. Un mouton. 2 moutons. Ah, attendez, j'enlève ça. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ah, regardez, il y a ses cheveux, machin. Ne me dites pas qu'il va intervenir. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, attendez, je peux peut-être lui mettre sur sa tête. Ah, ah, non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? What? Il fait un trou. C'est pour les moutons? Je peux... Ah, mais attendez, je peux mettre ça dessus. Je pourrais mettre ça dessus, je pense. Hop là. Oui, c'est bon, on a sauvé les moutons, mes amis. Ah, attendez, ils arrivent, les moutons, ou pas? Oui, attention, attention. Mais oui, c'était sur celle... What? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, c'est bon, ils sont morts. Mais j'ai gagné ou pas? J'ai quand même gagné? Ah non, du coup, elle a mal dormi. Alors là, du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que je ramasse le... La box? Non, je pense pas, hein. Ah, ou alors, attendez. Non, je sais pas, la lune. Ah, oh, mais oui, la lune. Qu'est-ce que je dois en faire? Ah, c'est pour reboucher le trou. Ok, bah vas-y, fais ton trou. C'est bon, j'ai trouvé. Normalement, c'est ça. Oh, mais oui, heureusement que j'ai vu la lune. Attendez, vas-y. Vas-y, vas-y. Bouge. Voilà. Là, c'est réparé. Est-ce qu'il faut mettre quand même ça dessus? Je sais pas. On va le mettre, hein, pour leur dire, écoutez, il y a un problème, là, faites attention. Oui, c'est bon. Normalement, on a gagné. Alors, cette fois-ci, t'as plutôt bien dormi? Est-ce que t'as compté tes moutons? Et... Oui. Dès le chat. Ah, je suppose qu'il y a un petit chat qui est... Ouais, bloqué dans l'arbre. Bon, très bien. Alors, on va sauter. On va sauter. Il va nous enlever le trampoline à un moment, c'est sûr. C'est sûr à 100%. On saute. On saute un peu plus haut. On saute toujours plus haut. Est-ce que je peux l'attraper directement? Non. Les amis, je sens qu'il est là. Maintenant, ça, il va venir. Il va arriver, machin. Ah, il faut que je saute plus rapidement. Sinon, elle a plus de hauteur. Alors, hop. Hop. Voilà. Voilà, non, il arrive. Non, vite, 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 vite. Arrête, 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 arrête. Non, qu'est-ce qu'il fait? What? Il va nous envoyer dans l'espace. Oh, j'ai cliqué sur les buissons et du coup, j'ai eu une pelle. Alors du coup, est-ce que... Ah non, attends, prends la pelle, 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 je te dis. Non, il veut pas. Bon, on fait comment? Ah, mais attendez, il faut que je fasse autre chose. Est-ce que je peux creuser là? Ah, il va tomber du coup. Il va tomber.
C'est bon, on va le piéger. C'est à nous de le pranker cette fois-ci. Allez, maintenant je peux sauter tranquillement. Normalement, il devrait tomber quand il va arriver. Allez, chope le chat, toi, par contre. Essaye d'y arriver. Et attention, lui. Yep là, c'est réglé. Bon, par contre, le chat, c'est pas sûr que je l'ai encore. Hein. Allez, mais attrape-le, c'est grave ça. Oh, il est en train de revenir. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Mais what? Il faut que je fasse autre chose en fait. Mais non. Mais non. Ah, ah. En fait, au lieu de creuser dans ce trou-là, je devrais essayer de creuser au fond là-bas. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Vas-y, je commence à sauter. Et c'est quoi? Ah, c'est un parapluie. Mais oui, ça va amortir la chute. Ou alors sinon, plutôt, ça va l'aider à le rattraper. Voilà. C'est parti. Mais dépêche-toi. Tends-lui le parapluie. Tends-lui le parapluie. C'est ça qu'elle voulait ou pas? Ah non. En fait, il va venir, il va nous propulser, mais nous, avec le parapluie, ça va faire office de parachute et normalement, on va tenir. Je l'espère. C'est ça, hein. J'espère, vas-y, tu peux me propulser, t'inquiète pas. J'ai un parapluie. Attention, je vais retomber tranquillement cette fois-ci. Yes, attrape le chat par contre, attrape le chat. Ah d'accord, il est monté directement dessus, let's go. Ah, j'aimerais quand même réussir les niveaux sans qu'il arrive à nous planquer, ne serait-ce qu'une fois. Let's go, homme 2. Ah, on doit retourner à la maison. Ah, très bien. Ok, alors je suppose qu'il est là. Non, il est pas là. Bon, on a une bouée. On a un uniforme. Je suppose que si j'ouvre, il arrive. Non, pour l'instant, je vais rien mettre. Oh non, il est là. Je peux pas mettre ça autour de lui, non. Est-ce que je peux ouvrir ici? Je peux fermer? Oui, je peux fermer, mais ça sert à rien. Ok. Ouh! Tenez, me dites pas qu'on va le frapper. Alors, du coup, je vais mettre ça sur moi. Oh, je me fais passer pour la maîtresse. Ah, ah, je crois que c'était une mauvaise idée. C'est perdu. Donc, en fait, il faudrait que ce soit lui qui se fasse passer pour la maîtresse. Comme ça, c'est lui qui se fait piéger. Donc, viens là, toi. Prends ça. Prends ça, si tu veux. Prends. Non, il veut pas. Ok, je vais quand même prendre la batte. Ok, oui, il faille que je me défende. Tiens, prends la batte. Non? Qu'est-ce que... Oh, oh, j'ai bloqué la porte. Et du coup, je peux changer d'uniforme. Et alors, la bouée, par contre, je vais la mettre, mais... Ah, bah d'accord, c'était pour faire ça. Oh, c'est bon, je crois que je peux marcher, hein, j'espère. On va voir si c'est ça. Attention. Oh, calme. Il a cru que c'était la maîtresse. C'est bon, je peux rentrer incognito. Dress up. Ah, il faut que... Ah, il faut que je me fasse beau. Ah, oh, bah lui, il est juste à côté de moi. Alors, oula, il y a beaucoup de choses, là. Il y a des ciseaux. Il y a un fil, une ficelle au sol. Là, il y a ça, là, il y a ça. Je peux débrancher ça ou pas? Non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va essayer de tout faire avant de commencer. Ok, je crois qu'on peut y aller là maintenant. Ah non, attendez, je vais me couper moi-même les cheveux. Oh, on va lui couper les cheveux à lui. Non. Est-ce que je peux le... Oui, c'est bon, je l'ai saturé. C'est bon, monsieur le coiffeur, vous pouvez vous occuper de moi. Je crois que lui, il est en fait, il ne peut pas sortir là. C'est bon, ça marche pas. 10 minutes plus tard. Ne dites pas qu'il a réussi. Hein. Oh non, je me suis endormi. Quoi? C'est tellement long. Lui, il a le seum, il va réussir à sortir. Est-ce que je peux me servir des ciseaux? Non, il va prendre mes sèche-cheveux. What? Il fait quoi avec ça? C'est censé me faire mal, ça? Ah, ils sont... D'accord. Non! Non, on va se faire manquer, regardez ce qu'on a dit! Je crois que le coiffeur n'a pas très bien compris ce qu'on voulait. Ok, donc j'ai compris. Il faut qu'on prenne, en fait, la ficelle, le ciseau, et le ciseau, faut qu'il coupe le... Voilà, le truc, c'est bon. Bon, par contre, je suis désolé, monsieur le coiffeur, mais voilà, vous avez plus de sèche-cheveux, hein, s'il vous en reste un à gauche, mais l'autre, il est mort. Alors du coup, il a le seum, il va s'en sortir, il va essayer de choper le sèche-cheveux, mais ça va pas fonctionner, donc normalement, c'est bon, on est bien. Et on va devenir brune! On va devenir brune, normalement! Yep là, ça marche pas. Et nouvelle coupe en vue, attention! Waouh! Pas mal du tout. Ok, on doit faire un 100 mètres, sauf que machin va nous en empêcher. Alors, attendez, il y a un truc à ramasser ici. Du scotch, sûrement pour le trou. Il faut... Ah, non, attendez. Des ciseaux. Est-ce que je dois reboucher le trou? Qu'est-ce que je dois faire? De la colle? What? 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 Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Jump, jump, jump. J'avais pas vu que j'avais pu le jump. Du coup, on a un marteau ici. Je sais pas à quoi ça va servir. Pareil, est-ce que je peux mettre ça là? Non. Toujours pas. Toujours pas. Ok, on jump. Ok, ça passe. Mais je peux toujours pas utiliser mes trucs, hein. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Les amis, il faut que je me dépêche. Ah, il est là, il est là. Faut le taper. Faut le taper, coupez-le. Non, il m'enlève la barre jump. Il m'enlève la barre jump. Ok, il faut que je trouve un truc. Il faut que je trouve un truc. Non, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je suis mort. Ah, c'est bon, les amis, je crois avoir compris ce qu'il fallait faire. En gros, il faut récolter tout ça et commencer à scotcher. Ah, mais je peux plus l'utiliser là. Si, c'est bon. Il faut commencer à scotcher le bouton. Mais pour cela, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut rajouter de la colle? Je sais pas. On va tout prendre. On va rajouter de la colle? Non, on peut pas. Est-ce que je peux taper dessus? Non. Est-ce que je peux mettre des coups de ciseaux? Non. Bon. Bah écoutez, je pense que ça suffira. J'espère. Donc là, normalement, il devrait arriver. Est-ce qu'il va réussir à l'enlever? Là, il n'y arrivera pas. What? Oh non, c'est pas possible. Bon bah du coup, je pense qu'il faut pas utiliser le scotch, il n'est pas assez puissant. On va prendre la glue, on va mettre la glue, voilà. Est-ce qu'il faut mettre un coup de marteau dessus? Je sais pas. Je pense que c'est bon, hein. Est-ce qu'il faut découper? Est-ce qu'on rajoute ça en plus? Non, bah, c'est bon. Je pense que là, il n'arrivera pas à l'enlever. Alors, quel t'en penses là? Essaye, t'y arrives pas. Attends là, je peux le taper ou pas? Non, je peux pas le taper. Et c'est bon, les amis. On a plus qu'à sauter, par contre, on a fait un 100 mètres.
En 40 secondes, le truc, waouh. On a une tortue, quoi. Est-ce qu'il faut sauter par-dessus ou elle va réussir à péter le fil, là? Hop là, oui, c'est bon. Ok, il faut qu'on réussisse à avoir la girafe. Je suppose c'est la seule qui est vraiment différente. On va mettre la petite pièce. Voilà. Allez, vas-y, on joue. Ok. Ok. Pas mal. C'est bon. Il est mais il est derrière, lui. Il est derrière. Non, il est même pas derrière. Il est où, alors? Ok. Mais si, c'était sûr qu'il était là, ce gros noob, là. Donc, il faut réussir soit... Oh, j'ai fait bouger la machine. Oh, trop bien. Attendez, je la fais gaver bouger. Hop là. Bon, elle va tilter un moment. Ouais, je pense que c'est bon, en vrai. On va réessayer. Hop, voilà. Ouais, il faudrait bouger pendant que je joue. Vas-y, joue. Ah non, je l'ai pas mise. Hop là, joue. Est-ce que je peux tilter? Non, je peux pas tilter. Est-ce que c'est bon? On va choper le gars. On va choper le gars, en fait. Ah non. Oh non, il va nous revoir, en fait, c'est sûr. Ah. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? On va réessayer, mais sauf que cette fois-ci, je vais appuyer qu'une fois sur la machine, comme ça, elle bouge pas trop. Et peut-être que ça sera bon, cette fois-ci. Alors là, on va avoir le lion, là, du coup. On va avoir le lion, qu'est-ce que ça change? Est-ce que le lion va se réveiller et va manger le petit garçon? Ah, il est cassé, mais oui! Et du coup, il va tirer dessus, ça va s'étendre, et ça va lui revenir dans la tête, ou pas? Si, ça va lui revenir dans la tête! Ah! Yes, ça c'est un véritable prank et en plus on le gagne, ça c'est parfait. Let's go! Niveau 14 réussi. Alors on est de retour à l'école, il y a un truc sur le casier là, je sais pas ce que c'est. Il semblerait qu'il y ait une petite poubelle là. Et lui il est où? Ah il est là, il est en train de... Ah mais il a pas prévu de nous pranker là, si peut-être. Il faut lui faire tomber le truc qui est sur le casier, qui est sur la tête. Ah il faut que je me cache. Oh elle est amoureuse en fait. Attendez, what? Il fait quoi? Ah cache-toi dans la poubelle, vas-y. Waouh, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oh. En fait, ça pue plus que quand j'y étais pas. Ça veut dire que c'est moi qui pue. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? Qu'est-ce qu'il fait, mon pote? Ça bouge dans la poubelle. Oh, la débile, quoi. Bon, c'est perdu, évidemment. Bon, bah, du coup, c'est simple. On va se casser dans le casier. Et du coup, 30 kilos. Ah non, c'est tombé. Il aurait pas fallu que ça tombe. Mais du coup, je peux plus l'ouvrir, maintenant. Je peux plus sortir. Mais what? En fait, il faut réussir à pas le faire tomber. Ah, oh. Faudrait lui faire tomber le sac sur sa tête, mais bon. Ah, ou alors il faut réussir à prendre le sac. Il faut prendre le sac et le mettre sur la poubelle pour nous fermer, je sais pas trop. Hein. Attendez. Ah, il y a un truc qui est derrière là, il y a une souris. What? Il y a une souris. Est-ce qu'il faut lui faire tomber? Il faut le faire tomber dessus ou pas? Mais fais-le tomber. Il ne verra pas. Ah, on l'a bien proc. Ah, mais elle est amoureuse ou quoi? Ah non, c'est bon. Ah, je crois qu'on est de retour au bowling. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a à droite? Ah, ok. Hop là, j'en prends combien? Oh! Je peux prendre un briquet aussi? Ouais, ok, vas-y. Ok, je prends tout. Très bien. Bon, du coup, premier essai, c'est parti. Non, tu vas tomber. Ah, oh, il y avait lui. Regardez, elle a un lacet de défait, en fait. Donc, c'est pas grave, prends la boule, j'en ai d'autres. Oui, elle a un lacet de défait, donc peut-être qu'il faut que je mette le feu dessus. Alors, on va faire ça, mais je suis pas sûr que ça m'aide. Hein. Non, attendez, hop, voilà, fais brûler ça. Ah, il fallait que je le ramasse, ok. Est-ce qu'on va devoir faire un truc avec le briquet et la ficelle? Non. Est-ce que la ficelle, je peux la mettre sur moi? Non. Ah, je l'ai remise à mes yep. Ah, je sais ce qu'il faut qu'on fasse, les amis. Il faut, en fait, qu'on fasse une bombe. C'est sûr, ça ressemble à une bombe. Alors, pour cela, est-ce qu'il faudrait que j'en ai d'autres? Est-ce qu'il faudrait que je le fasse sur la table? Non. Ah, c'est sûr, à 100%, il faut que je fasse une bombe, mais je sais pas comment le faire. Non, je peux pas le faire. Après, est-ce qu'il y aurait pas une boule qui est différente des autres? Ah, la bombe, elle est là. Ah, mais trop bien. Mais par contre, du coup, je peux pas la prendre. J'ai trop d'items. Comment je pourrais faire? Comment je peux les jeter? Je peux pas les jeter quelque part? Ah mais je peux les reposer. Oui, ok, c'est bon. Hop là. Donc là du coup on peut prendre le briquet, on peut remettre ça là. Et est-ce qu'on a besoin de la ficelle ou pas? Est-ce qu'il faut mettre la ficelle sur la bombe? Hop là, j'essaye. Non, apparemment pas. Et le briquet? Non. Ah, il faut l'allumer à mon avis. Donc il faut la remettre là. Hop, remonte. Ah non, elle veut pas remonter elle par contre. Bon bah écoutez, on va mettre ça là, le briquet. Ah c'est bon, j'ai eu le temps d'allumer. C'est parti. Ah, j'allume pas cette ficelle. Du coup, faut pas mal se dépêcher, hein. On prend la ficelle en premier. On met ça, on peut pas, ok. On met ça, ensuite on met la ficelle, ensuite on met ça, et c'est bon, j'ai eu le temps. Oh là là, là c'est bon, je pense qu'il y aura le temps. Oh, c'est plus un prank là. Oh là là, c'est un attentat. Boum. Donner du chocolat. Ah, on va faire un cadeau. Oh ben voilà. Ah, c'est lui le petit garçon que l'on aime. Eh coucou, j'ai un petit cadeau pour toi. Je suis sûr que je vais me faire piéger là. Il va arriver machin, c'est sûr. Ok. Oh non, mais qu'est-ce qu'il mime? Il a toujours des plans hyper ingénieux. Oh. Il va nous piquer le chocolat. Il va nous mettre quelque chose dans la place et on va le donner parce qu'on est tellement débile. Ah, attendez, est-ce que c'est ça qui va se passer? Oui, c'était sûr. Et voilà, cadeau empoisonné. Bon, je sais pas comment je vais faire là, hein, par contre. Hein. Ah ah, on va avoir un problème. Attention, n'ouvre pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça va péter. Ah. Bon, on va ouvrir la fenêtre. Très bien. À quoi ça a servi? Je ne sais pas.
On va la refermer. On va aller à droite, on va voir. Est-ce que tu peux venir, toi? Non, il a pas l'air de vouloir se ramener. Et là, oh! Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que il faut que je la mette là? Ah, ça va l'effrayer, du coup, il va venir avec nous. C'est bon ou pas? Ah, il s'est décalé un petit peu, ok. Donc du coup, il arrivera pas à nous avoir, machin. Je pense que c'est bon, hein. On peut y aller, hein. Parce que là, du coup, normalement, sa trappe, elle est vraiment pas du tout au-dessus de nous. J'espère, hein. À moins que le gars, il arrive à, je sais pas, lancer comme un cow-boy. Normalement, c'est bon. Ouais, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Ah non, ça va être compliqué là, mon pote. Dommage. Yes. Bon, bah, j'espère au moins que ce petit garçon va nous aimer, hein. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, hein. Tiens, mon pote. Là, il est bon, le chocolat ou pas? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on peut sortir ensemble? Oui. Très bien. Trouvez la différence. Ah, oh, trop stylé. Ok. Ya. Yeah. On a trois différences ou pas? Qu'est-ce qui est différent là, à part les cœurs? Ouais. Non, ça, c'est mes trois vies, je crois. Alors, ben, lui, il est différent. Donc, boum. Ok, la balle du coup, elle y est pas. Ah, j'ai eu la balle. Ok, donc toi. Ah, mais j'ai perdu une vie du coup. Ok, le toit il est bien. Ah, mais il se remet comme ça. Du coup, j'ai perdu deux vies encore. Mais je vais recliquer sur lui, voir ce que ça fait. On peut lui lancer la balle dans la tête ou pas? Non, ok. J'ai perdu du coup? Je sais pas. Ah oui, j'ai perdu. Peut-être que la balle, il faut la lancer en bas hein, cette fois-ci. Donc je vais la lancer en bas. Tiens. Tiens. Voilà, du coup, elle est là. Et là, boum. Là, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir, du coup. Ah, c'était tout ce qu'il fallait faire. Ah non, là, du coup, je peux le mettre comme ça. Vas-y, maintenant, t'es une différence. Mais non, mais what? Bon, est-ce qu'il y a un truc sur la maison, là? Non. Bon, j'ai perdu encore. Bon, du coup, cette fois-ci, vu que... Ah mince, pourquoi ça marche plus? Ah, c'est bon. Cette fois-ci, on va essayer de cliquer sur celui d'en haut. Peut-être que c'est lui qui doit se mettre en mode à la plage, là, comme ça. Voilà. Parfait, maintenant il faut lui faire une bosse. Ok, une différence. Ah mais c'est tout, en fait, il fallait trouver qu'une seule différence. Alors ici, il faut faire quoi? Très bien, je ramasse ça. Est-ce qu'il faut le mettre dans le café? Je ne sais pas, il y a quoi ici? Il n'y a rien. Ah non, il est là, lui! Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ah! Mais what? Qu'est-ce qu'il est en train de jouer? À quoi il est en train de jouer, là, machin? Attends, je vais lui mettre un bout de café sur la tête. Ah, c'est qu'il a fait... Ah non, il m'a dessiné un truc dessus. Du coup, je pense qu'il faut réussir à mettre le café quelque part pour qu'il se le prenne ou qu'il brûle. Ou moi, il faudrait que j'en boive. Voilà, je bois mon café tranquillement. Et du coup, je vais être plus rapide. Du coup, je vais être plus rapide et il aura pas le temps de dessiner, c'est ça? Je sais pas. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Fais plus vite. Et si je mets le café directement de... Oh, mais oui, il fallait le changer de couleur. Mais du coup, il va être chaud. Il va être chaud. Non, je sais pas. Ah, mais du coup, il pourra pas faire le caca. Bah oui, c'est bon. Il pourra pas faire le caca, vu que c'est déjà couleur caca. Ah, mon pote, ça sert à rien, là, ce que tu fais, hein. Ça ne changera absolument rien. Et donc, c'est bon, on est en train de faire notre petit pull. C'est parfait. Il est nickel. Ah, faut qu'on rechoppe un jouet. Alors, attends, viens là, toi. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, lui? Ah, c'est lui qui va jouer. Vas-y, essaye. Tiens, je te donne ma thune. Oh. Là, par contre, il va se faire allumer, hein. J'espère, hein, j'espère que c'est ça qu'il fallait faire. Vas-y, chope-le, ok. Et l'autre, il va sortir comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Je pouvais pas bouger la machine, hein. Attention, oh. C'est pas moi que t'apprends, là, je suis désolé, mon pote, hein. Oh, lui, il va avoir le seum, mais non. Du coup, je vais reprendre le gars, là, hop là. Je vais prendre la pièce, mais cette fois-ci, je vais pas lui donner. Est-ce qu'il se met à jouer ou pas? Ou alors, il attend débilement, comme ça. Est-ce que je peux pas donner la pièce à... Au méchant, là-bas? Non, ah non, je l'ai donné à lui, mince. Ah, mais j'avais pas vu, en fait. Il y a l'extincteur qui était juste derrière le gars. Donc, alors, attendez. Est-ce que je peux casser la vitre, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tiens, prends ça, toi. Oh! What? Mais non! On va le tuer! Il va mourir, machin! C'est bon! Oh, 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 oh. Ciao, mon pote! Ah, ben là, au moins, on peut avoir toutes les peluches qu'on veut. Là, on est bien. Mais du coup, je vais jouer. Je vais jouer tranquillement. Hop là. C'est de tête à l'autre de jouer, hein. Oh, lui, il a rien compris ce qui s'est passé. Il doit se dire. Et là, c'est bon. On a notre peluche. Et les amis, je crois que le niveau 20 était le dernier. Bon, les amis, le principe de ce jeu est très simple. Nous devons à tout prix devenir la fille la plus populaire du lycée. On va devoir prendre ici les meilleures décisions pour devenir la plus débile, la plus populaire du lycée. Désolé pour le lapsus, mais il y a une part de vérité. Donc là, par exemple, est-ce qu'on écoute le professeur ou alors on joue à un jeu sur notre téléphone? Ah, ça me rendrait cool aux yeux des autres. Eh bien, je vais même pas le faire. Moi, je vais écouter le professeur. Wow! Ma barre de popularité a pris un coup quand même, hein. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je veuille vraiment. Ah, il faut que je dessine quelque chose. Donc on a ici, il faut relier les trucs. On va donc relier cette madame. Ah, on peut dessiner comme ça. On va la relier à un petit bonhomme. Voilà, cette personne sera votre meilleur ami. Tenez, hop là, c'est ça qu'il faut faire ou pas? Comme ça, voilà. Voilà ce que ça fait de ne pas écouter à l'école. Bon, je suppose qu'il faut la relier à ce monsieur, oui, c'est ça. Et les ongles sur les lèvres, évidemment. Ou plutôt les ongles sur le truc à lèvres, là, le rouge à lèvres. Ah, ok, on peut pas se tromper, en fait. Il faut avoir raison, c'est bon.
Est-ce que j'ai gagné en popularité là maintenant? What? Il faut lancer maintenant des bouts de papier dans la poubelle. Et moi je suis une racaille, je lance sur la porte, ouais. Est-ce que je gagne en popularité en faisant ça la racaille là? Apparemment pas. Bon allez, on va mettre ça là-dedans là. Hop là, hop là. Ah ouais, c'est bon. Ça y est, j'ai commencé à en mettre, parfait. D'abord, enfin. Ça les amis, c'est sa popularité à elle et nous allons devoir choisir nos amis. Alors est-ce qu'on accepte cette amie ou pas? Moi je trouve qu'elle est pas assez populaire pour moi. Je vaux bien mieux que ça. Ah, je suis désolé, t'es pas assez bien pour moi toi. Donc allez, je te rejette. Hop là, allez à gauche, c'est bon, on m'attend de là. Oh! On se ressemble. Toi, tu seras mon ami. Hop là. Mince, apparemment, fallait pas la choisir, elle. Wow! Ah non, je me suis trompé, les amis. Ça, c'est bien ma popularité à moi, en fait. Hein. Elle est vraiment au plus bas. Et cette fille est carrément stylée. Est-ce que ça serait pas mieux qu'elle rejoigne mon cercle d'amis? Non, j'en ai rien à faire de la popularité, moi. Wow! Oh, oh. J'ai pris un coup. Alors, je suis populaire maintenant? Ah ouais, ça, c'est mon score de popularité, 125. Je suis à la 280e place. C'est pas ouf, hein. Je suis pas le meilleur du lycée. Bon, comment ça se passe? Est-ce qu'on mange végétarien ou plutôt du poulet? Ah bah là, je suis désolé, végétarien, mais un petit poulet pour les protéines, c'est pas mal. Oh! Ah ouais, apparemment, c'est plus populaire de prendre... C'est pas possible, j'arriverai jamais à être populaire dans ce jeu. Alors, maintenant, on va, d'accord, me servir à manger. Bon, j'espère que ça va pas influer mon papa popularité de savoir tout mettre sur un plateau, quand même. Ah ouais, moi, je suis populaire, je prends du coca. Hop là, sers-moi du coca, là, ça la tire aux habillards. C'est parti, hop là, wow. Ce coca est très bizarre, quand même. Ah, mais j'en fais pour tous mes amis. Oh, bah, je suis très sympa, ça. T'es plutôt une victime, en fait. Bon, ma popularité va encore prendre un coup, je suppose. Hein. Ah ouais, là, je suis pas bien, là. Ok, donc on est en train de marcher tranquillement, et alors, wow! Notre petite amie est actuellement en train de flirter avec une autre fille. Alors soit on lui jette quelque chose au visage, ou alors on se met à pleurer et on continue notre route sans rien dire. Bon, écoutez les amis, je veux bien faire ma victime depuis le début de la vidéo, mais à un moment ça va pas le faire, va falloir intervenir. Wow! Finalement pleurer et m'en aller. Non, ça va pas le faire. Allez, c'est parti là. Il va falloir commencer à se manger. Voilà. Mais j'ai plus rien à manger maintenant. J'avais faim. Ok, maintenant on est dans un concours de gifles pour savoir qui est la plus puissante. Hop là, ça c'est un perfect. Oh, je l'ai même pas touché. C'est quoi ce délire? C'est... Là, je viens de gagner en popularité. Allez, on est de retour à la maison, on va jouer tranquillement. Ah, ben j'ai même pas eu le choix, ça a joué tout seul apparemment. Ok, on fait un puzzle sur le monsieur de tout à l'heure là, ouais, d'accord. En quoi cela va augmenter ma popularité? Pour l'instant, je fais des trucs inutiles là. Mettez-moi un truc qui m'en rend populaire. Ah, oula, j'ai pas eu le temps de regarder. C'était... Mais non, mais j'ai pas eu le temps de regarder là. Oh, oh. Donc ça va avec lui. Ça va avec elle, je suppose. Mais non... Ah, mais la prochaine fois, prévenez-moi, là. C'est bon, c'est gagné. Je m'ennuie. Ah, est-ce qu'on va faire un TikTok, les amis, ou on va faire une vidéo YouTube? Faut pas me demander à moi, évidemment qu'on va faire une vidéo YouTube. C'est parti, go pour YouTube. Quoi? C'est moins populaire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils sont en train de se ficher de moi ou quoi? Bon, en tout cas, on est en train de faire notre vidéo YouTube, et pour l'instant, on a gagné un petit peu en popularité, finalement. Ce qui nous a mis plutôt bien. Et plus on continue, mais au final, on fait un TikTok, j'ai l'impression, là. On est en train de... Mais j'ai demandé une vidéo YouTube, ça a fait un TikTok. Ok, on est actuellement en train de ranger mes chaussures, hein. C'est bon. Pourquoi on a les mêmes paires en fait? Je comprends pas. Pourquoi 4 fois les mêmes paires? Oh, notre petite amie qui nous a trompé tout à l'heure nous demande si on veut partir à une soirée. J'aime les fêtes ou... Non, je ne peux pas faire ça. On a dit là les amis, il fallait que je devienne un petit peu populaire, hein, marre d'être une victime. Alors c'est parti, on est full popularité les amis. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, pas mal de place au classement. Ah, mais je suis toujours moins populaire que Adali, Amora, Noémie. Ça me plaît pas ça. Allez go, donc direction la soirée les amis. Pour plus de popularité, qu'est-ce qu'on devrait mettre? Alors là, franchement, j'en sais rien. Avec une robe rouge, peut-être. Ah, on peut choisir. Oh, on peut regarder. Ah ouais, avec des oreilles de lapin. Je sais pas ce qui marcherait mieux. Hein. On va mettre du rouge, hein, parfait. C'était ça qu'il fallait faire, apparemment. Très bien. Donc ça y est, nous sommes à la soirée. Oh! Mais c'est que ça s'ambiance ici. Et qu'est-ce qu'il fait là, le papy, là? Bah, vous voulez pas rentrer chez vous, les débiles, là? Donc, est-ce qu'on leur montre comment on danse ou alors on ne se sent pas très bien pour danser, etc. Je déteste danser. Je déteste danser, mais allez, on va le faire. On va montrer notre popularité là, regardez. Ah, on prend le tabouret, prend le tabouret. Non, pas. C'est une soirée où en fait personne ne se regarde, personne ne danse ensemble. L'autre il est en train de danser pour le billard, c'est son seul public. Tout va bien. J'ai gagné en popularité, c'est le plus important. Alors il faut faire tomber les bonbons. D'accord. Ok. C'était comment dire, compliqué. Je suis désolé, soyons ensemble une nouvelle fois. Alors soit
on va parler à d'autres garçons, ou alors on va le pardonner. Non, 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 c'est mort. Je veux plus de popularité, moi j'ai rien à faire des petits garçons comme toi, la bâtarde là. Ah donc maintenant il faut que je choisisse mon boyfriend, ok. On va prendre soit le nerd, soit le gars mignon, ou soit le bully de l'école. Je vais prendre le nerd, j'aime bien les nerds, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Oh non, pas ça, oh là là, faut pas me demander ça en fin de soirée là. Oh, hop, 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 voilà, c'est bon, ça passe. Voilà, c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Alors, oh, let's go, ça y est. Notre couple est enfin formé et tout le monde a laissé les tabourets par terre. Par contre, la fin de soirée est compliquée. Hein. Et on remonte dans le classement. Ouais, de retour à la maison, c'était une super soirée. Maintenant, il est temps de faire quoi? De what? Qu'est-ce... Ah, on met les trucs à... Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est des habits, une seule utilisation. D'accord. Ah ouais, laissez-moi brancher mes ordinateurs et mes téléphones. Voilà. Un petit Among Us, là, en direct. Non, mais c'est qu'on est plombier aussi, mais on fait tout dans ce jeu, c'est incroyable. C'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on va porter maintenant, aujourd'hui, pour aller à l'école? Mais c'est un maillot de bain, ça, pour aller à l'école ou quoi? On dirait un maillot de bain, une pièce, avec un jean. Non, on va s'habiller sérieux, un peu, là. Allez, un petit peu sérieux, et ça nous permet d'avoir un peu plus de popularité, donc c'est très bien. Ah, enfin, de retour en salle de classe, c'est tout ce qu'on voulait. Et c'est le moment des examens. Je peux le faire facilement ou alors j'ai très peur. Ah ouais, moi j'ai très peur, j'ai pas révisé. Oh mon dieu, j'ai peur. Ah mince, ça m'a fait perdre la popularité, mais comment ça? Normalement, c'est en prenant les mauvaises décisions qu'on devient populaire. Bon bah très bien, je vais prendre les bonnes décisions maintenant. Alors il faut trouver la différence, bah elle est là. Voilà, c'est bon. Ah, il y en a une autre ici là, parfait. Et la troisième elle est là. C'est que des îles en fait. Parfait. Il faut trouver les matchs. Ah, il faut redessiner. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut faire ça, d'accord. Mais Vic, non, non, c'est là. Oh, wow, ce chemin hyper long pour ça. Là, c'est bon, c'est passé. Alors il faut collectionner de la popularité. Ah, il faut... Attends, il faut prendre les livres ou pas? Ah non, faut pas prendre... Les amis, il faut pas réviser, sinon t'es pas populaire. Voilà, il faut être bête à l'école, il faut être complètement stupide pour être populaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On est populaire pour les mauvaises raisons ici. Tout va bien. Hop, on prend les cœurs. Voilà, voilà, voilà. Je déteste l'école, je déteste lire, je déteste tout de toute façon. Tout ce qui m'intéresse, c'est parler aux garçons et leur envoyer mon cœur. Voilà, c'est bon. C'est passé. Je suis full populaire là maintenant. Mais je serai débile toute ma vie. Attendez, je suis en train de... Wow! Excusez-moi, mais attendez, c'est pas mon boulot de faire ça. Ok, c'est bon, c'est fini. Ok, on part à la soirée, les amis. Ok, on est sur Subway Surfer, le truc là. Wow! Ok, ça passe. Tac. En tout cas, on a une très jolie voiture quand même pour quelqu'un qui est encore en examen. Ah ouais, je suis trop populaire, moi. J'ai gagné 6 places, ouais. Ophélia et Alora, nous qu'à bien se tenir. Ok! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah! Ah, t'es... ah ouais d'accord, c'est des Fahrenheit je crois. Et on veut pas que les gens soient malades à la soirée. Donc lui il a 95, donc c'est bon. T'es inférieur à 98, tout va bien, t'as pas de fièvre. Toi t'as combien de fièvre? C'est le bully de l'école lui, il est malade, il a le Covid. Va t'en là. Et elle a combien? 94, ça passe. Non mais je t'aime pas toi, je t'aime pas, va t'en là. Je veux pas ma soirée toi là-bas. Ok, maintenant nous devons collecter des gars, des garçons, d'accord. Pour plus de popularité, attendez, je veux lire un peu. Aïe! Non, ok, faut pas lire. Faut pas lire! On a dit, on veut être débile toute notre vie, donc on va collectionner les garçons, c'est beaucoup mieux. Hop là! Wow! Bon, par contre, j'ai perdu un peu, hein. J'aurais pu être à 100%. Et ça y est, on va pouvoir faire une soirée tous ensemble. Yes! Ok, et maintenant, on doit mettre des gifles encore. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle a fait, mais on doit lui mettre des gifles. Oh, on doit changer de garçon! Non! Je reste avec le même! Vous avez cru m'avoir? Je garde ma réputation, moi. Et hop, place 221! Je suis trop populaire, moi. Qu'est-ce que c'est? Il y a un magicien qui est venu à l'école, quoi. Non, attendez. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement, vous pouvez pas aller un petit peu plus vite? Ah, enfin, voilà, ça accélère. Oula, c'est compliqué, là. Ah là 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 là, c'est chaud. Bon, ma place 212, hein. What? J'ai déjà vécu ce moment. Ça vous le fait jamais, ça, les amis, que vous avez l'impression de revivre le même moment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que nous avons fait le tour du jeu. Et salut tout le monde, c'est Red qui nous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter d'avoir la meilleure évolution de chaussures possible. Mais je suis flex, moi. Bon, ok, là, ça commence super mal. Il semblerait qu'on ait une paire de crocs. Bon, ok, j'avoue, c'est plutôt pratique, ces chaussures, mais c'est quand même les chaussures les plus hideuses du monde. C'est un petit peu le multiplat de la voiture, quoi. Mais vous inquiétez pas, les amis, car nous allons avoir la possibilité, évidemment, de les faire évoluer. Ah ouais, non, par contre, il faudrait aller peut-être dans le bleu, plutôt, ça serait mieux, quand même. Hop là. Bah, je suis complètement à la renverse. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on fera mieux tout à l'heure. Pour l'instant, il nous fallait bien une paire de crocs dans notre collection. Donc j'ai soit la possibilité de la vendre ou de la garder, elle vaut 1$, alors autant vous dire que la vente ne servira à rien. Je perdrai sûrement plus d'argent à l'envoyer. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah ouais, mais en fait, elles sont même pas à ma taille. Moi, je fais du 46. Voilà. Bon, c'est bon, cette fois-ci, elles sont à notre taille. Nous allons tenter, les amis, de prendre les meilleurs chemins possibles pour avoir, par exemple, des petites Vans comme ça qui sont très stylées. Bon, c'est pas mes chaussures préférées, mais ah, les Converse encore moins. Donc, allez hop, on met ça. Non, je vais les vendre. J'aime pas.
pas trop, je vais les vendre. Désolé à tous ceux qui aiment les converses, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Ah, on va pouvoir avoir la possibilité d'augmenter la valeur. Alors, à mon avis, c'est la valeur des portails. Donc, on va voir, les portails doivent rapporter plus. Non, je sais pas ce que c'était en fait. Ah, c'est la valeur de départ en fait en argent. Ok, très bien. Donc, allez, les amis, cette fois-ci, on va essayer de se faire une collection de fous malades. Pour l'instant, j'ai des crocs. Et je sais pas si je peux supprimer mes crocs. J'aimerais bien les supprimer quand même. Et oh, ça sert à quoi les cœurs? Oh! Ah ouais, ça me prend par les sentiments. Bon, j'aime pas trop les converses, mais elles sont rouges. Ah, je garde, allez, c'est bon. Par contre, ma collection, elle est collection de pauvres, apparemment. Oh, fini les crocs, les amis, je commence directement avec des Vans maintenant. Bon, allez, c'est reparti, on va essayer d'avoir des Nike ou des Gucci, imaginez. Je pense que les Gucci, c'est les plus chers, avec les Balenciaga, etc. On va essayer d'avoir ce genre de chaussures. Alors, c'est parti. Je suis obligé de prendre un moins 26. Oh, en rose. Ok, je suis pas sûr de vouloir la garder dans ma collection, mais bon, écoutez, au moins, ça sera bien peut-être pour les revendre. Hop là, pas d'évolution. Ah, non, je les veux pas, je les vends, par contre, je vais me faire tellement de thunes. What, c'est quoi ça? C'est ma collection qui est là. Allez, on va avoir la possibilité donc d'acheter des trucs, d'accord. Wow, il y a un truc qui coûte 100 000. Ouais, c'est mon showroom. Ah, j'ai carrément une maison juste pour mes chaussures, c'est incroyable. Ouais, je vais augmenter la valeur donc du début de mes chaussures. Hop là, ça commence à coûter cher et la valeur de revente, hop là. Ah ouais, mais non, j'ai pas pu dépenser tout mon argent après s'il fallait regarder une pub. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'avoir de nouvelles chaussures parce que les Vans et les Converse, bon, comme je vous ai dit, c'est pas trop ce que j'aime. Moi, je veux des TN requins. Alors, donnez-moi ça. C'est bon. Bon, du coup, on a des Vans. C'est toujours pas mon style, mais au moins, on les a. Attention, plus 68 et ça nous a permis d'en avoir d'autres. 93% des gens ont déjà ces chaussures. Bon, je les garde. Hop là, je suis toujours en pauvre. Allez, on continue à augmenter la valeur en espérant, voilà, pouvoir commencer avec les Converse. Là, ça va nous mettre tellement bien, les amis. On va pouvoir prendre... Wow, les portails sont de plus en plus ouf, mais attendez, on va arriver à des chaussures à 10 000 balles à un moment. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Hop là, on les met en or. Oh, c'est trop stylé en or, par contre, ça a pas rajouté de valeur malheureusement. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des New Balance. Ok. C'est un petit peu de sport. Plus 130, elles sont à 1100$. Mais waouh, ok, celle-là je les garde par contre. On va continuer d'augmenter la valeur de départ évidemment. Et c'est reparti. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir? Waouh, j'ai failli prendre le truc. Hop là. Oh, non, j'ai touché. Bon, ça va, y'a qu'une chaussure des deux qui a touché. Oh oh, y'a que des portails rouges après. Oh, stylé, les Vans sont rouges comme ça. Trop classe. Waouh. Ok. Laisse-moi passer. Oh, c'est bon, c'est passé. Bon, bah, du coup, je vais les garder, celle-là. Hop là. Bon, allez, on va aller voir dans le showroom vite fait. J'ai la possibilité de mettre plus de chaussures là, je pense. On va voir ce que ça donne. Ok, on a de quoi en mettre, mais je sais pas si on va pouvoir en mettre vraiment. Oh, oh, les portails de fou. Plus de 100, plus de 100. Ah, ok. Maintenant, les portails sont tellement gros, limite, que je prends une chaussure à chaque fois. Let's go. Ah non. Je les ai perdus. C'était quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ces chaussures, les amis? Qui est cher? C'est quoi qui est cher? Dites-moi dans les commentaires, j'ai pas la marque. En tout cas, on va pouvoir les changer. Non, même pas. C'est quoi? Qui est cher? Ah, c'est des Salomon, je crois. Ou peut-être pas. Bon, bah écoutez, on va les garder. Elles sont pas ouf, mais c'est sûrement pour faire de la randonnée ou un truc comme ça. Ça permet d'augmenter le prix de notre collection, et ça, c'est le plus important. What? Attendez, c'est quoi maintenant? On a des portails à plus 9$, mais attendez, juste avant, il y avait des portails à 200$. Vous vous fichez de moi? Bon, bah au moins, on va avoir des petites Vans en or. Et je les garde, celles-là, en vrai. Elles sont stylées en or. Wow! Plus 490. Oh, ouais, d'accord, là, c'est devenu n'importe quoi. Plus 520, plus 500, et hop là! On a des. Comment ça s'appelle? Des Hugs? Oh, attention! Plus 460, ok, allez, on retourne aux Hugs. Voilà, des petites Hugs. J'espère pouvoir les garder, je sais pas si je vais pouvoir les garder. Et oui, on les a gardés, 4500 quand même. Elles coûtent 4, mais c'est des bottes de fou. 81% des gens l'ont. Bon, c'est des chaussures de filles, les amis, hein. Je vais les vendre, hein. Ah ouais, je vais même me prendre le x5. Allez, hop, on encaisse, on a 30 000 sur nous. Et là, on va avoir la possibilité, on va retourner dans le showroom. Ah ouais, mais du coup, les trucs à 100 000, on va pouvoir les acheter après, hein. C'est juste abusé, on a gavé de thunes, en fait. Alors, le miroir, ok, il faut regarder une pub, ça faut regarder une pub. Et ça se permet de quoi? De partir. Ah oui, ok. Bon, très bien. J'ai rien à acheter pour l'instant, donc on va augmenter la valeur de nos chaussures et de revente. Et c'est reparti. Et malheureusement, on a des petits portails là. Malheureusement, je ne pense que ça ne sera pas suffisant. On va quand même essayer, mais ah, je crois qu'on va terminer avec des Salomon ou bien des New Balance. Hop là, oui, c'est ça. Non, je les avais déjà, celle-là. Allez, niveau 16 maintenant, en espérant... Oh, ok, il y a pas mal de portails, hein. Il y a moyen qu'on se mette bien... Oh, j'ai touché. Aïe, non, j'ai retouché des pièges. Mais c'est pas possible. Attends, ils sont inévitables, ces trucs-là, c'est trop chaud. C'est bon, mais malheureusement... Oh, aïe, oh, c'est bon, tranquille. Je vais juste acheter des chaussures. Hop là, oh, attention, c'est bon, ça passe. Bon, bah, ok, on aura des petites New Balance en rouge. Je les avais pas, donc on va les garder. Hop là, c'est parfait. Et notre collection va bientôt passer au-dessus de pauvre. Wow, les New Balance en or comme ça, elles sont trop stylées, je les garde. Évidemment, et en fait, c'est pas, on n'est pas pauvre, on est SDF. Et la prochaine étape, justement, c'est pauvre. Alors, hop, voilà, c'est bon, on y repart. Et oh non, faut qu'ils me remettent des portails à 500, c'était complètement fou. Je pense que le prochain niveau, on aura des portails à 500. En attendant, il va falloir se contenter de bah encore de New Balance en or. Le voilà, le fameux niveau, c'est parti
plus 810, plus 750. Oh là là, ça devient n'importe quoi. On est de retour au Hugs. Hop là, 763 et nouvelle chaussure les amis. Il s'agit d'Adidas Superstar, je pense. Hop là, j'ai perdu un peu. J'espère avoir une nouvelle évolution. Allez, s'il vous plaît, 780. Non. Moi, c'est ton rose, c'est pas ma couleur préférée pour des chaussures, mais voilà, elles sont stylées. Mais je vais les vendre, comme ça je vais pouvoir faire 1x5. Bon, mais voilà, 61 000 les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les 100 000 pour pouvoir débloquer le truc dans le showroom. Là, le truc à 100 000. Ah, mais c'est juste pour avoir une nouvelle collection en fait. Et ça va être obligé, sinon on pourra pas l'avoir. Enfin, on pourra plus collectionner de chaussures. What? Quoi? Mais attendez, c'est quoi ce niveau de fou là avec des portails à 3000? Mais non, on est déjà aux Adidas. Mais non, on est passé au Puma. Wow! Mais non, mais on est des. C'est quoi ces chaussures déjà? C'est pas des. Mais c'est quoi ce délire? Wow, c'est des Nike, les amis, des Nike en or. Elles valent 29 000. Ah, oh, elles sont incroyables, c'est des Air Force. Ah ouais, mais celle-là, je les garde par contre. Hein. Celle-là, je les garde, elles vont direct dans ma collection. Et là, on est passé directement en pauvre. Et ça y est, on commence à se faire gaver de thunes. Oh, il y a encore des portails de ouf. Ah, mais malheureusement, il n'aura. C'est pas les meilleurs aussi bien que juste avant. Hein. Là, c'est 1700. Bon, ça va, ça va, ça va. On va pouvoir avoir des belles chaussures quand même. Donc, à la limite, voilà, ça serait bien de pouvoir avoir des Pumas. Mais je pense qu'on va avoir mieux que des Pumas. Des Pumas roses. Ok, plus 2000. C'était quoi après les Pumas? Ah, c'était celle-là, là. C'est des... je sais plus ce que c'est la marque, ça. Mais en vrai, c'est des Crocs un peu plus stylés, mais ça reste moche, quand même. Hein. Donc, je vais les vendre. Non, je les ai gardés. Bon, c'est pas grave. Ok, là, il y a des beaux portails à 1500. Hop là, j'ai toujours pas de Puma. Hein. 1400, tac, j'aimerais bien. Normalement, ça devrait le faire. Je vais voir les Pumas, je pense. Hop là, on prend le moins 1400. On est obligé. Oh, mais il y en a tellement, là, après. À la limite, faudrait que j'évite le dernier, peut-être, pour garder la Puma. Non, c'est bon. Je peux rester là et normalement avoir les Pumas. Let's go! Oh, elles sont stylées, celles-là. Elles sont sympas, en vrai. Regarde, évidemment. Hop là. Oh, on est presque au milieu de la richesse. Par contre, j'ai toujours pas les 100 000 de thunes qui me permettent... What? Attendez, vraiment, là, ils me donnent des portails à 80, quoi? C'est quoi, cette arnaque? Fois 1,2. Ok, ils commencent à mettre des multiplicateurs, donc ça, c'est très bon signe. Mais des multiplicateurs, quand tes chaussures, elles coûtent rien, bah, ça sert à rien. Hein. Mais s'ils mettent des multiplicateurs à la fin, ça pourrait être complètement fou. Bon, bah, mais voilà, avec des Kécher roses. Je les vends direct. Portail à plus 8900 de valeur. Ok, on est passé au Puma directement. Fois 1,2, ça va nous mettre bien. On va prendre ça. Oh, on était sur les Nike, les amis. On a toujours pas de Nike. Donc peut-être que ça pourrait être bien de s'arrêter aux Nike. Mais. Ah, non! J'ai fait le débile. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a des Nike. Écoutez, c'est pas grave. On a enfin des Nike. Mais on en a. Non, on en avait tout à l'heure en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais garder ça aussi. Attends, elles étaient où mes autres Nike là? Oh, je sais plus. Ok, portail à 7700. Portail à 7500. C'est pas mal. C'est pas mal. Le fois 1,2 qui nous met bien. Oh, il y a un divisé par 2. Imaginez un fois 2. Un fois 2, là, on est Gucci. Hein. Je vous le dis. Hein. 7500. Hop là. Oh. On les avait pas eu ces chaussures les amis, ces Adidas. Let's go! Regardez ce qu'on a eu là les amis. Elles sont trop stylées colorées comme ça. Allez hop, ça se garde évidemment. Mais ma collection commence à être complète, comment on va faire? Il me faut vite 100 000, hein. Il faut absolument que je vende des chaussures, hein. Fois 1, ah ouais quand t'as 1 Ah non j'avais pas 1, oui non ça change rien. Fois 1 ça fait point 1, donc c'est rien. Ah ah, je suis obligé de, allez vas-y, diviser par 3 tant qu'à faire. Bon c'est la misère là les amis, hein. Donc là j'ai niveau 30, je pense que, voilà j'ai débloqué la suite. Donc ça va me permettre d'avoir éventuellement de nouvelles places. Ah ouais mais c'est payant et tout. J'ai plus de place les amis, j'ai pas fait exprès, puis j'ai gardé des hugs à la fin là. Ah mais je vais avoir cet endroit là pour en mettre. Oh, plus 25 000, plus 22 000. Oh mais là c'est parti, là c'est parti. Si j'ai pas des Gucci, je ne comprends pas. Ah ben les voilà, ah ben les voilà, les Gucci. Oh oh, oh oh. Attention, attention, attention. Ok, on va prendre le plus 24K, vite les Gucci, les Gucci, les Gucci. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ça, chaussure de fou? Seulement 57% des gens ont ça les amis, mais c'est déjà beaucoup hein. Franchement 57 c'est beaucoup quand même, faut le dire. Ah bon, en tout cas moi je les garde hein. Voilà, le nouveau présentoir est juste là, il est magnifique. Et on va pouvoir en mettre un maximum. Bon par contre là on est retourné. Oh mais j'avais des portails à 25 000 et là ils me ressortent des portails à 3000. Ce jeu n'est pas logique. Bon bah je vais faire de mon mieux hein. Oh celle-là en rouge ça peut être très sympa en vérité. Hop là, les chaussures de l'amour. Allez vas-y, je les garde celle-là, vas-y. Bon vu que ça sert pour l'instant à rien que j'achète un nouveau présentoir, vu que j'ai déjà de nouvelles places, je vais réaugmenter la valeur de base de mes chaussures, les amis. Et on va repartir pour un niveau, ah, malheureusement, pas ouf, hein. C'est dommage, ça, il y a un seul niveau, genre un niveau sur 5 qui est ouf, et après, il y a que des portails tout pourris comme ça. Ah, il faut être patient, faut être patient. En attendant, on va se contenter de magnifiques petites Pumas rouges, que je vais vendre, évidemment. Ouh, je les avais pas, ces chaussures, on va les laisser en rouge. C'est les autres Adidas qu'on... Ah, si, je les ai, mais dans une autre couleur, je crois. Bon, moi, je les garde quand même, ça va dans ma collection. Ok, portail à 17 000, on est bien. Portail à quasiment 15 000, c'est moins bien que tout à l'heure, mais peut-être s'il y a un multiplicateur. Non, il n'y a pas de multiplicateur après. Ah, s'il y en a un à la fin, mais bon, malheureusement pas beaucoup. Hein. Nous, on est de retour sur les Gucci.
Oh, j'aimerais bien avoir un peu mieux, un petit peu mieux. Attention, fois 1,1. Non, c'est pas assez. Bon, bah, celle-là, je les ai déjà, mais on les vend et on se fait. Oh là là, gavé de thunes, les amis, c'est abusé. Bon, là, je vais directement m'acheter un nouveau présentoir, celui à 100 000. Hop là, je dépense tout mon argent là-dedans. 100 000 euros, l'armoire comme ça. Non, mais je me fais arnaquer. Par contre, ce présentoir a l'air trop stylé. Vas-y, je vais en acheter un. Ah ouais, il est en plus, il tourne, il est incroyable. Mais bon, ça serait bien que je mette des belles chaussures dessus, hein. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi des portails un peu mieux quand même. Bon, on va avoir des chaussures. Ah, ben voilà, on a celle-là, c'est très bien. Voilà, parfait. Elles sont hyper moches, mais. Ah non, je dois les vendre parce que j'ai. Bah, tant mieux. Voilà, ça ira pas sur le présentoir. Allez, c'est le moment de mettre de vraies chaussures cette fois-ci sur le présentoir. Je veux absolument les meilleures possibles. Hop, 17 000, on va arriver très rapidement. On est déjà au Gucci. Parfait. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Adidas. Mais elles sont incroyables. Oh, je les ai mis en rouge. Je suis pas sûr qu'en rouge elles soient stylées. Mais bon, c'est les chaussures les plus rares du jeu, les amis, celles-là. Ça va directement aller sur le présentoir. Mais comme j'ai dit, en rouge elles sont pas oufissimes quand même. Hein. Et salut tout le monde, c'est Red Kill. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu Merge Animals. Un jeu dans lequel nous possédons tout un tas de fioles contenant différentes ADN correspondant aux animaux dessus. Bon, la plupart sont fermées pour l'instant, mais nous on a accès à la girafe ainsi que l'araignée. Et si j'ai bien compris le principe du jeu, on va pouvoir injecter de l'ADN de girafe dans l'humain qui est juste là. Alors, où est-ce qu'on lui en met? Oh, on peut choisir où on lui en met. Attendez, on va lui en mettre un petit peu dans les bras. Vas-y, go, 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 go. Alors, comment ça se passe maintenant? Oh, wow, c'est quoi ça? Regardez-moi ça si on n'est pas magnifique. Bon, par contre, on a plus de girafe. Donc, du coup, on va remettre un coup d'araignée. Et apparemment, après ça, on va pouvoir aller faire une course. Mais alors, attendez, cette fois-ci, on va piquer dans... Allez, on va piquer dans le yep. Voilà, parfait. Et là, ça va faire quoi? C'est les bras. Oh, c'est l'homme girafe araignée. Donc une fois que cela est fait, on n'a plus qu'à faire jouer comme ça. Et normalement on va aller sur un runner et on va faire la course contre. Regardez-les. Là il y a un requin et une girafe. Et mince, il faut faire de l'escalade. Go monter, go monter. Oh là là là, c'est quoi ce délire? C'est trop pratique avec 6 bras les amis. Je peux que vous conseiller de faire de l'escalade quand vous avez 6 bras. Et bam. Oh là, c'est la puissance de la girafe qui a fait qu'on a pu détruire le mur. On est passé à droite et tout se passe bien pour l'instant. On va gagner la course. Mais ça a l'air d'être n'importe quoi ce jeu là. Allez hop, on a plus qu'à monter sur cette petite mur d'escalade. Et on n'a plus qu'à terminer la course. Oh là là, l'autre il m'a rattrapé, Tortue Ninja là. C'est bon, on y est. On gagne donc la course en girafe araignée. Waouh, on a débloqué l'alligator. Bon bah testons ça directement avec une petite pécouse dans les pecs. Allez un peu sur le téton comme ça. Et ah, ça doit faire tellement mal. Allez c'est parti. Oh, regardez qu'est-ce qui a poussé là. Waouh, c'est n'importe quoi. Oh là, et dire que je dispose que de seulement 3 ingrédients. Allez, on va mettre un autre coup d'araignée. Donc là, ça va sûrement nous refaire des petites pattes un peu partout. On va faire ça dans mon lait au calme. Et pendant que la transformation s'opère, je vous demande à tous... Oh là là là, si pas, c'est un truc de fou. Je vous demande comme d'habitude de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, bien évidemment. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné pour plus de jeux dans ce genre. Bon, par contre, cette fois-ci, on peut pas mettre la girafe à moins de regarder une pub. Bah écoutez, on va la mettre à la pub. Comme ça on a donc accès à une troisième mutation. C'est parti, on va lui faire hop, plein milieu du bide. Non, dans la tête. Oh, ça lui a transpercé la tête. Allez, c'est parti. La girafe est prête. Alors là, on doit être quand même pas mal puissant, je pense. Allez donc, c'est parti pour la deuxième course. Et on a un éléphant contre nous cette fois-ci. Oh là là, il faut nager comme il faut là. Mais là, c'est parfait grâce à l'alligator. On va tellement vite, mais l'autre avec le requin, il nous suit quand même. Hein. Il est bon, il est bon. Allez, c'est parti. Avec les 6 pattes, on va pouvoir monter tranquillement. Regardez-le, lui, il est tellement lent. Et l'autre, on le voit même pas. Ah si, ça y est, il est là. Il a des pattes de crapaud, il peut monter vachement vite lui aussi. Alors est-ce qu'il vaut mieux? Oui, il vaut mieux aller à gauche parce qu'on nage hyper vite nous avec notre tête de girafe. Et donc on termine, premier encore une fois, ça fait plaisir, on les a démontés. On a 50% du prochain animal. Niveau 3 maintenant, par contre, j'ai pris que 2 mutations cette fois-là et regardez les aigles. Les ailes d'aigle, pardon, je voulais dire. Hop là, bouge de là toi, bouge de là, c'est moi qui vais passer en premier. Parfait, c'est bon. Alors est-ce qu'on va avoir assez de puissance avec 2 mutations seulement? On manque un petit peu de puissance de la girafe, je pense. Allez, c'est pas grave. On y va, on va pouvoir le faire. Mais il va tellement vite, lui, c'est abusé. En même temps, il est en mode guépard. Allez, hop, on le rattrape, on le rattrape. On a 6 pattes, on peut le rattraper. Allez, go, 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 t'es derrière une boîte. Allez, il faut gagner ce troisième run. Non, de
Dommage. Mais c'est pas grave, on a débloqué l'aigle. Alors, où se cache-t-il là? Il est là, et on a déjà vu ce que ça donnait, vu que ça donne des ailes, et on va le faire, regardez. En mode RP. Ah, on peut pas le tourner? Non, non, je l'ai injecté où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai injecté dans le vide, ça marche quand même. Bon, en tout cas, on a des très belles ailes. Bon, on va rajouter quoi? On a besoin de savoir nager, donc allez hop, un petit coup de croco. On va faire ça dans les parties intimes, évidemment. Oh, aïe, 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 aïe. Ça nous propose de jouer, mais je sais pas si ça va suffire, ça. Hein. Bon, on va quand même tenter. Je vais pas regarder les pubs pour... Oh, de fuck, on est dans une autre galaxie, les amis. Ah, mais non, non, on est dans la même galaxie, puisqu'il y a la Terre, là, juste là. Mais c'est pas grave. Oh, les ailes sont tellement pratiques, là-dessus. Bon, on aurait pu nager. Je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas, on va super vite en courant, donc c'est nickel. Et là, on va perdre du temps, parce que l'escalade, c'est pas notre truc. On n'a pas pris l'araignée, les amis. Donc, ça va être chaud, ça va être chaud. On va se rattraper, on va se rattraper. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ont que deux bras, ça va, ça va. Ok, oh, je vais passer à droite, comme ça je vais pouvoir voler moi. Allez hop, on passe à droite. Wow, let's go. Donc il aura suffi que de deux mutations pour terminer la course numéro 4. Regardez ce qu'on va pouvoir débloquer après. Bon, pour la course suivante, on va avoir besoin d'un coup... on le met où celui-là? On le met sur le bout des doigts, ça doit faire trop mal. Non, allez, un petit coup dans le genou là. On avait besoin d'aile, on a besoin de force, donc on va mettre... oh, mais on a besoin de nage aussi, donc on va mettre la... Oh, mais on vient juste de le faire. Non, non, on va mettre la girafe. Masse, masse, non. Bon, c'est pas grave, allez, un recoup dans le téton là. Un petit piercing au téton. Allez, on va tenter donc avec deux mutations encore une fois d'y retourner. En attendant de débloquer le prochain animal. Oh là là, ils sont pas très forts apparemment les autres. Hein. Ils ont qu'une mutation, hein, donc c'est bon, on devrait pouvoir les défoncer normalement. Oh non, on va pouvoir voler sur ce tapis roulant. Est-ce qu'on peut passer au-dessus des murs vu qu'on vole? Je ne pense pas. On peut pas se passer sur le côté là? Ah non. Oh, pa, 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 pa. Ok, c'est parfait, on a la nage, donc ça c'est nickel. Et on va encore une fois gagner la course, les amis. Regardez-le, lui, là, le gorille. Je vais me mettre avec lui, comme ça on va casser le mur vachement rapidement. Et là, c'est parti, ma girafe avec des ailes. Oh, mais il grimpe trop vite, lui, rattrape-le. Chope-lui une fesse, fais-le retomber, c'est pas possible. Ok, c'est le moment pour nous de le rattraper. On a des ailes, on va pouvoir passer à gauche. Oh là là, il a pris tellement d'avance. Oh là 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 là, je préfère casser le mur à la limite, vu que j'ai la girafe, elle a un petit peu de puissance. Oh, let's go, on l'a défoncé. Allez, c'est parti. Faut se dépêcher parce qu'il va pouvoir nous rattraper sur l'escalade. Il est bien meilleur que nous. Oh là 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 là. Vite, 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 vite. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. C'est parti. C'est moi qui suis devant. C'est moi. Non. Non. Oh, égalité. Égalité. Je demande la barre, les amis. Dites-moi dans les commentaires qui c'est qui a gagné entre nous deux. Et allez, donc, on débloque le nouvel animal. Et là, les amis, on va enfin pouvoir courir très, très, très vite. Donc, voyons voir ce que ça donne. On veut lui mettre ça dans les jambes parce que je pense que ça va arriver au niveau des jambes. En plein dans la cuisse. Il n'y a pas plus efficace. C'est parti. C'est terminé pour mes ennemis là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les transformations possibles. Allez hop, monte-moi ton dos toi. Et hop là. Ok, maintenant on rajoute donc la petite girafe. On va mettre l'araignée maintenant. Hop, l'araignée, mais on va ressembler vraiment à n'importe quoi là. Waouh. Et ça y est, on a définitivement la meilleure évolution qu'on aura eue aujourd'hui pour l'instant. Bah. Et c'est quoi le prochain qu'on va pouvoir débloquer? Le lapin? On va pouvoir sauter tellement haut, les amis. Et le requin ensuite? Bon, très bien. Alors voyons voir. Oh là 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 là, les amis, je suis tellement stylé. Je vais pouvoir... Oh, je vais hyper vite. Oh là 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 là. Et ça va être pareil pour l'escalade ou pas? Oh ouais. Et encore, imaginez si j'avais le gorille plus l'araignée, ça pourrait donner un truc de fou. Bon bah écoutez, on va aller nager hein, tranquillement. Oh, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Hein. Tellement on court vite, ça aurait été mieux de passer à gauche. Bon, c'est pas grave. Allez donc, on se tape cette escalade. Dans l'espace. Attention, je... Oh, allez, on en profite un petit peu. Il y a personne devant moi. Hop, je casse le mur et on termine. Ok, dans deux niveaux, on débloque le requin. Et le lapin alors? Let's go. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donnez-moi de l'ADN de requin. Donc là, normalement, on va avoir la petite nageoire dans le dos. Waouh, l'équipe bleue est magnifique. C'est parti directement dans le dos, là. Pouah, pouah, pouah. Qu'est-ce qu'on est classe. Je vais rajouter un coup de croco, comme ça, on va aller nager et voir la vitesse qu'on a pendant la nage. Hop là, désolé, ma petite nageoire. Hop là. On va être invincible dans l'eau, là. Ha, en plus, ça tombe bien, on commence directement avec de l'eau. Et regardez, ils vont rien pouvoir faire avec leurs jambes. Wouhou! Comment je l'ai défoncé? Je suis Florent Manodou. Ok, alors l'autre, par contre, il a pris un mauvais chemin, il est un peu fou, là. Ok, est-ce que ça vaut le coup de monter? Je ne suis pas sûr, mais allez, on va monter, c'est pas grave. Allez, go, 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 go. Oh là là, à mon avis, il va gagner un petit peu de temps à droite. Il va revenir du virage. Allez, c'est la dernière ligne droite. Non, on le rattrapera pas, malheureusement, il court beaucoup trop vite. On était bon qu'en âge, de toute façon. Et regardez ce qu'on vient de débloquer. Alors là, je sais pas ce que ça va nous permettre de faire. On va l'injecter.
Je pense que ça va changer nos pattes en vérité, hein. Je vais le mettre dans la cuisse, on va dire. Attention. Zobardi, zobardi, zobardi. Ah non, c'est... Oh. Mais attendez, mais si on mettait l'araignée en plus de ça, mais ça donnerait un truc de fou avec des pattes de malade. Alors vas-y, mets-moi ça là, tac. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Oh, oh, non, ça l'a remplacé, en fait. Ah, quel dommage. On peut pas les combiner. Du coup, j'ai pas fait attention, mais à mon avis, la grenouille, elle nous permet d'avoir, donc, une capacité d'escalade beaucoup mieux. Attention, est-ce que... Oui, c'est ça, ok, ok, ok. Donc, c'est comme l'araignée, au final. Et on débloque maintenant, pour notre plus grand plaisir, la tortue, qui va pas mal nous ralentir, je pense. Bon, par contre, le lapin, à chaque fois, on le repousse. Donc, la tortue. Donc là, ça va partir direct en carapace. Bon, malheureusement, on va pas pouvoir tous les enchaîner. Par exemple, la tortue, on pourra pas la mettre avec le requin, du coup, vu que ça sera sûrement dans le dos, attention. Ah, on a un petit problème, les amis. C'est bon, on va pouvoir le refaire. Hop, on va pas le mettre dans le dos directement, sinon ça va bugger. Et là, let's go. Donc, on a une capacité de nage améliorée. Ah, mais on a de la carapace devant aussi. Wow. Et là, on n'est pas classe, les amis. Voyons voir si tu nages bien, toi. C'est parti. Oh, mais là, déjà, la vitesse de départ est juste ouf. Et là, let's go. Bon, on aurait été plus vite en courant, c'est sûr. Mais bon, la tortue a fait le taf quand même. Allez, c'est parti pour attraper lui là. En plus, il est complètement débile. On grimpe ou pas? Ouais, allez, on va. Ah non, on aurait dû aller à droite vu que j'allais super vite en courant vite. Il va nous rattraper. Ah, j'ai fait le mauvais choix. C'est bon, de toute façon, on l'a défoncé. Yes. Allez, les amis, maintenant on débloque donc le rhinocéros au niveau 20. Voyons voir ce que ça donne. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Le lapin, toujours pas, le pauvre. Mon pauvre petit lapin. On vient à toi tout à l'heure. On vient à toi. Allez, hop, on met ça directement dans l'oreille. Hop. Oh, ça lui a défoncé la moitié de la tête et attention. Oh là là. Alors là, ça remplace la girafe, mais je pense que ça va défoncer les murs un petit peu plus rapidement que la girafe. Le rhinocéros requin. Très classe. Vas-y, défonce-moi le mur. Alors, est-ce qu'on va plus vite que la girafe? Attention. Oh, un tout petit peu plus vite, vous avez vu, hein. Ah, tu mets, ça m'étonne pas. Regardez-moi ça. Là, c'est terminé pour eux. On va tous les démonter. Allez, hop. Alors là, qu'est-ce que ça va me transmettre? C'est les bras, je crois. On va pouvoir grimper plus vite. Oh. Et on va pouvoir être plus puissant aussi, mais non, ils nous ont pas donné de la puissance, sérieux. Waouh. Bon, mais il reste plus que le lapin et un truc mystère à débloquer. Nous, on va rajouter une petite girafe là-dessus. Et ça donne n'importe quoi. On est vachement grand. Et à la fin de ce niveau, on va découvrir... Oh, je l'ai démonté, ce petit truc. Oh, il n'y a même pas eu besoin d'escalade, non. Bon, attention, on va découvrir donc quel sera le prochain animal, si c'est celui qui est mystère ou bien le lapin, enfin. Oui, le lapin. Enfin, on l'a. Enfin, t'es là, mon petit. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. Waouh, le liquide est tout vert comme ça. On va te mettre ça, mais je sais pas du tout ce qu'on va avoir, hein. C'est peut-être juste une petite queue comme ça. Hop, dans le téton gauche. Enfin, à droite, du coup, téton droit. Oh, waouh. Donc là, on est vachement rapide, du coup. Je suis pas sûr qu'on soit plus rapide que le guépard, hein. Allez, on va te rajouter des bras de gorille. Ta-ta-ta-ta. Alors, voyons voir si, donc, on est rapide. Pour l'instant, ok, c'est pas mal, quand même, hein. C'est peut-être plus rapide, hein. Oh, waouh. Bon, voilà, maintenant, je me demande si le dernier animal, en point d'interrogation, si c'est pas pour une prochaine mise à jour, ou bien on va le débloquer maintenant, je sais pas, on va voir ça. Et j'ai trouvé une astuce, regardez, si on se met à peu près au milieu, on peut dévier le mur. Yes. Alors, comment ça marche? Oui, on va pouvoir l'avoir. Bon, allez, faisons la transformation ultime. Tiens, dans la tête. Waouh. Qu'est-ce qu'on est stylé. Il manque plus que des ailes et on aura la meilleure transformation possible. Alors, il est où mon petit aigle? Il est là. Viens là, toi. Et là, on va être très stylé. Attention, c'est parti. Ah, on peut pas lancer la course, apparemment. Est-ce qu'on aurait fini le jeu? Ah, ouvrez-moi ça. Ah non, c'est bon, j'ai pu relancer une course. Donc, voyons voir ce que c'est. Attention. Ah, ok, ok, ça ne m'a toujours pas dit. Il faut l'injecter. On la met où, celle-là? On la met dans les yeux. Bam. Comme ça, on va y voir plus clair. Attention. Oh, c'est bien pour la tête. Oh, mais oui, c'est l'éléphant. Oh, j'aurais dû le deviner parce qu'on avait vu au tout début l'éléphant. Oh, il est classe, il est classe. Et celui-là, c'est de la puissance, hein. Bon, ouais, écoutez les amis, ça y est, on a débloqué toutes les évolutions possibles. Quel jeu incroyable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye tout le monde.